Salut à tous, et bienvenue sur Magic Carina FR, comment ça va fou? Qui est un ça carré va... noir et qui est plus un carré noir? Ah euh, ben bah, ça va très bien du coup. Comment ça va le chat? Comment tu vas Incroyable. toi Incroyable, ça va patate, on est là pour le petit stream d'AP, un petit peu de yes. retard, désolé. Bah, la mage, comme d'habitude, hein, qui ne se fait pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on craft les petits decks, comme ça on peut partir tout de suite. Regardez ça. Trois beaux petits decks, 5C, mange pas de pain, et CST marker, mange pas de pain qui est Pro S, Mais quel plaisir! Quel plaisir ces petits decks. Bonjour YouTube d'ailleurs, ceux qui regardent la Rediff. Du coup, euh, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit abonnement si vous ne, si ce n'est pas déjà fait. Mais bon, maintenant on est aux 30 000, on regarde plus. C'est bon. Ah oh, ben, moi, moi j'ai toujours un peu faim. Donc, petit euh, espoir. 000, si jamais vous voulez nous soutenir, nous aider, on y est bientôt d'ailleurs. N'hésitez pas, euh, laissez le, le pouce bleu, partagez la vidéo, déroulez la description, partagez dans les commentaires. Vous connaissez euh, la chanson. Merci beaucoup, C'est l'air pour les Merci 5 subs offerts à Black Bull, à caliste à La Fugueuse, à Miss Apart et à Imzir. Régalo. Écoute, PL, on a fait tellement attendre les gens qu'on va switcher directement dans une partie. Oh. On a 3 decks pour commencer. On a 5C, Jeru et Azorette. On a G Sky Prouess. On a Celestina Marker. On a d'autres decks dans notre besace. L'idée ce soir, vous l'avez compris, c'est de tester les nouvelles mécaniques et les nouvelles cartes de March of Machine. Que du construit, que du standard en BO1. Et on va essayer de rosser d'autres streamers. C'est parti. Alors attendez. Ah voilà. Oh, je suis chaud. J'allais dire, euh, je veux pas jouer contre des bots par contre. Co Est-ce qu'on commence pas direct par Giroud là Parce que ça, ça m'a été demandé ce matin sur le chat. Mais... Attends, mais je voudrais ça juste pouvoir lancer bon, une mais... game. Ah, ça y est. C'est bon, tu peux. Toujours pas. Il sait que cette merde. Je suis con ou quoi euh, il, il faut pas que tu euh, skipes le défi des couleurs hum... Compte. Euh, Attendez. Non, mais je... si tu cliques sur défi des couleurs, est-ce que tu peux pas juste, tu en mode faire, euh, finir le défi, en mode skipper Il est ouf. Que... Euh, re reviens en arrière. Défi des couleurs, reprendre. Et là, je pense que tu dois essayer de le, de le skip. Euh... Dans les commentaires, peut-être. Dans, regardé... dans les paramètres. Je vais regarder le petit mail. Ah, rang étincelle. Oh, c'est nouveau rang. Ok. Trop bien. Carte interdite. Ah, Ragavan est déjà ban. Nice. Pourquoi l'avoir ajouté Maintenant, standard. Est-ce que ça fonctionne Oh, super. Super, super. Okay. Ça marche. Il fallait juste. De... Let's que go, je on est là. Euh, On part sur quoi 5C, là On est fou Oh, ouais, 5C, Giroud. Ouais, 5C, 5C Giro. les, gens veulent, les gens veulent voir Giro Azoret Ce matin, moi, sur mon live, ils m'ont dit Ouais, Giro Azoret, on veut voir ça. Eh ben let's go. On va tester ça, let's évidemment. Go. Un petit 5C légendaire. Symphoniers. Euh... Wow, ok on a une esplanade. Bon troisième land mais on en joue beaucoup je crois dans la DL. Tu joues 27 land ouais. 27 land ça skippe La Melira, Melira dans la grée, là. Ouais je crois que ça skip ouais. Bah t'es une curve quoi. En fait j'ai un triland qui me fait au moins mana vert pour mes trois cartes donc... Euh... Ouais, ouais une Esplanade qui fait n'importe quelle couleur surtout. Esplanade ouais. Ouais, mais si genre l'autre land ne faisait pas les couleurs pour mes deux autres trucs, je oh, vais virer. Oh! Sinfonirs, il est, il, est, il est pas là pour Galerie. Euh. Ouais, Talia, je pense. Hein. Ouais, je crois que Talia, c'est mieux là. Talia, ça te permettra de chum bloquer si jamais il a un Feldon. Hmm. Enfin, de chum, de bloquer favorablement même. Hein. Euh, non, parce qu'il a Kumano, donc ça sera une 3-3. Ah ouais, bien vu. Non, mais ça, le, ça joue, peut être chiant. Euh... Oh, bah le Phoenix, tiens, on en parlait. Kumano dans Phoenix. Ça va bourrer. Ok, bah nous on pioche pas, trop... pas notre land ouais. et on va trouver une troisième Ingazika. C'est dégueulasse. Ouais, c'est pas grave. Hein. En BO1, 27 land, c'était quand même assez, pro... assez peu probable que tu trouves pas ton land, ouais. mais c'est la vie. On va jouer une petite Melira. Melira qui va naturellement mettre des stops d'ailleurs, surtout. Ce qui peut être bien. Espère, les Legend n'a qu'à bien se tenir. Ah bah on est là pour tester les cartes, non Oh, félicitations, Fitzone. Ah, bah, trop bien, Fitzune Ouais, j'ai à lui. C'est beau, euh, Platine euh, à 8 ans. Hein. Franchement, Franchement. Euh, futur grain de champion. Ah, de fou. Ah, mon ah, cardboard de live, où. là. Là, malheureusement, les cartes ne sont pas ah actives. Mais si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas dans le chat. Tu bah, d'ailleurs, c'est euh, pas cardboard live, c'est un tête maintenant. Il veut tuer Talia. Bon, ouais, d'accord. Hein. Ouais, ouais, bah, vas-y, si, tout plat. Vas-y, vas-y, poto Merci pour le sub, Yunas Merci beaucoup. Ok, violence. Tu tiens le board. Ça bah, va aller. On va l'agréer là, son phoenix. Si jamais tu pioches n'importe quelle lande dégagée. Let's go. Par exemple, par exemple. Oh, J'aurais pu cibler Melira et je la sacrifie en réponse. Je peux faire pas. ça, mais on va pas le faire. J'attaque ouais, pas, parce pas. que si tu l'agrées là, c'est chiant. À 8 ans je lançais des 4-4 pour 6. Bah pareil Sayuro. Euh, hein. J'avais un deck de 100 cartes Singleton multicolore. Alors que maintenant on lance des 6-6 pour 4. Et je jouais euh, bon dernier problème. carré dans mon deck. Dernier Ouhla. carré c'est quoi Last, euh, last chance c'était euh, la Ouhla. carte du préco. Euh... Y'a ta cam qui fait de la merde là Ou c'est ouais. Discord Euh... Attends, oula j'ai fait de la merde. What Ah c'est bon. Je dois être de retour. Normalement. Alors, euh... oui, c'est bon. Mais je faisais, je faisais effectivement full merde. Et dernier carré, c'était la carte du préconstruit Apocalypse dans laquelle il y avait Gif de la Pénombre. C'était une espèce de gros rituel qui faisait, euh, qui faisait plein de choses selon ton... tes types de terrain de base dans tes manas. Ouais. Une espèce d'ultimatum chelou. Plus 3, plus 1, est-ce qu'il a fait tour Ah, ok, ouais. Bon, ça traite quand non, même. T'as pas, pas bloqué avec la Grella euh, sur une des... Bah je me dis euh, sur, euh, sur n'importe quel spell il la trade n'importe quel spell de dégâts et il récupère son phénix. Ah mais tu pouvais sacrifier ta si jamais il décide de faire ça tu sacrifies ta Melira pour protéger non Ouais c'était pas faux Après du coup je serais pas, pas fou, sa... ça je pas, sa... pas fou, ça c'était pas faux hmm, c'était pas faux à l'attaque Je peux faire un mana incroyable que tu m'as dit ouais, c'était pas faux, mais tu sais, un peu comme si c'était ouais, c'était pas fou. Bah, je sais pas, c'était pas fou ou oh, quoi. Est pas on est... En fait, on était haut en PF, donc je me suis dit au pire, euh... ouais, ouais. Oh, les Kenra, et ben, tu pouvoir jouer des cartes. Hein. C'est bien que tu es des... des cartes à rendement à rendement croissant, ouais. Euh... C'est ce plus Singa, ça fait qu'on peut faire plein de mana avec nos bêtes, c'est excellent ben rien. ben non, rien. Après, il y a un moment, tu deck Jirou et... et on fait des que trucs quoi. Mmh. Je peux ajouter un malade de n'importe quelle couleur de cette créature ou ajouter un malade de la couleur de mon choix, mais que pour des créatures. vigilance, protection, loup-garou. Mec, l'avantage, là, c'est que tu peux, de à... tu, peux à... tu peux commencer à chumper tranquille avec tes inga hein. euh... Ah oui, est de fou. Mais ce qui est bien aussi avec ce, Mec, il ce il deck, c'est qu'on peut transformer Katilda en carte de Yu-Gi-Oh! Très peu de mots clés, <laughs> beaucoup, de, beaucoup de mots. Je te propose Sokenzan, passe et puis fin de tour tu mettras des marqueurs avec ta Katilda. Hein. Mmh. Je foutrais bien 4 points et s'il bloque, euh, j'en joue une. Quoi, c'est vigilance ça Vigilance, ouais. Toute ta vigilance. Ah bah ouais, ouais, ouais. Je sais pas, pas pourquoi. Ah bah c'est Inga qui fait ça en fait. J'avais pas vu qu'elle se donnait elle-même. C'est pas une mauvaise carte cette Inga, on l'a peut-être un ouais, peu. Ouais. Euh... On l'a un peu mal jugé, peut-être, euh, ma pauvre. Euh, bah là, j'avoue, c'est ok, mais bon, disons que c'est des créatures qui disent si t'as du board, tu fais du mana, et si tu fais du board avec ton board, non, non, avec sûr. du mana, tu mais... touches une carte. Mais tes stats minimales sont bonnes. Ouais, ouais. Mais j'avais zappé que ça, ça se donnait soi-même la vigilance, du coup, c'est un peu meilleur. Ouais, ouais, c'est pas, pas, pas exécrable, hein. franchement. Oula euh... Belle pile, monsieur <laughs> Calmez-vous, monsieur ça piétine ça Ah, ça piétine même pas retourner, c'est fort. Tu vas pouvoir bloquer et buffer avec Katilda pour attraper la 5-5. Par contre, il va falloir que le mec se calme tout de suite. Tu te calmes, Symphoniers. Je t'invite à bloquer la 5-5 avec la 4-4. Et. Le truc, c'est que sur un spell, on la traite plus. Donc peut-être qu'il vaut mieux voilà. trade comme ça pour la manger. Et, et l'agréla là sur un, une vive lance. Non, sur un adversaire, adversaire ça... quoi que on peut faire ça et je donne catilda sur ça non catilda elle va bloquer ça parce que je vais pumper et là, la... et là maintenant tu pumps tout le monde 5 6 7 8 9 10 11 12 là, euh, il il pas mort normalement okay. il est quand même fort hein. je tiens je... ah, si. quand même à préciser si il si, a l'état il a l'état de pile, 12 piles, ouais. Ah, c'est abusé. Enfin, sa séquence, elle est, elle est honteuse. Voyons. Ouais, ouais, J'avoue, il nous a défoncé là. La séquence du type, elle me elle me rend fou là. Elle me dégoûte. Ouais, ouais. Bon, tant pis, c'est pas non, grave. Merci, si, c'est fort. Bah, J'avoue que, putain, j'avais pas capté que ça allait piétinement euh, à, à l'envers et à l'endroit. Euh... Uh c'est à partir 5 C de. Euh... Après, bon, j'avoue que de mono, -raid, présence, hein. mono Raid, on ajoute euh, le chacal et le phénix. On part d'un deck très bon. On a un deck peut-être meilleur. Donc ah euh, oui, non, pour notre bon deck bon 5 bon C rigolo, bon j'avoue que c'est pas le meilleur match-up pour tester quoi. Mais gros, on va le, on l'aurait défoncé. Oh hein. oh croquis. Croquis. C'est croquis avec une faute ou c'est croquis Ça m'amuserait que ça soit croquis avec une faute. J'espère. l'équipe ça, tu vas faire Katilda dans Inga. Mmh. Oui, il y a du bleu, c'est bon. TKT, la mana oh. base est au petit, il joue de au wound, petit oignon euh, oh, Je vais jouer ça pour ne pas me piquer, au cas où. Ouais. La, la mana base, elle est imba. Croquis est déjà sûrement le meilleur deck. Ah bah oui. Bon, en fait, il a tous les decks. Ah Bah, déjà, il joue des droits à la gorge. C'est interdit en stream d'AP Croquis. Pas cool. Pas cool, pas cool. Ouais, tavien, Faut que je dise quoi tavien, comme tavien. type Faut que je dise humain Ouais. Faut que tu dis humain, ouais. Je dis humain. Avec un Z comme Zoro. Parce que Jero est humain. Yeah. Ça, c'est beau. Ça va faire chier. Vorak. Ouais, c'est Croquis, c'est sûr. Euh, pareil, pour l'instant, je vois pas la la nouveauté oh. mais mais why not bonsoir inga inga izika let's go tour d'après c'est joda je fais du mana je vais vigilance initiative je taxe oh, t'es là hein. mais euh, croquis je connais ça qu'est ce que tu nous proposes là là c'est le deck euh, d extension d'avant mais ouais 3 points avec vos racks. moi, moi. Je pense pas qu'il est là pour jouer fun. Bah, nous non plus, hein, cela dit. Hein. Oh. Bon, c'est pas mal Adline, non Double bête ou préfère... Adeline, ça me plaît bien. Ah, J'aime bien Adeline. Ouais. Il vous propose un octogone vénère. Mais gros, on, on relève le challenge avec, euh, avec grand plaisir. On Adeline, est là, euh, hein. J'ai rajouté ouais, ça Adeline, dans Raffine, ouais. euh, c'est trop fort méchante carte comme on dit ah nickel moi j'avais bien envie de me faire gérer toutes mes bêtes n'attaque pas écoute t'es pas si mal tu landes tu fais ton double double drop 2 et puis, et puis on est là hein. ouais Bim, je me pique. on teste euh, un deck euh, 5c euh, azoret jeru euh, bobby max bobby max Okay, pas de galère. Ça, on connaît. C'est les classico. Allez, Joda. Joda, moi, ça un peu, là. Et là, on tente de faire une bêtise Et là, c'est la patate. Ah Ou oh, putain Ah, ben, bah, c'est qu'ils sont ça gros, ceux-là. Si on avait <laughs> le... les chats et le bordel, là, qui donnent vigilance, on est régalé. Ah, j'avoue. Maintenant tu top deck et c'est la fin du monde pour lui. Bon il a combien de Vras à ton avis le monsieur Quoique Pas que tu des mains. De avec Vras avec Joda. Avec hein. Joda, euh, non, Ajar. Avec euh, Ajar, même avec Melira quelque part. Un petit peu, ouais. Je, je pense vraiment que c'est pas mal. Tu sais que ce deck là, euh, depuis qu'Espère Legend existe, il euh, y avait une version 5C Legend oh. qui avait parfait au LEC Naples. Et genre, okay, c'est un peu obscur et soum soum, mais. mais j'aime bien. Ah là. Voilà, je suis que si Talia ça bien dans un deck il contre Il est toi. en Tibet. Oh. Trigger Joda. Je casse ça gratuitement. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Le deck, il est pas bien ce deck Il est excellent. Il est pas bien ce deck oui, Il est excellent ce deck. Allez, ciao, Croquis! Bam. Oh le coup, vais... c'est qui tue. Je vais voir si c'était lui ou pas. Ouais, c'est bien lui. Formidable. Son chat qui lui dit ne concède pas, ne concède pas. <laughs> Alors, son chat, ça, ça son chat pas en plus, lui, lui dit Early concède report. <laughs> c'est interdit ça. Ah, je je l'ai pas entendu, oh. mais je le vois. Je, je, le, je reconnais son visage, il est en train de pester Tu le vois fulminer. Ouais, il fulmine, il fulmine. Mais il a bien raison. Val, enfin, sais-tu que l'idée de c'est juste trop fort Non, je sais qu'on peut janker avec, mais c'est pas trop fort. Arrêtez. Oui, il y a des combos qui mettent 20. Oui, je sais. Il y a aussi des combos qui mettent 20 avec Ergul. Eh oui. Oh C'est la tradition, ça s'affronte. Hein. On l'affronte chaque ah, bah, stream d'AP. Ah, oh, c'est pas mal. Hein le mec équipe. Bah, il y a la carte qu'on veut tester donc. Euh... Oh ouais. non, ça frône Olive Oh, c'est oh, décep... pas fou ça La hein. déception La déception hein. C'est pas fou du tout. Pour l'instant. Je m'attendais euh, à affronter un jungleman. Est-ce qu'on se prend deux fois le phoenix sur deux comme ça on est content Oui. Oh, let's go Petit tranquille. Tu pourras faire Sokenzan le tour d'après, ce qui est pas si mal. Et eh bah ben, tu, tu bloquais bien son Kumano jusqu'à ce que... Alors pour tous ceux qui demandent si on a testé 6 à 6, ça, ça fait 10 minutes qu'on lance des games, donc là on a testé que le deck euh, que vous voyez actuellement. Ouais. Euh. Ok bah t'as lié encore. T'as lié again. Bah est-ce que c'est pas la tradition d'humilier tous les streamers en AP euh, oh. rablé C'est quoi je lis pas Jero Azoret, j'ai oublié ce que ça fait. Juste quand j'ai 5 manas, je le caste. Ah oui oui, bah t'emmerdes pas hein. Puisque oh les gens, visiblement en face, ils s'emmerdent pas non plus. Ah, par contre, il euh, y a une ligne de texte que j'ai pas lu c'est quand as une en main, tu peux shoot les autres. Ouais, ouais, ouais. J'allais dire ouais, mais, mais, mais en fait. Bah, non, vrai, non, c'est euh, juste euh, le non. cas. C'est <laughs> juste ce qui se chiant, passe. Ouais. Bloc, bloc. Bloc, bloc, c'est un bluff. Bah ouais. Hein. T'as un spell, vas-y. Il joue quoi C'est quoi par contre ce qu'il a en haut C'est Yura euh, Brask, le nouveau. Ah, Yura Brask, ok. Stylé. Je pense que c'est pas super bien dans mon orède, mais. Alors, hop, hop. Alors, non, 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 non. Bah, bah, non, ça pas, pas la vérité, là. là. Mmh, je crois pas. pas... Tu, tu peux, hein. cela dit, parce que derrière, tu, dé tu développes un drop 6. Mais sache que là, euh, il fait rien en arrivant. Mmh. En fait, l'idée, c'est de curver jusqu'à lui. Et après, lui, tu le joues quand t'as plus de cartes en main. Ok. Du coup, là, je, mais fais, tu, quoi je peux fais ça. Tu peux le jouer maintenant. Bah, il, ça, ça se discute, quoi. Est-ce que tu penses qu'il peut le gérer Je sais quoi. Vous pouvez une carte de créature légendaire parmi. Il l'a casté. C'est gratuit quand ça attaque. Le truc, c'est qu'en fait, il va me jouer une 4-4 initiative. Donc, ma 5-4, c'est de la merde. Je vais jouer ça. Euh, ouais, après, ta 5-4, si elle trouve Joda, il la traite plus. Hein. C'est un peu un peu gambolue, hein. avec, euh, Ah, bah voilà. Gamble ou pas Gamble Là, je suis content. Ah, super. Bah, Exil, lui, ça, Paye avec euh, Inga. Non. Mais ben, oh, je on veux pas attaquer. En payant avec Nga, non Non, okay. c'est 3 trois ouais, ouais, ouais. mana de créature. On pioche une carte. Ah d'accord, ok, pardon. Ouais. Je dis bêtises, alors excuse-moi. Oui, tu veux attaquer alors, c'est moi. C'est moi, Doug. J'ai pas les yeux ce matin. Qui se fait une pomme au four euh, Alors en faites gaffe si vous jouez Inga et Zika, je pense que ça va vous faire des, des paiements bizarres. Hein. Oh Oh Stop oh, de, de flammes bien naze. Oh, tu vas pouvoir trigger Jérou. Saffron Olive, concède pas. Concède pas, concède pas, concède pas, cède pas. Et là, c'est en célérité. Oula, oula, oh, tu... oula. Ah oui, parce que ça te propose de piocher une carte. Il faut pas que tu pioches une carte en plus. Ouais, ah, ouais. Que je le disais juste avant, attention, ça vous propose de la merde. Ah là, ça te propose <laughs> bien oh, de putain. la bien... Mais putain, mais c'est fou. <laughs> tu dois tout casser à la main. Mais. Mais non Mais il te manque un mana. De rouge, ah non, blanc, de deux rouges, un blanc, deux Non, attends. Euh... Ah, voilà. C'est marrant B. ça quand même, tu vois. C'est fou ça. Oh putain. <laughs> oh hey, putain. <laughs> Moi franchement je suis désolé mais Zéro mana. Kiffe. Bonsoir. finalement <laughs> c'est hérité, c'est trop tard. Et tu sais ce que tu fais fin de tour, oh. tu buffes tout ton board. Ah, faut que je fasse maintenant, sinon il n'y aura pas la liste. Ah bah fais-le maintenant alors. Comment on fait, fait ça. Ah non Il te manque un, tu peux pas. Il en manque oh. une. Voilà. Ah, quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis battu là. Euh, le, le jeu m'a battu, mon, mon cerveau a pété. Euh, je Attends. Je suis plus là. Mais où Pourquoi on n'a pas pu là je... Pourquoi le jeu il a dit, ouais, oh, c'est bon. Gros. Mon cerveau gros, on l'a enlevé, on l'a foutu dans l'ISS. Euh... Ce n'était qu qu'un rêve. C'est pas grave, on a fait un immense port et ça c'était fort. Mec, oh, ça en rime. Encore une petite. Encore ah oui, une petite oui, il oui, oui, bah, faut savoir que le deck d'après, euh, le plafond est plus bas et le plancher aussi. Donc euh, voilà, il faut prendre du plaisir tout de suite. Tu penses que le plancher est plus bas Non, le plancher il est un peu plus haut quand même, non Ah, le plancher ah, est quand que... même plus bas. Ah, euh, quand même, <laughs> euh, quand même. Pour matcher des 3-3 pour 2, déjà, c'est pas facile, quoi. Ou alors, je serais agréablement surpris. Bon, ah en bon. tout cas, il est, il est, il est juicy, ce bec. Ce oh, il est bien juicy. J'aime bien les decks juteux. Il est... Ah, j'adore. Il a plein de jus, celui-ci. C'est que pour des sortes de créatures, ouais. Euh, Vraxy trouble. Ah, Hidaro est pas humain, donc ça marche pas, d'accord. Ah Allez, oui, donc ça marche, exact. Pas, ouais, ça marche Ah oui, mais en fait, il, il était euh, allumé parce qu'on pouvait faire du mana. Attends, mais si, parce qu'il y a Ezika euh, machin. Oh, Nicole Brolas. Et il y avait Ezika et Inga là, qui font du mana à n'importe quelle bête, regarde. Les créatures vont contrôler la... en la vigilance et ajustable un malin avec l'ordre de choix. Ah oui, ah ouais, mais c'est bah, que coup, pour lancer un sort de créature, on peut pas activer la capa avec. Voilà, c'est ça. Ah Allez, euh, garde D'ailleurs, tu peux faire des mains de merde, c'est possible ou. Comment ça se passe Ah, si tu demandes, je peux. T'inquiète. Je peux avoir euh, 4 talia euh, de blanc, si tu veux. Oh putain, ça joue un converteur mire en face. Ça, ça fait plaisir. Petite Catilda tranquille. Euh. 4 4 4 il la... dans ah Isika. oui, dans Izika, ouais. Ouais comme ça on fait des dingues ouais, je pensais Thalia dans la Gréla pour gérer un truc mais bon, tu bien pourras aussi. quand même le... ouais ouais ça marche aussi ouais. en fait Thalia dans la Gréla c'est plus chiant pour lui pour gérer mes bêtes je pense que si t'étais en ladder compétitif dans le méta tu aurais fait ça aurais fait ça ouais. mais là on est en AP tu vois ah, en ça AP tu peux juste couille. faire des trucs proactifs bien débiles l'extension sort mardi ok c'est marrant euh... c'est marrant c'est pas marrant oh, je fais la Gréla il hein. fait quoi il fait quoi le converteur mire de 2 points de vie il fait un mana de la couleur de ton choix Ouais, vas-y, vas-y, pique-lui ça. S'il joue ça, c'est qu'il a un destin funeste pour nous, donc. Euh... Je pense, hein. Funeste ou funèbre Ou les deux Destin funeste, j'ai toujours entendu. Funèbre, on dirait le nom d'un Pokémon, alors que non. Oula, non. Ah, donc, je vais son impératrice, là, je le vois venir, Coco. J'aurais dû jouer ça à Mine 1 Ouais, tu faisais ça à Mine 1 et tu battais l'impératrice. Ah bah je bois pas ça dans tous les cas. Hop. Est-ce que tu peux piocher un terrain Je vais essayer. S'il te plaît. Hum. Mmh, délicieux. Bon, voilà. Va je vais vous prendre voler. ça. Viteuf. Il a pas de TB. Ah putain, on est con. Alors que avec Inga, ça marchait bien quand tu sais j'ai lâché la jouer. souris, je me suis dit Oh putain merde. <laughs> oh les cons, je suis fatigué, merde. Ah bah le premier panne de la soirée, hein, c'est parti. C'est pas grave, non, c'est pas en grave. On va se remettre, on va se refaire. En vrai, c'est bien de faire du board, ça fait du mana. Bon, mec, c'était tout calculé, Ah oui, mais non. Mais qu'est-ce qu'il fait, fait qu Qu'est-ce qu que tu fais, Nicole Brolas Il fait deux fois un... le TB, là Ah ouais bah ouais. Oh, les deux Jirou Azoret. Ouais, il va t'enlever Inga, je pense. Hein. Ah ouais. Parce que là, t'es loin de casser de Girou euh, dans cette config. Euh... Ah, c'est pas faux. S'il m'enlève ça, je la casse pas du tout. Il peut enlever Comment Inga Comment gérer les jambes dans notre deck euh, On n'a pas d'interaction. Ah bah, on a que la là donc on peut pas, ouais. On a Otawara. Il est là. Et bonsoir Windsor. Olivier Giroud Ah non, ça n'a pas fait double TB. Ah non, mais c'est pas une capacité, en fait, c'est le marqueur qui, qui trigger. Mmh, ouais, c'est pas un WTB. Après, il y a moins de données. va juste se bloquer. C'est incroyable. Ah, je bloque avec tout, euh, je suis frais. Hein. Non mais là on a perdu. Par contre je comprends toujours pas son deck. C'est espère... Euh... Espère gagner Je sais pas. Aucune bataille, TKT on a des batailles nous David. Toujours, toujours à la recherche euh, d'une nouvelle carte. Ah elle est là. Ah il doit jouer tous les Pretors putain. Ah c'est ça son deck. Ah ça me fait pas du tout vibrer. Ah ouais, c'est trop gras. Ah je suis déçu. Ah c'est trop. Ah putain. Non non. Ah putain, c'est trop. Désolé tout Nicole Brolas, euh, j'achète pas. Ah ouais moi non plus. Après là il se trouve que euh, un des QTB, quand ils se prend les chantes, bah, ça perd bien quoi mais... Ouais. Ouais ouais ouais. Merci Spony pour le sub. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Euh, ok c est, c est ça bien. monte. Et on peut pas euh, on les concède. On peut pas. Ouais, mais s'il si met très longtemps à nous tuer, ça va être très très chiant quand même. Je vais voir. En vrai, là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ton prochain, il fait son truc. Donc en vrai, on a perdu là. Ok. Oh putain, il fallait qu'il trouve Zérolande. Oh, Oui Il va réanimer Joda. Est-ce qu'il va jouer avec la nourriture et montrer son deck ouais, euh... J'espère que non. J'espère que non. Non, c'est pas stylé, nous pest. Tribal Praetor Non. En 2001, j'avais 10 ans et j'aurais pu faire ça. Ah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Presque. Ah on est, on est presque mort, mais du coup on doit attendre patiemment. On va voir une dinguerie quand même. Merci Brocorp pour le prime. Merci beaucoup. Ouais, ça va au moins nous permettre de voir quels sont les Pretors qu'il a décidé de mettre oui. dans son deck. Oh, je peux te faire une liste. Hein. Il y en a cinq et euh, il y en a deux de chaque. Tu, tu penses qu'il joue deux de chaque prétor? Ben bah, il joue euh, les deux, genre la version direction euh, et, ouais, et la version euh, March of machine. Okay. Je pense. En hein. oh, stream d'AP, il fait ouais, ça. Justement, je sais pas. Hein. Yes. C'est l'âme d'enfant de Lopo qui s'exprime. Yes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sauf que comme c'est euh, euh, comment dire à mon détriment, bah, forcément je. je... Moi, j'adore exprimer mon âme d'enfant, mais le mec qui reçoit, euh, forcément, est un peu oh déçu. C'est vrai que ça fait ça, des fois, le deck. Euh... Non, j'en fais pas je toujours aux c'est d'ailleurs. Ça dépend, en fait, quand il y a des nouvelles cartes meules. Et là, je crois qu'il n'y en a aucune. Donc, euh... Genre, euh, j'en fais quand il y a des nouvelles cartes et on se dit, ah, on peut essayer de faire un truc. Mais euh... ah, il est long. Mais là, y a trop, non Mais là, il y a rien de nouveau. Allez Nicole Brollas, montre-nous ce Allez, que tu vas sais faire. Et on Attends, peut pas ouvrir le Jonas, chat. Ça voilà, bien. 10, sacrifie. Je comprends. On mettre va mettre qu'un seul Vorinclex. En fait. Ah c'est vrai que Vorinclex n'est euh, plus en standard. Bon, mais je pense qu'il joue que les versions Esper, non Il doit pas jouer ni Urabras ni Waraklex. Ouais voilà. Effectivement, oh, c'est un prétor. C'est marrant. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, il en joue, il en joue oh, qu'un de chaque Euh, un de chaque. euh Putain, non il joue double gin, double shield red. Le Il joue effectivement, effectivement deux hein Oui oui c'est ça, ouais, il joue deux chuck. Ouais. Mais il joue pas les off-color. Il joue pas les off-color et il joue geeks. Eh ben bien joué hein, moins 17. Bien joué Nicole brolas ça va, il nous a tué vite. J'ai été mauvaise langue. On n'a pas eu à souffrir trop longtemps, c'était cool. Non, ça va. Même s'il trouvait un land, il nous tue un temps plus tôt. Tu veux en remettre une petite dernière C'est non. Ah ouais. Allez, on oh mange oh pas de thym. Oh putain, c'est non. Ah, le, le double Jérôme, euh, c'est Romana Rouge. Euh... Ah ouais, c'est vrai. Ah bah attends, je vous montre après. Il y a les sources pourtant. Hein. Ah bah il y a attendez. les sources pour ça hein. je, hein. je peux annuler avant de trouver une game. <coughs> Ouais c'est un peu gras, c'est -ce la nouvelle méta. Ouais non je crois pas. Quand même, euh, Dakon EM c'est un peu plus... Euh, c'est celui-là. Ah c'était pas celui-là que je voulais que tu montes, c'était Jeskai. Ah oui, oh, bah, je monte quand même pour, euh, pour ceux qui se demandent, ceux qui sont arrivés peut-être entre-temps. Euh, ouais, voilà. Franchement c'est voilà pas ridicule du tout. Hein. Bah, ça fait des sorties... Euh... En fait j'ai l'impression que ça fait des sorties un peu comme Esper Legends, un peu patate. Euh, sauf ouais. que t'as un, un plafond euh, un peu débile avec Geroazoret, mais que ta consistance, par contre, elle empathie euh, fort. quoi. Ouais, ça va. Franchement, il n'y a que sur la dernière que t'as galéré en mana. Hein. Ouais, même ah, genre oui, bah, les, les ouais, doublons. C'est euh... évident que t'es moins interactif et puissant qu'Esper Legend, mais tu mmh. fais des choses proactives plus puissantes. C'est pas tellement ouais. ta consistance que tu perds, je pense que c'est surtout ta réactivité. Ouais. Ta disruption, après, quoi. Après, t'as que deux. Euh... T'as que deux interactions dans Respire Legends. Sinon, t'as Talia pareil. Euh... En fait, tu joues 3, 3 Go Force The Trophy et t'as des Lands. Ouais. Et t'as des Ouais. Enfin, c'est des interactions qui sont plus instantanées, plus filoues qu'une Lagrella qui est bien rituelle, bien pourrie, tu vois. Ouais, ouais. Non, non mais écoute, euh, intéressant. Après, son, il, y a, il y a 5C, donc forcément, c'est moins bon au niveau base que 3C. Hein, mais... Et oui, du coup, oui, là, on oui, va oui. tester ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec tes 4 cours retirés et tes 4 esplanades, c'est pas totalement euh, invraisemblable. Ouais, ouais. Oh, je pimpe. Ah, je peux pas. Ça, du coup, c'est Jeskai. Euh, Jeskai euh... Prowess. Jesky Prowess, Pro voilà. On joue des bêtes qui trigger quand on joue des sorts. On joue des sorts pour trigger nos bêtes. Et let's go. Ça a l'air grave cool comme deck. Oh, je pimpe. Ah ouais, toi, tu fais un deck de, de pimper, là. Ouais, oh, je sais pas, j'aime bien euh, J-Sky, ça te parle. Vas-y, 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 pimp, pimp donc. Bah, je me dis, ça va être dur de gagner des games, donc si au moins on peut avoir des jolies cartes à voir. Enfin, ça dépend. C'est tri Tribal Moine, c'est vrai que c'est un peu Tribal Moine. On pourrait mettre des cours retirés. Eh ben, salut Lanier, bienvenue à toi, bienvenue sur le chat. Ça me plaît bien, moi, ça. Hein. ça c'est pas cher, hein, si on veut, fou le, Faut le bruit de le deck. Hein. Hop là! Oh, tu peux pas, pas stock? Eh oh, non, là, ça doit dommage. être dans le poste de combat. Trop dommage. Dans ah, le poste dommage. de maîtrise. Allez, ça mange pas de pain. Je m'attendais au deck Kintorius. Il arrive. Il arrive, Estef. Il arrive pour Décaté. pas vous faire trop attendre et tout. Entre les, les decks et la mage, on a un craft que 3. Ouais, ouais. Mais euh, il y en a d'autres sous le coude. Décaté, je l'ai trop défendu ce Kintorius pour ne pas le tester. Euh, vous aurez un avis définitif sur notre ami l'éléphant dès ce soir. Vous Saurez tout. Non, sur non, j'ai euh, dit à le même. Euh, Vas-y, on teste euh, Quintorus et tout. Je suis chaud de tester, de voir ce que ça fait. Hein. Si la carte est forte, euh, moi je serais content de me tromper. Mais je pense que euh, en soi, ce sera. Après, là, en stream d'AP, ça risque d'être meilleur que ce que, que, ce que ça l'est. Mais. Euh... Mais je veux voir quelle fonctionnalité ça a. Genre, si c'est capable, entre ouais. guillemets, juste d'être un 3-5 qui point un 3-2 et qui fait un peu de value dans un deck midrange. Et ça, pour le coup, on. Enfin, on aura cette vision-là dès le stream d'AP mm. Oh, alors là, on sort comme au rouge. Mais nous, on ne l'est pas. Surprise. Et bien euh, fait, je m'amuse avec le feu ou pas Non, je suis sale. Oh, je pense que tu fais. À ah, quoi que, non ah. Parce que tu pourrais oui. le faire. Ouais, ouais. Le oui était parti avant. Euh, ouais, ouais, mais c'est pas grave. Euh, parce que tu pouvais, si tu trouvais un mana rouge, faire Iconoclast into s'amuser avec le feu. Alors que là, c'est obvious qu'on va le donner dans rien. Et c'était un play de merde, pardon. Euh, ok. C'était très mauvais. Euh, on aurait pu vraiment la jouer Iconoclast et le protéger avec renflouage. Et je pense qu'on gagnait la partie sur ce play-là. Non, là, là, tu te fais défoncer. Il a déjà un spell, là, un, il en a encore un. Il y a que ça, un, normalement. Ouais, il en a deux en 9 carte. cartes. Prends, prends pas le risque. Bah après, fou. je peux renflouer. Je le... Ah non, je la tue pas, je suis con. Cool. Non, non, prends pas. Enfin, genre, on a pas besoin de tuer maintenant, au pire, donc. Ouah, tu pourras toujours tuer ce Feldon, par exemple, si on veut. Feldon, c'est chiant à tuer. Bah, là, au final, ça lui donnera. Il a déjà 4 cartes en main, donc tu lui donnes 2 choix de plus ou pas pour le tour d'après, tu t'en fous un peu. Hein. Enfin, dans tous les cas, on va le tuer ce Feldon à un moment, donc. Bah justement non, il bloque pas. On n'a pas besoin de faire Feldon. Bah je prends 3 et je lui ce Feldon sur ma phase d'attaque. Ok. Je pense. Ouais, et si jamais il veut buffer euh, la vivance. Oh. J'ai un autre et plan. Là, là tu peux Iconoclast et juste attaquer avec vivlance Ouais. Merci Dark Calimero pour le 40e mois d'abonnement. Merci, oh, merci beaucoup. Ah j'ai oublié de désactiver les... Euh... Point de chaîne, désolé. Euh, donc, il n'y aura pas de devinette. Est-ce qu'il y a un modérateur pour y rembourser euh, MTG Anox Est-ce qu'il y a des modérateurs Est-ce qu'il y a des modérateurs ce soir S'il n'y a pas de modérateur, je donne une épée au hasard là. Il y en a un qui passe. Si tiens, vas-y, on nomme 4 modos par semaine. Euh, ça, ça, ça va être c'est ça. Direct. Je perds ça sur euh, le spell à 1 autour duquel on tournait, mais. Ouais, C'est peut-être trop chiant. Ouais. C'est quand même relou de le laisser trigger ça euh, hein. Fait chier. S'il a son spell à 1, tant pis. Tant pis, tant pis. de bah, toute façon, euh, Iz Tempo, ça bat pas mono raid, tu vois. Genre, euh, on n'est pas armé pour le matchup de base. Oui. Oh putain. Bon wow. wow, ouais, oh, 0 ouais, ouais, dégâts. Ouais, ouais en vrai oh. ça va, et franchement. C'est pas si ouf là comme, comme pattern. Hein. Ouais oh, ouais. Oh je le mets hein, tant pis. Je vais pas attendre d'avoir un land si. C'est dommage, n'importe quelle land tu fais des dunks derrière quand même. Ouais je suis pas pressé. Je crois que t'es pas pressé. J'attaque oh, même pas je crois. T'attaques pas, tu peux double bloc la vive lance, tu peux te chumper. Je pense que tu attaques avec la vive lance mais pas avec le 1-1 si jamais tu veux te chump. mais En fait je peux bloquer euh, Feldon et, euh, et m'amuser avec le feu sur le squi. Ok. Donc je suis fait le donner Squee. Ouais, Justement, okay. j'attaque avec ça, je crois. Ok, ok. Donc je peux convoquer aussi, suivant ce qu'il va faire. on s'il fait il joue. Et il joue pas son. Ok. Si, il peut trouver Land et rejouer son squeeze, si s'il le veut. Tu peux aussi Stock the Flame sur la Vive Lance en réponse. Ou Stock the Flame sur le Squee, mais c'est pas très bien. Que le plan c'est s'amuser avec le feu sur ce couille, juste ouais, ouais, je vais oh, laisser et non, mais ouais, mais il va pas attaquer si je, si je le tue parce qu'il sera 2-3. Là, j'en prends deux. Il y a juste une 1. Oh. Un... Ouais, en fait, si euh... jamais je fais ça, ça trigger, il y a une 2-3. Il attaque pas avec ça 2-2. De Là, je bloque, je bloque ça et personne et personne son squeaker. Ah parce que tu voulais attraper Feldon. Ouais, ok, ouais. d'accord, ouais. ok, tu trades la 2-2 contre une 1 un, un, et deux cartes. Euh... Ouais, c'est ça, deux cartes de value. Ouais, ouais, ok. Bah. Je peux même bloquer sa violence, mais bon. Ou oh, alors je suis ça, 1-1. Ouais, non, c'est con. Non, non, non. F Prends F donne, compte, con. C'était ça le play. Euh, Redonne-lui des. Enfin, on s'en fout en fait de ses possibilités là. Ce qu'on veut, c'est temporiser nos PV. Ok. Bon, il arrive ce putain de land ou. Bon, en vrai, ça c'est bien. Hein. Toujours stock the flame en plus. Ah, tu peux plus stock the flame cette attaque. Donc, ouais, passe. Je crois que oh, Je retrouve euh... les sensations d'avant, là, sur le stock le up. Stock up, c'est pas mal. Et tu sais que Mentor plus activer les flammes, ça rend le deck vraiment plus, plus punchy, quand même. Ouais. Bah ouais, mais c'est l'ajout des je, deux je, qui, qui régale. Je te disais en off que ça sentait toujours la merde, UR Spell, à chaque standard, on veut faire fonctionner et c'est difficile. C'est vrai que là, ils nous ont donné des vrais ajouts, quand même. Oh, il squee et il va stocker les flammes avec tout. Non. Est-ce que je tue là Ah, si je tue, j'ai aucun bloqueur. Non, je crois que tu peux pas tuer. Je crois que tu peux pas trop tuer. Par contre, est-ce que tu tues sur le comeback, toi Non, pas du tout. Euh, mmh. Tu peux bloquer et stocker après tes blocs. Ouais, je vais faire ça. Ça et stock là 2-3. Ouais. Ça ok, c'est bien parce que t'as le t'as le comment dire le rôle un peu du deck contrôle là et, et ça fonctionne plutôt bien. Ouais, ah, et non, il arrive à taper, putain, quelle purge, mais le en rouge. rouge hein. Et je crois que tu restes encore short up up. Ouais, mais je vais pas bloquer que ça. Non, c'est ça. Je pense que tu peux envoyer que l'iconoclast. Là, ah, tu peux envoyer là 1-1, un, un, puisque. Ah non, mais lui, il va te faire un. Ah, il faut que tu joues ton mentor, là. T'auras pas le choix, je crois. Pour bloquer son. Son Squee. Ça fait chier, mais. Pour bloquer Squee Après, je bloque avec. Euh... Non Avec Vive. Ouais, non, le joue pas. Je crois qu'il était 2-3. Je dis de la merde. Il est 2-2. T'as pas envie de bloquer. Je dis des conneries. Ouais. Trop de monoraids sans déconner. Ah ouais, ouais, je suis que... <laughs> non, Ouais, euh, sur. On a déconner. fait 5 games, on a fait 2 monoraids, je crois. 3 monoraids. Trois, mono Trois mono ouais. Bah, pas, pas dingue, quoi. Moi, ouais, je suis assez étonné que les gens testent ça en AP. Nous, on s'est dit clairement en mode est-ce qu'on teste monoraids pour le ouais. Phoenix On a dit non. En, fait, en AP, euh, tu peux tester euh, des trucs que tu n'auras pas forcément envie de craft. Après. Ouais. Donc, c'est un, un peu de friend, dommage là. de. Non. Ouais, il a toujours d'exilé. Ok. Bah, allez, attaque, je peux rien y faire. Il ouais, faut que tu restes en flou à job pour son stock the flame, t'as pas le choix. Du coup, je fais quoi Je bloque juste comme ça, comme ça Ouais, malheureusement. Si tu veux tourner autour de son stock, t'as pas le choix. Oh, il va le faire là, non Ouais, oh, il fait pas. Bah, s'il le fait pas, il s'en va donc. Euh... Ça serait con de pas le faire. Je sais plus qu'est-ce qu'il a exilé. C'était indétermination, je crois. Ouais. Allez, on ouais, drop pas. Est-ce que ça tue Balmor Non, ça tue pas du tout, t'as pas de spell non. à mettre au bout. Non mais ça... Ça, ça bloque un peu. Euh... Là, j'essaie de mettre l'eau en point de vie pour que Balmort tue. Balmort avec un spell, ça soit létal, ouais. Ouais, je crois qu'il faut que je mette ça aussi. Il a que des squis. Il est au top deck, là, donc. Euh... On peut bloquer ça, par exemple, ou ça. On prend 1, 2, 3, 4, 5. Attention qu'il a déjà pioché ouais. beaucoup de land. Là, Si pioche un actif, t'es mort. Hein. Faut que tu essayes de vivre autour. Enfin, de, de tourner aussi autour d'un. Un blast. Non, ah ouais, c'est bon, aussi là. la violence. Bah, c'est ce qu'ils peuvent pas les caster parce qu'il en a déjà un. Ça, je suis d'accord, mais s'ils trouvent le moindre, le... Le moindre blast, t'es mort, non Euh. Quoi Quatre blessures, hein quoi Une autre bataille ciblée ou un adversaire ciblé What ouais. oh, Je l'avais pas vu celle-là. Non, monsieur. Il se trouve que ça va te péter la gueule, mais ça fait chier. Il attaque la bataille Bah non, il faut Pourquoi attaquer il attaque moi. la bataille <laughs> Qu'est-ce que tu fais, gros Bon, after office, où, où tu es Je suis une source non créature que vous contrôlez. Je suis bien sûr une créature. Une bataille, un pardon. Ouais, mais laisse-le bah, laisse oui, faire. Bah oui, vas-y, vas-y. Je t'en Tu pouvais pas manger une bête Tu pouvais manger la 1. Hein Pourquoi tu l'as pas mangé gratuite oh, c'est pour essayer de le tuer, là. Oui, mais dans tout cas, tant que... Ah tout oui, cas, euh, ça, un... ouais, pardon. Bah en fait là on, on est mort en fait. Ah putain je pas de spell là évidemment. Bah on peut partir. Hein. Ouais tu peux partir, c'est pas grave. Vas-y on va leur donner notre chance à ce deck là. En vrai euh, j'ai eu de bonne sensation je trouve que c'est la draw qui nous a pas aidé. Ouais ouais ouais. Bah on est à un mana de pouvoir faire des trucs cool avec le 2-2 le et après on a plus de spell quand on a mort et le 2-2 sur le board quoi. Ouais, tant pis. On a pioché ouais, de beaucoup de créatures fait. par rapport à, à ce qu'on a. Pas de conceder, oh, c'est pas très grave. Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a 8 cartes qui piochent, donc tes spells qui trouvent 2 spells. Euh, 6 cartes, on n'a que 2 réclasses. Euh... Ah, a... ah oui, on a que tes ouais, 2, pour ouais, mettre les violences. Si on n'avait pas acheté notre première de 2 aussi. Ouais, notre première de 1, c'est vrai qu'on aurait pu la, la sauvegarder, mais dans tous les cas... Euh... En fait, vu ce qu'on a pioché derrière, c'est pas les créatures qui nous ont manqué, c'est Pe les spells. Peut-être Pe qu'on veut pas vivre dans le deck, au final, qu'il faut la jouer plus contrôle. Mm. Ok. On se pique, mais bon, peut-être qu'on peut ne pas jouer contre un, un 800ème honoré. Ça me paraît pas exécrable. Hein. Tu pourras voilà. même s'amuser avec le feu si tu veux trouver ton land. Elle était ouais, pas exécrable, sa bataille. Hein, ouais, ouais, je quand j'ai vu, très euh, bien, je mais... me dis, tiens, je suis passé à côté. C'est C'est fort. Hein. Je pense quand même pas que ça rentre dans le deck. Pour avoir vu la gueule des raids finaux, euh, je, je jouerais pas ça dedans. Mais c'est pas une carte qui est mauvaise. Peut-être qu'il en a qu'une. C'est encore monoraid, gros, c'est une folie. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens Franchement, j'ai juste envie de concéder là. Genre, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez euh, Ouais, vas-y, je, bah, va je vais lui mettre un petit point dans la gueule, je crois. Sauf s'il si te joue une créature. Eh ben, ce ouais, mais ça sera pas dans les gueules. Ça va, il joue pas mono -raid. Il a l'air joue de jouer raid, raid midrange. Ouais, big raid. Mais ça me va du coup. C'est pas, pas un pas gros connu. Ouais, ah ouais. Il a l'air de tester des choses un peu plus diverses et variées. Ah, bah, c'est euh... Comment ça s'appelle euh, Prophétie de, bien... ouais, ouais. prof... de feu. Ouais, c'est Prophétie de feu. Côte de mer C'est con. Ouais, contre mono t'as pas trop le droit de jouer ton mentor là. Mais non. J'espère qu'il fait des moines full art. Ouais, normalement, ouais, quand la carte c'est full art, ça fait des moines full art. Bon, là, euh, ça ne le montre pas, mais c'est censé. Mais en plus, je trouve que le set propose vraiment, justement, de faire plein de builds avec plein de couleurs. Je trouve ça fou que les gens jouent tous mono-raid. Ben bah ouais, là, c'est un... pour euh, préciser, au cas où les gens découvrent quoi, c'est un stream d'avant-première euh, où, du coup, euh, on peut jouer toutes les cartes du jeu, elles sont gratuites, et notamment toutes les nouvelles cartes. Ouais. Du coup, jouer euh, Monoraid avec juste une bataille, comme on a vu juste avant, bon, pas fan quoi. Non, pas très même intéressant. Pour c'est pas, c'est pas forcément la meilleure expérience. Tu peux rester Stock the Flame up hein, pour euh, attraper son raptor, son, son raptor. ça me paraît pas trop trop mal. Bon, je crois que je, je le fais maintenant même. Hein, non Oui, oui, tu peux le faire maintenant si tu veux. Bon, il est pas légendaire, donc. Ah, ça non, mais c'est pas plus es... de plus 2 c'est plus de plus zéro. Euh, ouais, je peux rester up tranquillou. Et voilà, on a les droits. Le truc, c'est que notre deck il est pas forcément armé contre Red aggro en fait. Genre, euh, ouais. notre deck est pas fait pour se battre contre ça. On joue un deck un peu tempo donc forcément. Oh, ça il joue ça. Okay. Et c'est pas censé être bien dans ce deck là. Oh, avec le Raptor, ça peut faire des chocs à pic mais bon, le Raptor il attaquera pas. Qu'est-ce qu'il joue Il a un deck bizarre. lui. Pour le coup, il joue pas mono-raid. On va pas se plaindre euh, de l'affronter. Parce qu'il parce qu joue des trucs un peu sucrés. Et là, tu vas pouvoir commencer à mentor et s'amuser avec le feu. Et il va jamais trigger sa. Mm -hmm. Il va jamais trigger oh son invasion de Caldeim. C'est dingue comme le jeu paye mal. Ça me, ça me rend fou. Ça me fout droit. Ah, c'est foudroyant. Euh, je, je tue ça ou pas Non, il peut pas faire de bêtises. Là, j'aurai le temps de répondre. Tu veux, tu veux double tuer le Raptor, c'est ça Soit je tue deux fois le raptor, soit je. Ouais, là en fait il va raptor et on peut tuer le raptor en réponse à ça, c'est ça le plan. Ouais, s'il décide de faire ça, par contre si tu tues le raptor, lui en réponse il peut décider de le copier, c'est ça qui est un peu chiant. Donc s'il décide de ne pas le copier, t'es un peu baisé, non Non, mais je le tue juste parce qu'il aura déclaré attaquant. Ok, ouais, faut que tu qu'il soit déclaré attaquant alors dans clairement ouais, ça passe. Bon, ouais. Et s'il tue euh, ça, bon bah. Norris Lightning Alix, ah j'avoue ça serait trop bien dans le deck. Ouais, complet. Ah ça avec ça c'est meilleur. Ouais je peux rien y faire. Hein. Non. Après bon, euh, ce qu'elle fait retourner c'est quand même pas dingue quoi. C'est laquelle celle-là Ah oui c'est celle qui fait value. Ouais. Je passe par l'exil. Quoique là il va défausser un land pour tuer ton mentor, c'est quand même un peu chiant. Ouais je vais faire double blast euh, en espérant qu'il n'y ait pas de land. Putain en fait on, on joue contre full blast quand on joue que des petites bêtes quoi c'est. Ouais c'est horrible, c'est incroyable. Je, je comprends pas le. comprends pas le concept. Il y a toujours un comme ça de, de deck par, par AP. C'est-à-dire qu'on se prend que des match horribles pour le deck et du coup, bon bah. RIP. Tu vois, je pense que ce deck Jeskai, c'est un deck qui serait. Tu peux le sauver Non. Non, mais je fais des tokens, tout qu'à faire quoi. C'est un deck qui serait peut-être plus à l'aise, euh, genre. Euh, dans, dans, un, dans un méta compétitif en fait, ce qu'on joue là, tu vois. Ouais. Mais. T'as déjà le tuer, poteau tu le tuais déjà. Hein. Bon, tant pis pour lui. Il y a toujours son Raptor Ah, mais ils veulent perdre là. Il joue quand même monorette de bataille. Hein. Enfin, genre. Euh... Ouais. <laughs> quand même. Oh. Bah, écoute, deux points passent. Bon, il a visiblement de quoi défausser. Et voilà, a Avec la prouesse, il le tuait pas. Bah, si, il avait. Euh... Il passait 4-4 en ayant pris un dégât. Et Atarki n'a infligé que 2 Ah, ça inflige que 2 Ouais, s'il le tue alors. X donc, plus alors. deux blessures. Ah, mais il avait rien révélé. Ouais. Donc, ouais, ça le tue. Il pas. joue vraiment monorail de bataille, gros, chauffon. Notre bataille bon, qui fait dit, que Vras des Bordes. Cela dit, c'est giga novateur, mais ça nous démolit, quoi. Ouais, au le moins pire, ça c'est que... cool, c'est nouveau, mais c'est vrai que ça nous ouais, ça ouais. détruit quoi. Oui, c'est que ça détruit ce qu'on propose. Mais... Ah putain, il avait deux landes pour détruire à la bataille, non En fait, une fois qu'il a retourné cette bataille-là, il peut toutes les retourner les autres. Ah, ça, il peut pas piocher en fait. de landes hein Voilà, il en avait trois. Quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, parce que ça, ça ouais, a marché oui. dans le passé quand il y a Twitch. Ça, ça vient pas de nulle part, notre envie d'essayer et là tu te retrouves à avoir les deux trucs qui nécessitent d'avoir des spells c'est fou elle hein. ah, le joue même pas parce que de toute façon il te pioche un land tu, tu le perds ouais allez on espère piocher un spell à 1 terrible c après c'est vrai parce que en fait c'est mono blessure aux créatures et en stream -dappé, souvent c'est que des decks créatures donc c'est un peu, peu terrible parce que ce qu'il fait c'est rigolo mais c'est probablement pas très fort Et là on se retrouve spécifiquement à se faire démonter par ça quoi Mais au moins oui c'est nouveau c'est... Ah je préfère ça marrant. que tous les mono Ah oh, c'est bon. Bien joué. Gros c'est fou hein. c'est toujours pareil. Sur le papier UR spell il y a tout ce qu'il faut et j'ai ouais. l'impression que le, le deck ne veut pas tu vois. Écoute... Qu'est-ce qu'on fait On lui redonne une dernière chance On a non. fait deux games en vrai avec. Je crois mais que là... Je t'en supplie, il faut que tu. Ouais, c'est maintenant. Écoute, euh, je suis désolé, Val, mais euh, si on faisait 1000 games, ce serait 1000 fois celle-là. PL. C'est la game où, à la fin, tu vas me dire Waouh Ah j'suis ouais J'ai Sky Spell, c'est exceptionnel. Désolé, mais j'ai kiffé. Mais t'as as, as tout à fait raison, Drogomar. En vrai, c'était cool ce qu'il nous a fait l'oppos. Ah, franchement, ouais, ça... c'était novateur. Hein. C'est cool. Ça fait chier que ça tombe sur nous, tu vois. Euh, blanc. Ne sois pas désolé, c'est tout à fait mérité. Ça peut faire de l'incolore ça Non, ça fait forcément un point de vie. Lancier. Mec. Mec, mec, mec. On est là. Tu la sens la, la good vibe, tu la sens l'énergie montée. Ouais, je sens que quand je dois faire 4 mana mentor plus un spell, c'est vachement bien. Peut-être pas tant que ça. Oh Et là, c'est le corps Devoir péter Scrèle, je crois. Hein. Ah ouais? peut décider d'attaquer avec l'ancien déjà au préalable. Faut que je pète screl, là, tu crois? Tu joues pas Mentor? Tu veux jouer Mentor? Sans sans trigger d'effet? Fais chier quoi, ta Mentor ah, en flouage. J'ai pas d'autre landes quoi, mais bon. Mais il arrive à quitter. Pas Scrrute. Donc avec Scrute, tu auras ton land, je pense. Rata en con fait. Je bah, les couleurs ouais. Ça sent bon, Ratadrabic. C'est fou que les gens soient passionnés par, euh, par Ratadrabic, quand même. Hein. Je trouve pas la carte passionnante, moi. Non, je, je ne suis pas, je ne partage pas cet engouement. t'as vu que ça a gagné euh, l'énorme Dreamhack 900 joueurs, euh, Ratadrabic combo Ça a fini premier ouais, Ça a gagné, ouais. Eh ben c'est bien. Ça, ça a gagné un GP, quoi, littéralement. Je coup, bute Skrelv là maintenant ou pas euh, Je crois que tu peux buter Skrelv, ouais. Dans on tous les cas, il faut, tu ouais, il faut que tu commences à ah, passer par là. Ouais, ouais, on prend nos petits PV, il n'y a pas de galère. Donc, non, non, ouais, il y a un vrai deck Ratadrabhi qui tourne en standard, c'est assez marrant. Je, je suis confus. Je, je, c'est On ne pourra pas présenter ce deck sur la chaîne. Euh, on, on a fait une promesse et on s'y tiendra. Impossible. Après, le format a changé de toute façon, donc faudrait qu'il survive à, à une d'une extension. Si ça a gagné un GP, ça doit être au moins encore playable. Mais sinon, on fait la deck tech, mais juste on met pas un Drapping de dedans. Ah bah, je crois que ça fait partie de la combo. Quand la bouche a... Ah, c'est un deck euh, hors of direction. J'en ai un dans la besace aussi, si jamais vous voulez. Ok. T'en penses quoi? Je pensais que ça avait l'air pas très fort. C'était plus pour tester je la pense nouvelle Je aussi, mécanique. ouais. C'est vrai qu'elle y action, elle. En fait, c'est tribal, mais c'est tribal moins bien que soldat, je pense. Ouais. C'est un euh, petit tribal sympa. Petit scruté. Ah, bah deux scripts. Et il est relou. Bien joué. Et il est relou. Oh là là, quand je vois que je me pique pour essayer de trouver des landes, là, j'ai juste envie de, de FF ça c'est pas mal mec moi, moi ce qui me fume c'est que tu joues Jeskai Tempo et que du coup tu vas affronter des Midranges ou des Contrôles et t'affrontes que des decks tribaux ou des decks agressifs je donc c'est un euh, peu dur je peux rien faire quoi si tu peux Iconoclast avec clash ah ouais, je non, fais pas de spell pas... Ouais, ça marche pas très bien je fais ça hein. il reste en bloc de toute façon il gagne des pèves c'est donc ça du coup ce qui nous arrive PL. on est condamné à subir ça toutes les games oh. avec ce deck là je, je Genre, savais hein. il y a tout pour jouer Jeskai Spell il y a Monastery Mentor et Stoke the Flame et on est incapable de faire marcher le bousin c'est pas possible je, je t'ai dit j'ai vu l'avenir je peux en lancer 30 c'est 30 comme ça mais gros c'est tellement galère. triste est-ce que vous vous rendez compte de la tristesse de ce constat sur le chat Je fais quoi, je ouais, bloque ouais, ouais, et juste pour vous utiliser oh, C'est de la merde. Tu, de faire tu, ça. tu, peux, tu peux double bloquer. Hein. Ouais, il en trade d'une quoi. Non, mais tu le tues. Ah, il trade les deux. Hein. Ah ouais, il en C'est bon. <laughs> non, non, mais de toute façon, là, je veux juste que ça se termine. Attaque-nous, Umotivo MTG. <laughs> On joue à un autre deck qui, qui peut gagner parce que là, vraiment, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Si, c'est juste que ça... Si. Non, on est dans un format midrange. Non. Ça... Si. Non. C'est juste qu'on tague pas les bons decks. Putain. Euh, bon, tu peux, tu peux pas volatiliser ce crève, là. Hein. Mange pas de pain. Hein. J'ai même pas envie de jouer mes cartes val. Ah, me l'état même... dans lequel on est. Ah, j'ai n'ai pas envie de jouer mes cartes. Non mais quand même. C'est euh... nul. Euh... Non mais tout de même. Chasse à souris, vas-y. Allez, ah, un land. Super. Un land qui permet pas de faire iconoclast spell, mais non, on peut mais faire un. Ça fait mentor. Et un spell. Ça fait mentor spell. Mentor. Ouf. Menteur. Allez, bourre. Moi j'y vais, hein. Pas impressionnant. Salut, Ken euh, bon Tabad. Bienvenue à toi. Oh, c'est combo, ça, hein. C'est 2-2. Hein. Putain, j'aime bien là. Là, ce que je vois, j'aime bien en vrai. Ah ouais Bah, on l'a dans la buzzasse si tu veux. On à la a base, j'aimais pas l'idée, mais euh, c'est pas incubateur. Tu joues que des bonnes cartes, donc c'est bien. Ah, moi, la liste que j'ai, c'est pas incubateur non plus. Hein. Parfait. Ah ouais, non, incubateur, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, ça va, ça va. Bon, bon, bon. Tu. Je prends. <laughs> tu, peux... <laughs> tu peux prendre. Ouais. Ah, si je bloque, la game est plus longue. Ouais. <laughs> Et moi, ça me va. <laughs> dans un sens comme dans l'autre. Oh tu es le mentor. Vas-y. Yes Oh, so, let's go. Je bon, paye 4. un point de vie. Oh là là, tous les triggers prouesses qui partent à la poubelle, qui partent au chiottes Oh putain. Mec, joue ton petit icono. Ah non tu peux pas, putain. Qu'est-ce que tu fais Ah ouais toi tu étais en, en vrai give up quoi Ah oui oui oui, là je j'arrête. Oh, il est en give up total, putain. Mais là, si il je... prend tout, t'as tu... peut-être gagné. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si prend prends tout et que tu trouves play with fire, euh, on est là. Bah, après ça, c'est un bloc gratos. Mais... Mais il ça dépend tout. ce qui est bloc parce que je pilking. Je... 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 Là, je sûr. trouve stock de flame. Eh, hey, en vrai, pas. on peut ah, le si, one-shot là. Mais oui. Si, si, stock, ça marche. Le one-shot. Okay. Tu, tu peux le one shot aussi. Bloc-ti, hein. bloc ti pas. Fais un good game. <laughs> Comme ça, ils concèdent Mec, trouve Stock the flame, je t'en supplie. Allez. Ah, allez, Louem. Ah, allez, Louem. Oh, ça aurait été ah, bien allez. ça. Ah, ouais, mais non. ça dégage. Allez. Oh Let's go. Bourre-le, s'il te plaît. Je vais pas compter. Ouais, moi non plus. Mais ça ne suffira point, je pense. Oh, on est one-off! On est one-off! Non! Non! Si, il est mort! Avec les seins de Screlve Non, on perd un PEV, il a perdu une bête. Oh merde. Ah non, il gagne des PEV. Eh, hey, on perd un PEV. Oh. oh non! PL, on était à ça du moment exceptionnel dont je t'ai parlé. À ça! à ça du grand moment que j'ai que j'ai call légère envie de vomi à ce moment imagine on la gagne celle-là t'aurais fait quoi ben j'aurais dit putain qu'est-ce qu'il faut pour gagner une game non t'aurais ah oui. avoué que c'est vraiment le meilleur deck oui c'est vrai j'aurais dit ça le best Si best ça se trouve, en fait, PL n'a pas give up, il a fait le seul autre possible. Mais euh, par contre, ouais, je pense qu'en bloquant, on oui, ne pouvait il fallait, que ouais. perdre. Il fallait juste essayer de one-shot. Et du coup, on a eu la ligne qui presque permettait de le tuer, mais. Presque! Mais non. Putain, j'ai le seum, quoi. On aurait pu, hein. Votre je vidéo, c'est me fait péter de rire. Eh bah, ben écoute, merci. C'est marrant que tu dis ça au moment une, une un extrait pour le prochain best-of est dispo. D'ailleurs, les best-of, ils seront maintenant sur la chaîne TV. Euh, pour ceux que ça intéresse, pour de TV, pour avoir le lien, c'est notre deuxième chaîne YouTube. Où on ouais, va faire, euh, euh, donc, il y a nos, nos replays de, de stream euh, des, euh, et des vidéos particulières, comme la vidéo sur euh, présentation de l'Orcana qui est sortie hier. Euh, donc, voilà. Si jamais vous voulez aller faire un tour sur la chaîne, vous abonnez. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Gros, j'ai vécu déjà euh, beaucoup trop de choses pour un, okay. pour un stream d'AP. Non, attention, ça, ça arrive engagé. Ouais, mais ça, là, tu... euh, je privilégie pas un tour 2, là. Bah, tu peux trouver un land dégagé et, et cœur t 1 T2. Ok. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Euh... J'ai déjà vécu beaucoup trop de trucs pour, euh, pour un streamer. Là, j'ai la fatigue de l'émotion, tu vois Ah. Gros, c est c est de était, mire, ça. ça va Tu fais pas duel Ah non, tu fais pas dueliste. Du... Et non. Et ouais. Donc... Ah oui, je mets un point. C'était euh, grandiose, vraiment. Genre. Euh... C'était fou. on aurait, on aurait pu. On aurait pu voler une game exceptionnelle. Merci beaucoup pour les sub Chrome Padawan et Spartanourage. Spartanourage. Merci, merci beaucoup. Ouais. Merci. <laughs> euh, merci, <laughs> merci à vous. Ok, liste. Et tu peux poser ouais, un... joue. Ah, ah tu, joue tu peux poser joue. Merde. Poser joue. Ça ah non, je voulais que tu bosais joues sa fable, tu pourras piocher tes cartes plus tard. Après, il détape, il a 6 mana quoi. C'était bien Ouais, fâché. Il a 4 mana, si qui... mana avec bosais joues, 5 mana avec soins, 6 manas avec Si, si... Un. si je joue réanimateur, t'es content quand même de lui péter sa fable Bah, si je joue réanimateur et que je lui donne 6 mana, je suis pas content moi. Bah, il aura rien mis au cimetière donc. Euh... Ouais, mais il pourrait casser presque à la main. Bah, j'aurais quand même pété la fable, mais. Je sais un peu early quand même. Ah, oh, ça arrive à dégager. Ah Eh ben oui, ben il sait qu'il est sur un stream d'AP, c'est très malin de sa part. Hein. C'est très malin de il sa part. Il a bien part. raison. Il a bien euh... raison. Ah, il y a Giroud. Tu peux juste Contaminateur, passe. Hein. Ouais, je peux... Ah non, je peux pas, quand J'ai pas de dossier mana blanc. <laughs> ok, Contaminateur, c'est pas mal. Vu qu'on a mis le premier point, ça change rien à la cloque. Mais ouais. on a mis le premier point. On joue quand même beaucoup de nouvelles cartes, je trouve, dans nos decks, c'est cool. À l'instar de nos adversaires, à part mon aurait de. Euh, ouais, après lui, lui, il teste un, un euh, truc bataille. autour de Jeru. J'avoue que je suis assez curieux de, de mmh. voir Jeru fonctionner ouais. dans, dans son archétype à lui. Alors, ça, ça fait quoi Ah non, je connais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ici je peux faire voler mon contaminateur, c'est marrant. Je le tue très Est vite. Est-ce que hein. c'est <coughs> -ce est une mauvaise chose de faire voler ton contaminateur Pas nécessairement. Je hein. je... Derrière, il a rien à copier d'intéressant. Je le tue en trois tours. Par contre, je me prends des Edith shoulder Red et autres un peu forts, quoi. Sinon, je peux prendre ça, voir ce que ça donne. Ouais, mais il va recycler. Il a, il a une Fab qui va, il a deux Fabs qui tournent là, donc. Euh... Je veux dire, ce que tu vas lui taxer en main, euh... ah s'en fout un peu, non Oui, bien sûr. Mais je veux dire, dans tous les cas, lui, il va trouver le playable qui veut le tour d'après, quoi. Ah ouais. Donc il vaut mieux que tu te développes par mana, que tu développes sur des choses impactantes. Après tu peux faire les deux si tu veux. Mmh. Je sais pas. Ouais. Tu peux faire invasion et health pet ou alors tu peux faire non peux et, joue et invasion. J'ai que 5 mana. T'as déjà landé Ouais je dis landé. Ok. Moi je ferais Elspeth et je bourrerai moi. Genre oh, euh, je vois, 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 vois pas comment tu. Il a fait sors double fab de toute façon on est dans la mouise. Cri Triple fable. Triple fable, oui, pardon. Allons-y. Vol. Oh. Ça synergise bien, c'est beau en vrai. Oh, c'est fou. Ce deck-là, il est cool, là. il est bien il pensé. prend un marqueur, le... lui qui prend un marqueur, et du coup, on tue en trois tours. Ouais, le Célestin marqueur, il est assez stylé, hein, ouais. Par contre, je, je me demande Uch. ce qu'il va chercher avec son Girou. Genre euh, Sholdred Ah, il a réclas. pas gardé Liliana Bah, Liliana, c'était pas mal euh, contre Contaminateur. Il doit avoir mieux que ça. Mais il a jeté 2x2. Deux deux. Il peut pas bah, avoir. Ah ouais, mieux. je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin, il peut avoir mieux. Ah, mais il, il doit peut avoir trouver mieux. Mais, mais euh... voilà, il peut, il, peut avoir, euh, il peut avoir un anti ciblé, j'imagine. Chaque joueur me le dit. What ah oui c'est la carte qui était révélée assez tôt Ouais, ouais que je trouvais ok mm. Mais écoute euh... On va voir ce que ça ah, fait C'est fort mais c'est 7 mana quoi C'est pas mal hein. C'est 7 mana Ouais ouais mais bon En standard on les caste les 7 mana On a Vagabond qui se caste à 6 mana euh... mm. Ouais ça se prend quand même les, les contrats 2 Ouais là il part en couille ouais, ouais bien sûr bien sûr Oh, il fait des trucs vraiment J'ai l'impression qu'on a, on a inversé les rôles. D'habitude, c'est moi, je te dis « Ah, un sort cette main, c'est pas mal. » Toi, tu me dis « Ouais, il y a des comptes en Greek ça passe jamais. » Non, mais bien sûr. Mais on avait déjà eu ce débat quand on avait eu la, la carte noire. Ouais, euh, ouais. C'est que t'as le droit de jouer un, une carte qui est extrêmement chère en mana euh, si elle a le power level de Atraxa, par exemple, tu vois. Et Vagabond 6 comme elle a un effet Vras, ça a été autorisé de jouer ça, quoi attract ça pareil parce que quand tu la casses tu gagnes. Mais si on estime que le spell assist six qui caste ça le fait gagner, bah évidemment que les gens ils vont se défendre avec des contres. Ah Mais ben... c'est un power level qui est assez, assez satisfaisant quoi. Là je te dis qu'il a pas perdu. Bien moi, joué. C'est gros ce qu'il fait. Hein. Hop. Ouais bon, moi c'est la 8-8 vigilance menace vol lifeling qui m'a fait concéder. Toi c'était quoi Bah le spell noir. Hein. Oui. C'était vachement fort dans son deck. Mais ça, par Allez, contre, ce deck-là, t'aurais voulu l'affronter avec Jeskai euh, Tempo. Jeskai Tempo, c'était pas mal, ouais. La Vampire de vous la considérez pas légendaire vu qu'on connaît avec Rafine ouais, Je crois pas, non, c'est pas légendaire, c'est ouais, un peu bien. faible. Moi, je crois plus que dans Soldat, on pourrait faire un truc avec, potentiellement, parce que c'est un Soldat. Et que ça se curve avec la 3-3 qui met des marqueurs. Le <coughs> LED de 2, 2 pour 3, pardon. Bah, écoute, là ouais, c'est bien hein. ça. Ouais. Bah, ouais. Super bien. Oui, n'importe quel deck où tu fais Fab, c'est bien. Encore mono-raid. Oh, sans, dé sans déconner. Hein. Bon, avec notre deck là, on s'en fout un peu plus, mais. C'est incroyable quand même, parce que c'est des adversaires différents à chaque fois. C'est ah. la première fois qu'on a aussi peu de. Oh, de... C'est la première fois qu'on a aussi peu de diversité sur les, les lives d'AP. C'est fou. Je sais pas tellement d'où ça vient, mais. Mmh. Ouais, bah vas-y, fais ça. Hein. Je tu, tu peux faire faire. Oui, je pense qu'il faut faire ça. Hein. En fait, sinon, je pouvais faire duelliste et tour d'après faire bagarre, courage. Ah non, putain, parce qu'à cause de Miric, je pourrais pas. Donc, je peux faire bagarreur puis je fais duelliste courage. Ouais, c'est ça. Mieux. Si Célestina Toxique, ça gagne pas tour 4, ça dégage. Je, je pense pas qu'on parle du. Célestina Toxique, c'est un deck qui grind. Je pense que tu parles de Célestina Marker, euh, John. Parce que Célestina Toxique, justement, c'est un deck qui gagne tour, euh, tour 21, quoi. Vu qu'il est capable de te reach et de te mettre des, des marqueurs poison à distance. Mais par contre, le deck que là, nous, on joue, oui, c'est une version un peu plus agressive qui, euh, qui a besoin de gagner assez rapidement. Ok, donc on va prendre une sauce, mais on garde notre bête. Ah, non. On prend une sauce. Contaminateur, c'est bien. 3-3, hein. ouais, 4-4, c'est mieux. Ouais, dans le matchup c'est bien. Ça te permet d'être plus mana efficient le tour d'après. J'ai toujours la sensation que c'est très lent les. les decks marqueurs à chaque fois. Et voilà. Tu sais Il faut mettre un peu un engine en place comparé à des decks qui juste jouent des. des grosses cartes. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair. Après, on teste les synergies que pousse le 7. Hein, euh... Si au final c'est pas bien, c'est pas grave, tu vois. Nous on est là oui, pour Oui, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ici Tu peux faire directement Archange, mais je suis pas sûr que ce soit ta meilleure solution. Alors, Archange plus un, c'est pas dégueu. Ça fait des bêtes là. Je tu, mais... tu préfères Archange plus 1 que, que double créature ici Tu peux aussi double créa, euh, stopper le board et le tour d'après, euh, Archange et courage à la ferme tu trouves un land. Ah non, tu double créa. Si, tu double créa. Hein, si, si. Tu peux, peux. double créa, ouais. Vas-y, hein. Moi, je le ferai parce que, en plus, derrière ton Archange, tu peux peut-être faire le moins 2 et faire des dingueries avec Bagarreur, tu vois. Ouais, ouais. Tu fais le moins 2 sur dualist, il se passe des trucs. Ouais, tu fais une 4, 4 vigilance qui pioche une carte. Vol vigilance. Sympa. Hein. C'est bien. Ouais. Si en plus, tu as courage à la ferme. Euh... Ouais, c'est vrai qu'avec Contaminateur, ça marche très bien de faire voler. Ouais. Mais ce deck-là, il a l'air d'être bien pensé. Alors après, est-ce qu'il est fort dans le format euh, quand tu affronte monorail d'interaction Non, clairement pas. Mm. Mais. Euh... Mais tu sens que ça s'imbrique bien les mécaniques de Celestia Marker. Ouais, ouais. Ouais Il y a plein d'interactions entre toutes les cartes, c'est assez cool. C'est ça. Est-ce qu'il a un dernier spell Mais... en main, Val Pourquoi on est mort s'il a un spell Vas-y, passons à autre chose. En fait, il met 9, tu... donc je euh, peux faire Allez. ça, tu vois. Ouais, bah ouais, ok. Là, s'il a un spell en... a un autre spell en main, il traite ton board. Donc, t'as perdu dans tous les cas. Je crois qu'il fallait, per... fallait prendre whatever. Bah, si on prend, on est mort avec un spell. Oui, voilà. Là, mais dans tous les mort. cas, là, si. Ah, on fait, va, si va la on... perdre, mais on n'est pas mort. C'est pas, pas... pas pareil. Ah, mais en fait, si t'as plus de board, t'es mort. Dans le match-up. Donc, du okay. coup. Il vaut mieux euh, s'il avait un spell, il vaut mieux accepter, tu vois. Je pense. Bah, je sais pas. En fait, si on est trop bas en point de vie, euh, c'est un peu chaud. Dans tous les cas, en fait, un spell, on n'était pas bien. Donc, je sais pas ce qui est le pire. Bah, du coup, quitte ah à être non. pas bien, je peux faire garder ton board. Ouais. Et là, tu veux évolutive. faut d'abord évolutive. Attention. J'ai le mana. ouais j'ai le mana pour ça. Ouais. si ouais, Tu veux faire évolutive, into duelist, into courage. Comme ça au moins tu gagnes ton marqueur sur tes deux marqueurs sur évolutive. Ah non ça marche pas avec Bagarreur Attends, ça marche comment Non c'est des marqueurs, il a plus un plus un par rapport au nombre de marqueurs pétrole. C'est pas des marqueurs ah, plus oui, un, plus Ok, ok, okay. c'est pour ça. Ok, on est à 6. Il y a un spell à 4 dans le format maintenant, donc c'est pas beaucoup. Ouais transformer son, son lancier ah bah nickel je suis content d'avoir pris de le premier aïe 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 on faisait pas ça à nous hein. mais peut-être que c'est justement bicolore mentor hein, qu'il faut jouer hein. pas tricolore peut-être ouais c'est vrai que quand même que Là, ça quand a l'air bien ce qu'il fait, un... fait hein. ouais mais quand tu joues avec mentor du bah ça a l'air bien spécifiquement contre nous aussi de toute façon tu joues créature marqueur il joue monoré d'interaction dans tous les cas euh... Genre, s'il joue des blasts dans son deck, ça a l'air bien contre toi, mais quand tu joues mon tort, t'as envie de jouer des shore up et des, et des scrutés. Hein. Très ouais. honnêtement. Ouais, il a joué deux blasts, quoi. Après, c'est pas. Comme ça Ouais. Ouais, je vais garder lui, faut quand même l'empêcher de retourner ça, je pense. Autant que faire se peut. Ok. Tu... Attends, ça, tu peux décider de péter sa bataille, hein non Ah non, pas du tout. pas du tout. Non, c'est pas l'enchant. Je dis de la merde. Ok, ouais. c'est ça, par contre. Ça fait anti-bet. C'est peut-être pas mal. Ok. Bon, Là, en vrai, tu peux juste Screlve, courage à la ferme et distribuer un peu à droite à gauche. Hmm. Et tu gardes juste Bose et Joue Up, quoi. Tu bah, mets juste sûr. pas sur scrive le token et puis. Là-dessus j'essaie de grossir un peu tout. Mm. Ah, C'est lui qui prend le marqueur. Ah oui, j'avais pas compris. Est-ce qu'on reste bosé joue up ou est-ce que tu avances vers Elspeth Tu peux aussi décider de lander et t'offrir un top deck land. Ouais, peut-être que c'est mieux en vrai. De Je deux, pense que c'est probablement mieux parce que ça a l'air d'être la carte qui va pouvoir tourner le coin. Alors que lui est au top deck, il peut aussi. Euh... Je suis pas sûr qu'il faut aussi un TA6. Vigilance, si il me l'a okay. très vilain. Ouais, ouais, okay. ok, tu l'emportes de bête, ça me va. Et j'avoue que tu peux peut-être tourner le coin avec euh, Elspeth Archange, là où ouais. lui, il peut piocher un land, par exemple. Ouais, il a, il a une bonne sortie déjà en 15 cartes, donc. On euh... faire des que C'est nice. là, là où les batailles, je trouve pas ça très fort. Mm. Euh, parce qu'en fait, là, il a envie d'attaquer tes PV, il a jamais envie d'attaquer sa bataille, par exemple. Ouais. tu vas refaire la même attaque avec évolutive mais dans ce cas-là par contre dans l'invasion ah il a plus vigilance donc tu vas pas faire cette attaque qui passe il y a des chances qu'il trouve un actif au bout d'un moment alors je crois que le Weed one ah si ça marche avec les batailles si ça c'est giga fort malheureusement j'ai pas vu le spell caché de trigger ah c'est le spell de draw ouais ouais mais c'est juste impulsion, non C'est fait la même chose. Ouais. Ouais. C'est juste que t'as différentes. Enfin, si t'en veux plusieurs, tu peux jouer ça, quoi. Putain, il va nous péter dessus, quoi. Ah ouais, bien comme il faut, là. Ah bon, on est mort, en fait. Je crois. Non, on survit, mais pas de bah bon. Ouais, non, on n'est pas mort. Mais bon, on a plus de bord donc. Euh... Il va peut-être aller tuer ça, du coup. Peut-être qu'il faut jouer Boros Mentor, c'est clair, hein non, au final. Mais bon, ça, ça me trigger de pas jouer de bleu, en fait. Ah, ouais, attends, on a pris un de où Ah, de, de ça sa... ah, De son ah, du coup, on est mort. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok. Allez, encore une petite, après on va aller crafter d'autres decks. Ouais, ça marche. Bon, on en a, on en a pas mal d'autres, de toute façon. Oui. Alors, au vu du format, je t'annonce direct que Azorius Flash, tu oublies tout de suite. Ah oui, tu joues des petites bêtes euh, euh, contre ouais, toutes les ouais. interactions rouges que tout le monde joue, c'est vrai que ça va de la merde. Ça. Euh, par contre, euh, Azorius, euh, pardon, Jeskai Kinto, on va peut-être s'amuser. Témur ouais. Jambes de Bois, on peut peut-être s'amuser aussi un peu. Ah, si c'est le et... truc que j'ai vu build ce matin, euh... <laughs> ça va être rigolo. bah Tu vas t'amuser parce tout. que les stats sont bonnes et, et tu joues des interactions. Donc, euh... ça devrait aller. T'as une bonne sortie là. Ouais, je mets pas de marqueur pour l'instant, mais. Il, il, me, il me frustre un peu ce deck là parce qu'il a vraiment une gueule de vrai deck. Je pense que c'est mieux de commencer par meneuse. Ouais. Oh Ils se sont passés le mot Non, ça va lui, Léizette. Regarde donc. Ah ouais Je regarde, je regarde. Alors, ouais, là, je tu contamine hein. là. Pl... Tu préfères contaminer Ouais, je crois. Contaminons alors. Vas-y, vas-y, contamine-le. Ouais, justement, s'il joue rouge, il a que stock de flame. Donc, euh, il est un peu en chien. on va le bourrer là. Ah, quand j'attaque avec les deux, que je remets un marqueur là-dessus, pas content. Ah, je, je pense que Boros Mentor ne veut pas jouer Quintorius. Je pense que Kintorius c'est une carte de deck midrange. Euh, midrange contrôle garde -balle. Mais j'avoue que son Boros Mentor m'a pas mal chauffé, hein, mine de rien. Putain, bah il l'a. Hein, tu l'as dit, il l'avait, c'est ouf. Mais il passe son tour. Ouais, ouais. Hop, ah, ça, un te autre. Fait, ça te fait pas chier de pas jouer évolutif, j'ai l'impression qu'on perd plein de marqueurs là à pas la jouer. Bah en fait c'est des petits trucs qu'il peut gérer, tu vois. Justement, lui il a un iconoclaste que nous on gère pas, donc euh, c'est lui donner de la value. Ça, bah il a eu son stock de flame, mais techniquement. Oui, il est pas censé le gérer, gérer. Tu Comment, vois là mais... les deux trucs à 4. Euh, il va falloir qu'il bloque, qu'il traite, qu'il joue, qu'il vous des Il a la même tête que Gru, c'est bien, mais c'est tout. Ouais, ouais, ça ressemble un peu à Gru, c'est vrai, ce deck c'est un peu. Il a moins de vélocité, mais il fait des boards plus gros. Mmh. Et il a un peu plus de value parce que tu pioches des cartes avec dualiste. Oh! Bien ça! C'est pas nouveau avec l'Iconoclast mais j'aime bien. <coughs> Et il a encore stock. Hein. Non, il a qu'un mana rouge. Là, il peut pas, il a qu'un mana rouge. Il peut convoquer euh, si je joue les trucs. Euh, les 3-2 pour 2, là. les 3-2 pour 3 Convoque ok bon bah, écoute ma théorie sur euh, il a pas beaucoup de gestion il les a toutes en tout cas pour ça ouais, je crois que là euh, ce contaminateur il est un peu loin non, Mais non enfin, si dégueu, tu repasses ton tour à faire contaminateur c'est un peu Une deuxième position à partir du dessus ou au-dessous Ah, au-dessus ou au-dessous bah on veut au-dessous non tu veux pas repiocher ça là tu vas développer ton ah, mana je pense que je peux piocher cette carte et, et trouver non. Ok, moi je l'aurais Bottom, mais. Bon, vas-y Bottom. J'ai l'impression que tu préfères avoir du board, Là, il commence à avoir un board de large. Voilà, tu, je pense que là t'es bien à trouver mana et à faire euh, et à faire double spell. Ouais. Bah let's go, tu peux faire comme ça, et petit bagarreur par exemple. Bagarreur plutôt. Ouais, l'un ou l'autre. En vrai, euh, il ouais. y a pas de, y a pas de préférence de séquencing ici. Moi, je vais essayer de buter ça, il me donne ça 1, 1 évidemment. Logique. Non, mais n'empêche, en fait, j'ai bien vu, parce que c'est vrai que les trucs à 4, euh, ou plus, ça peut être chiant pour lui, et il a les, il a les spells qui les gèrent. Ouais, mais ce, ce qui est un peu relou, c'est que nous, on n'a jamais réussi à avoir le board nécessaire pour qu'on facilement, et lui... Enfin, euh... nous, quand on jouait ces archétypes-là, on avait des, des crames spells rouges en face. Ouais, nous, en fait, nous, je joue pas beaucoup d'interactions, là, on est très proactif pour essayer de faire des trucs, mais en fait, il y a trop d'interactions tout le temps. Mais, mais, mais dans le format, il y a des cut down, des struggles, des strangles mm -hmm. pardon, euh, des laid on arms. Genre, tu dois jamais jouer le spell convoque bleu, c'est impossible, stock the Flame, oui. Mais ouais, je disais cut down dès le début. Ah, mais bah. tu peux pas jouer d'épuration temporelle. Genre, là, il se trouve que ça fonctionne, mais ça devrait pas. Oui, oui, oui. C'est trop, bah, c'est une commune, quoi, c'est pas une commune d'enfant. Un ouais. c'est pas fort. C'est pas du level. Je veux dire, dans sa construction, c'est vrai que nous, nos bêtes sont chiants pour lui, donc d'avoir ça, ça marche quoi. J'adore ce... ce truc là. La toute petite cité engloutie. Le dessin, tu veux dire Ouais. J'avoue, j'ai l'impression que c'est un peu weak comme bataille, mais. Oui, c'est clairement euh, pas très fort. Enfin, retourner, ça fait quand même des trucs. Hein. C'était un deck un peu convoque, mais bon. Pour 3 mana, ah, pour faire 2-1 piétinement, euh, ouais, faire 2-1 quoi. C'est pas incroyable. Là, il a, il, il a tout qui se met bien dans le bon ordre, donc, euh, donc ça peut fonctionner, mais. On met pas beaucoup de marqueurs aussi avec notre deck. Non. j'ai l'impression qu'on bat déjà plus ce qu'il fait hein. c'est trop tard il a un board on n'a pas de quoi le solutionner ben bah, oui il a un seul convoque visiblement temps ils son disait c'est pas moi qui te déle val tu vas me tu vas me ouais, ouais, ça ouais, ouais. on va passer euh, on va passer là dessus vous allez voir allez vous jouer chez old Red est-ce qu'on n'a on pas de deck noir je crois pour se taper What? Si dans. Contre-carré, dans... piocher de cartes, des cartes, défausser des cartes. Dans Orzov of Agro, il y a. Dans Phyrexia Agro, il y a. Il y a Sholdreel. Mais ce deck-là, il est fort. Hein. On va le sortir aussi, Ors of Agro. Hein. Franchement, on se prix pris là, ça curvait fort. Hein. Ça curvait bien. Je pense que tu peux quitter. Euh... Ouais, je veux voir ce qu'il me fait là encore et. Tu veux commencer ah, par Quintorius ou tu veux jouer euh, Phyrexian mmh... Ah j'aurais pu lui mettre deux points face. Euh... Quintorius je pense on... Je suis chaud de voir ce que ça donne. Ok. En plus ça, ça tombe bien parce que tout le monde joue plein d'interactions. Et mon argument c'était que Quintorius euh, il n'allait pas faire grand chose à cause des interactions. Tu vas voir que là on va taguer que des trucs euh, tribaux qui font... Euh, qui font juste boubouiller dans leur coin. Non mais après, enfin, si Caterus il prend son anti ça sera au même titre que n'importe quelle grosse créature du standard qui doit prendre son anti-bet. Et c'est pas grave parce qu'à côté de ça, on a un deck midrange qui fait de la value et genre on acceptera de prendre anti dans la DL qu'on va jouer, c'est pas très grave. Ouais, c'est ouais. genre il s'intègre dans un ensemble et si tu détapes avec, ton oppo il est pas très bien. Désolé, je fais que me frotter l'œil mais j'ai l'œil le... qui me brûle depuis ce matin, il faudrait que je mette du collier je pense. C'est pas la fatigue Oh, Fatch, ah, il joue bien convoque. Ouais ouais ouais, moi bon, tu peux tu peux. Je pense qu'il t'en voudra pas de concéder là non Bah après en soi, euh, c'est pas fou non plus quoi ce qui se passe. Non mais tu tu bats plus son board, il peut juste te bloquer à l'infini et te bourrer en vol. Bah à l'infini euh, c'est quand même beaucoup quoi. ce que je propose Mais bêtes grossissent pas mal. Avec ça et ça. Lui, son plan de jeu, ça fonctionne parce qu'on a aucune interaction, mais si tu interagis, tu peux jamais... En fait, quand tes cartes, les grosses cartes que tu veux résoudre dépendent de ton board, genre mmh. en standard, vous connaissez le standard, ça n'arrivera jamais, quoi. Genre son dragon 7-7, là, euh, à 7 malas pardon, en standard, il le jouera jamais, c'est impossible. Et... Combien 600 fly Attends, les gars, vous en gagnez pas une. Ah, c'est pas facile, hein? Pas faute d'essayer, hein? Pucher deux cartes. C'est sûr voilà. que là, il peut, il peut jouer tous les spells qu'il veut, à partir du moment où il a des iconoclastes qui tournent. Ouais, en fait, il avait plus qu'une carte en main, donc je me suis dit, bon, s'il si trouve Land, euh, on peut essayer de le bourrer. On a deux bêtes piètes, etc. Mais en fait, il trouve euh, Draw 2 d'enfables. En fait, son deck Jean qui fonctionne parce que nous on fait rien en face, donc. du coup, on le laisse, s'amuser. Mais nous aussi, on veut s'amuser un peu. Yes. Hop. Allez, notre ami Jeskai Quintorius avec des invasions de la Nouvelle Phyrexia, des Urgo et Ojutai. On va tester un peu ces cartes-là, ces cartes midrange un peu couleur Rose Jeskai. Envoie-moi de Val. Des dingues, je t'envoie ce que j'ai. Sinon, je t'envoie mono Raid. Tu veux qu'on gagne Les gens veulent qu'on gagne Oh let's go. Ah ben non, on va faire que des mirrors, donc ça va dépendre au TOS. y ouais, a la sortie. Ouais, attention. Ça marchera pas. Vas-y, je Attention, mono Raid, ça se joue pas au TOS. Hein. J'ai beaucoup joué à Mono Raid. Ça se joue au siding pattern. Et, ah et ben à en... qui est le joueur contrôle ou pas. En BO1, je peux te dire que le siding pattern, c'est dans le fion. Alors oui, donc le TOS peut adop... peu aider. Ouais, mais tu peux adopter un plan de jeu. Alors oui. sur Go joue ah super, ça tu vois ça me fait plaisir. Non non deux, oula quatre. Il est fou. Il est fou celui-ci. Trois Quintorius. Le maître. Le goutte Trois l'impératrice vagabonde. Impératrice tout. 3 brisbanks Eliast. Ah voilà, tu me dis des vraies cartes, là je suis content. Eh oui. la brise c'est collé, je crois. C'est collé, c'est collé. OK. Briso Banco, quatre fables. Ah ben voilà, voilà. Putain, pourquoi on joue eh de la merde depuis tout à l'heure de... bah parce qu'on teste les nouvelles synergies, désolé Aïe hein. aïe aïe aïe. Désolé le chat d'essayer de détruire le mal. Mais après vous êtes pas prêt hein. j'ai Témur Monster, jambe de bois. Ah vraiment allez voir, Mais est... focussez vous sur le jambe de bois plus que sur Témur. <laughs> yeah. mec, ça joue Borbo c'est et Fubbletop, c'est incroyable. 2010 Pierre. Euh, faire disparaître. Faire disparaître, pardon. Un euh, Deux fissurations. Deux déluge de réminiscence. Trois garrottés. C'est deux, deux airs, airs, je crois. Ouais, c'est ça. C'est pas écrire. Deux dépopulate. Deux adieux. Et trois invasions de la Nouvelle Phyrexia. Ouais. Elle est en bas, en bas au milieu. Ouais. Deux, trois, trois, ouais, trois. Ok. Marabans. Les Landes, deux plaines, deux îles, une montagne. Euh, ouais. Je vais les mettre à la fin, ça. Quatre brisants chivants, trois cols du Crépuscule. Col du crépuscule, trois codes de crotte de trois codes de crotte oh, de mer, le crotte co... de crotte, col du cré, donc c'est toutes ces cartes. Val, voilà, si tu te demandais, ouais. ouais. c'est comme rituel de suie, tu tapes rituel 2 et ça te trouve 160 cartes. Ah, bah là, ouais, bah non, rituel 2, c'est pas rituel, tu vois. Ah ouais, Dans mais en sens. fait, il, il, il split les mots, c'est honteux. Trois codes de crotte de mer, quatre cotes sculptées. ouais quatre plages désertées deux forges de campagne un gan en ottawa campagne quatre un forges Eganjo de campagne en... une deux forges de campagne ah, excuse-moi. ouais un ant en ottawa et tu vas me faire un petit plaisir tu vas me tu vas me squeeze une île pour mettre une deuxième montagne j'ai vu que la manaba'bile faisait un peu alors là j'ai actuellement j'ai deux plaines et c'est tout je veux deux plaines, une île et deux montagnes. Deux plaines, une île et deux montagnes. Ok. Fabriquons tout. Allez, emballer, en bas... en c'est peser. Hop. Quintorius, je te mets un petit skin. C'est pour moi. Toi aussi. Oh. C'est pas, c'est pas notre compte, un euh, C'est un compte qui est prêté seulement pour les AP. Hein. Donc si tu vois un nombre de, de gemmes complètement oui, oui. aberrant, c'est pas. C est c est... pas nous. Nous ne sommes pas riches euh, de, de gemmes ni de gold. Euh, ok. On met que des skins pour les stars du format. Les stars du deck. Pensée éparpillée. C'est quoi penser éparpillée Attends, je, je check ça vite fait. Pensée éparpiller. Je vais regarder de suite. Ah ok ok. Mettez deux cartes dans votre main. Non, je crois pas que ça soit mieux que Memory déluge. Mmh, ouais, pourquoi serait mieux On joue avec le cimetière Ah avec un torus Ouais, mais c'est un léger upgrade, je pense que ça reste quand même... Ouais. Je, Alors je oui, avec Quintorius, c'est euh... mieux. Ouais, mais je crois que je préfère une carte qui se rejoue deux fois, plutôt que ça. Je suis d'accord. Il bon, y a une non avec Quintorius, mais Quintorius, il pourra rejouer d'autres spells que euh, Memory Deluge, c'est pas grave. Quoi. Ouais. Je sais qu'on ah. peut pas rejouer euh, Memory Deluge avec, mais... Ah, tu peux rejouer, mais ça te fera rien. Bah et tu vas pas piocher de cartes, mais mm. enfin, genre, t'as le droit d'avoir une non bo sur deux cartes, quoi. oui. T'inquiète, Steve. On va pas te ban pour, euh, pour le spam. Mais juste, on va pas écouter ton conseil. Ça t'embête pas Alors, si t'as pas joué depuis un an, viens nous. Il y a beaucoup de changements parce qu'il y a une rotation entre temps plus 4 extensions. Donc qui peut uh... Ouais, on est, euh, on est pas mal là. Qui peut keep... Qui peut Moi, oh, tranquille. Ouais, Est-ce ouais. qu'on a assez de spells pour trigger euh, Quintorius euh, normalement, oui, tu joues un deck midrange avec pas mal d'early interaction Donc, euh, tu vois, là, t'auras au moins des populate pour le trigger. Ouais. Code, euh... Bank. Mais oui, tu joues un deck euh, midrange interactif. Donc, avant d'arriver au tour 5, t'auras au moins 2-3 spells pour faire tes 2-3-3-2 sans, sans trop sourciller. Genre, là, tu vas bien avoir ta Vras qui va bien te carry, par exemple. Ouais. Je vais Fable ou pas? C'est une vraie question. Si tu fables, tu perds... Je crois que tu veux quand même fable pour jeter un peu tes landes, quitte à perdre le 2-2. Je peux faire fable dans Quintorius, ça peut être ok. Hein. Moi, je pense que tu veux fable dans Vras. Pas fable dans Quintorius, parce que Quintorius ne fait rien là. Mais justement, donc, il veut veux... faire un truc avec fable. Enfin, il peut faire un truc, ça dépend. Ouais, mais tu vas avoir besoin de gérer le board qu'il est en train de te proposer. Ouais, là, c'est trop. Et donc du coup, tu vas pouvoir gagner un trésor, faire ta petite populate et là sur son tour ensuite nous on va... Oh bah je pas le choix de toute façon. C'est fou comme par contre les oppos ils nous déroulent avec les decks qu'on a essayé de jouer. Allez On lui a dit c'est nickel. Alors là tu vas pouvoir jeter la cote de crown merde. pas de land Oh si bon, de lande je en vrai. Dois... Oui tu peux en retrouver un on a 27 landes. Vas-y vas-y. Ouais voilà. Hop. Eh, vrace donc ça. Allez hop. Val, j'ai rarement passé un stream d'AP aussi douloureux. À quoi ça sert de. Ah, ça donne indestructible aussi. Euh, ouais, ouais. Ah, Mais bah, non, super, je suis hein. deuxième. Ah. C'est un deck midrange, un deck contrôle, tu l'appelles comme tu veux, gardeval. Très peu de plaisir. Ça arrive, en vrai, euh, ça fait 6 oui. streams d'AP d'affilée qu'on gagne 80% de nos matchs. Euh, de ouais, il y coup. a un petit coup de mou. Alors, ici tu peux décider de faire 3 tokens de 2 pour avoir une de, un potentiel de chum block intéressant avec ouais. ta, ton invasion. Ou alors tu peux décider de rester juste impératrice up. Est-ce que 3-2-2, c'est mieux qu'une 3 2 une 3 5 Non. Quintorius, en vrai, là Alors, ce Quinto... que Quintorius, il va le tuer avec son Lightning Strike, si tu bloques, quoi. Mais bon. Oh, On voilà. Je euh... suis plus à ça près. Oh, la voilà, 3-2 qui peut piloter le brisement, mais c'est insane. Genre, pour moi, ce qu'on vient de voir de Quintorius, c'est déjà suffisant pour justifier le mana dépensé. Ah bah double place, c'est vrai qu'on est à 6. Hein. Ça me va. Bien oh, joué. ça se garde quand même. Hop, là, ça dégage. Bon, c'était mieux déjà. Euh, même si on s'est fait complètement péter la gueule. Vas-y, vas-y. Relance-en une petite. Non, non, je suis là, je Mais suis non, là, le, le chat. On n'est pas en train de le perdre, t'inquiète. Je suis toujours là. Mais c'est vrai que... Il euh, y a un peu le côté euh, tu, je, je suis presque complotiste, vous voyez. On est à ça. Parce qu'on se fait quand même bien bourrer. Euh, et quand nous on essaye de bien bourrer, on se fait bien bourrer encore. En fait on affronte que des, que des déclinations de, de, de raid aggro, ouais. donc c'est un peu compliqué. Oula, tu, tu gardes, ouais. mais c'est quand même assez ambitieux comme hein, celle-là. Ouais, j'ai garroté, j'ai ça qui peut faire une bête tour 2, 3, pardon. 3, ouais. ok. On a beaucoup de land, ça peut le faire. Oh putain, excellent. Oh, ça c'est super. Faut croire Faut believe. I believe it. Très joli, cette île. Vous voulez qu'on vous euh, qu vous euh, fasse un détective sur Boros euh, Spell On peut. Hein c'est très facile hein, de, vous, euh, de vous faire la liste. Oh, je suis pas stressé, moi, je vais t'inquiète c'est pas du stress. Mmh. Mmh. Reste mec, dis the Up, Je sais pas ce qui te prépare, mais probablement une fable dans l'équation. Ouais, tranquille. Toi, Donc, je tu vas sais. aligner ton quatrième land pour avoir Brisebank, c'est ça J'hésitais à, à faire ça, mais bon, c'est pas très bien. Ça sera mieux le tour d'après quand tu pourras direct l'activer. Et en plus là, t'attrapes la fable. Excellent. On n'oublie pas les bons préceptes du standard. Ah oui. oui. C'est toujours euh, sa coquine, quoi. Bon, là par contre. Putain, 27 land et voilà, on peut pas trouver des landes, quoi. C'est la vie. Ouais, ça me fait chier quand même. Ouais, bah si on le perd là-dessus, c'est un peu chiant. Ouais, il ouais. y a des chances qu'on le perde là-dessus. Bah oui. On prend le Tlitschski, on a juste le bleu. Ouais, bah les boros qu'on a affrontés, ils marchent très très bien quoi. Il avait la deuxième. Et nous on n'a pas le land. Euh... Oui, oui, tu peux y aller. Hein. Il faut absolument trouver ouais. un land. Ouais, je sais à ce que j'ai mais je veux garroter si je trouve pas de land. Ok, parfait. Super. Je Garrote quand même. Oh, je, je suis sûr. Non, il peut avoir des brise -bank. Il peut avoir des brise quoi ouais. Fissuration, ça va pas dans les plaines de Walker. Mais... Il joue pour l'instant 5 couleurs. T'es murs, ça va. Borbo Grimos dans le camp d'en face. Euh, pour Borbo Grimos, il faut quand même une stratégie lente, bien assumée. Et, euh, et là, j'en ai pas forcément vu plus que ça, euh, mais, mais peut-être, hein. Wow. All right. okay. Il nous trouve quoi de beau Vorak et Droit à la gorge. Ok, il prend droit la gorge case Vorak. Ça j'aime bien. Ça me déplaît pas ça. Ouais, pas dégueu, pas dégueu. Alors, alors par contre, il faut jamais qu'il retourne cette, euh, ce machin là. Tu peux côte euh, sculpter, euh, garder pour piocher et juste fissurer sur son vorak. Je crois pas que ce soit ouais. le play de, de balancer Zurgo comme ça en, en early. Non, ça me va. Je crois qu'on va, on va rester up ici. Hop, euh, juste pour piocher. Ouais, c'est ça. Mmh. Bah après, lui, il ne sait pas que c'est juste pour piocher, mais. On lui fait croire. Il est de ce combo avec singularité explosive, le one-shot T5 quasi tout le temps. Quasi tout le temps Ah ouais ça marche comment le, jeu, le jeu à combo Idetsugu quand il meurt, en fait, il, il colle un nombre de dégâts euh, égal au. CCM, je crois, euh, de la carte du dessus de ton pack. Et, euh, et en gros, tu te, tu te débrouilles pour pouvoir faire synergiser les deux cartes. mais. Et ça met 20 Ouais, ça met 20, ouais. Ok. Mais et il faut, faut juste pas... le, le jouer tour 5 et avoir un moteur de sacrifice Ouais. Bon, c'est un peu compliqué, mais. Je. Pense que c'est junk Je vais dépopuler je crois. Tu vas bien dépopuler. Tranquillement. Ouais, je trouve un land. Et encore que tu peux aussi détruire le mal et juste piocher. Hein. Bah il commence à mettre des coups là-dedans quoi. Ah ouais, tu veux pas le laisser mettre des coups Ah okay, ça quand ça, quand ça se retourne, c'est pas cool quoi. C'est pas quasi tout le temps. Bah je, je, je pense pas que ça soit d'un vrai deck de standard, mais je pense que pour un stream d'AP ça doit être assez sympa, ouais. ouais. Euh, de Tsugu, euh, Tsugu combo. Invasion, euh, deuxième ronde. C'est bizarre que tu puisses en avoir deux de la même. Ouais, ça, ça aurait Comme dû être légendaire, c'est un peu bizarre, ouais. ouais. Ok, donc il a effectivement des brise banques. Rizobanko. Après, tu pourras adieu un moment. Hein. Ouais, le problème ouais, c'est je... qu'adieu, tu ne remouves pas ces batailles. Après, tu peux décider aussi juste de faire une grosse invasion là maintenant. Ouais, j'allais dire c'est soit grosse invasion, soit j'adieu. Il hein, perd ça, ça, ça. Et grosse invasion, ça me va. Ouais. J'ai l'impression qu'il à mal le board. Un peu. Bah, ouais, ouais. Mim. Euh, J'y mets un coup ou pas Crois, hein. Dans l'invasion Ouais. Il te restera 3 bloquants Ouais. Il va t'en tuer un, il te restera 2 bloquants Ouais, vas-y. Vas ouais, vas il... Normalement, il ça. retourne pas une, non, une non, invasion de suite. Il va peut-être même chumper avec ça de deux, Non, ça me couilles. Il suffit d'avoir le deuxième idée de Tsugou, Cloto ou Clopote le tue. Je ne veux pas te décevoir, Xirion, mais j'ai je... du mal à penser que ça puisse être. Un, un archétype de standard euh, méta, euh, mais que ça soit euh, un, un deck fun et fonctionnel, ça, euh, ça j'y crois, ouais. Mm. Mais j'ai pas, euh, pas vu tourner le truc donc euh, pourquoi pas. Vous êtes dur avec Kinto, franchement. Tout à l'heure, 5 mana, 3-5 et 3-2, Il y a une époque de Magic, on n'aurait pas fait les difficiles. Ouais, c'est vrai. Non, les stats sont correctes. C'est peut-être pas si mal. J'ai jamais dit que c'était mal en vrai, mais je dis que c'était pas suffisant. Toi, tu dis pas que c'est pas bien. Tu penses que c'est pas suffisant. Et ça, pour le coup, je te contredis pas sur ça. J'attends de savoir. Après il y a un moment tu vas juste faire Zorgo tous les tours toi. Et ça va très très bien fonctionner. Hein. Mmh, ouais, bah, je vais commencer. Hein. Là c'est 10 points. Je peux je aussi... Ah, ouais, je crois que je vais dire enchantement là. Juste. Ouais. Mais je vais le faire maintenant. Ah, ok, tu fais... Enchantement pas, et j'attaque. Euh... Tu veux pas piocher ta carte avec Brisbank et dire aussi euh, artefact Je peux, ouais. Paraît mieux, hein. Ouais. Vas-y, vas-y, fais. Deux. Je fais gaffe au mana mais je crois qu'on a assez de mana blanc. Il peut, il peut avoir contre sort cela dit. Eh ben il sera fort, Val. Non ouais, non, non mais il Artefact, faut pas Artefact, Enchantement. Ouais. Cimetière, il a pas l'air de faire mes musées avec ça. Non, toi ça t'arrange pas Cimetière, donc il faut bah, pas, ça pas le faire pas, ouais. mais En fait j'exile et après il y a Adieu. Donc au pire Quintorious marche toujours. Mm -hmm. Ça pioche. Tu vas pouvoir aller taper dans ton siège, surtout. Oui, je pouvais récupérer mon siège en cassant l'enchante, mais je vous aussi me débarrasser des fables. Et vas-y, tu retournes ton siège là. Ouais, ouais. J'aime bien cette possibilité de Jessica Midrange. C'est une nouvelle offre de tricolorité dans un standard qu'il n'avait pas nécessairement. Je sais pas si mon deck est vraiment extrêmement bien, mais j'ai l'impression que ça peut s'imbriquer correctement, quoi. Et je vais faire l'emblème de suite hein. L'emblème il fait quoi Plus 1 ah et ouais parade. Ouais, okay. Bah en fait si je pioche 2 et que je défausse 2 et qu'après il me fait je te le tue, je suis un peu deck quoi. Non t'as raison, vas-y vas-y, tu peux emblémer. Oh d'ailleurs je peux en faire deux. Je peux refaire un emblème, j'aurais des 4-2, parade 2, vigilance. Et tu vois là, si es, si, es, euh, si tu regardes ton cimetière, t'as de quoi faire tourner Quintorius assez longtemps en vrai. Hein. Euh ouais. Effectivement ouais. Mais si je regarde juste cette carte... Elle a été super bien. Ah, ouais, celle-là, elle est cool. Franchement, c'est bien ce que ça fait. Teferi, il est vraiment juste mignon pour pas être broken. Ouais, ouais, c'est bien. Sûr... C'est sûr que c'est pas broken ce que ça fait. Bon, ça, on va détruire le mal. Voilà, ouais. tu peux commencer à détruire le euh, mal et surgo tous les tours pour, euh, euh, pour, pour ouais. gagner, je crois, s'il n'a pas de réponse. Ah j'ai pas pensé au terre, désolé. Ça, Ezurgo et normalement c'est gain. Hein. Orch et Dragon, c'est dommage qu'il soit pas aussi chevalier, tu vois. Ah ça aurait été pas mal hein. C'est oh, exactement, oh, 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 exactement oh, 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 ce que j'aime oh, oh. ce deck là, euh, Nickel. Genre, je, je le voyais exactement comme ça et je lui en demande pas plus. Alors, Untapped est activé comme on en porte. Par contre, euh, vu que l'extension n'est pas sortie, bah, il peut pas être à jour. Tu vas en remettre une petite avec ça ou... Ah, avec grand plaisir. On a fait que deux games, je crois, avec. Ouais. Une win, une lose. Ouais, ouais. Et on n'a pas vu qu'un Mais par contre, on a vu la. On a vu qu'un hein. Ça fait une 3-5, une 3-2. Et... Ouais, on mais board. bon. On l'a joué, on ouais, avait ouais. déjà perdu, quoi. Euh, ouais. la, la bataille, j'ai envie d'appeler ça des... des enchantements à chaque fois. Des sagas. À la, euh, bataille la bataille, bataille Zorus elle est cool. Elle, elle est, est vraiment cool. cool. Euh, par contre, on en joue 3 et j'ai l'impression que si t'as pas beaucoup de mana à mettre dedans, c'est moins bien. Donc peut-être que t'as envie d'en jouer un peu moins. Là, on en a pioché qu'une, mais. Moi, j'ai que... estimé que c'était un... un drop 4. Mais euh... Drop 4, c'est en fait, juste rentable. Drop 5, ça commence à être bien. Donc, drop je 5, c'est value même. Ouais, c'est value, ouais. Mais dans le format qu'on a actuellement, il faut chercher value, quoi. Peut-être t'en veux que 2. Ouais, on pourrait descendre à 2. Hein. C'est pas du tout impossible. Mais ça, c'est un deck qui demande à être un peu dégrossi. Je voulais mmh. juste tester la. Ouais tu peux l'en détaper, l'en tape je pense. Ouais, c'est pour pas me piquer avec ça, ok Ça te permettra de garoter, ouais. Et euh, c'était juste pour tester si la synergie de Sky elle, elle apportait un truc et peut-être qu'à la fin on pourra jouer ça, mais sans Quintorius, si on admet que Quintorius c'est pas assez bien, mais. Mm. Oh bah, on va on va le tuer, celui-ci. Est-ce que c'est plus important de le tuer? Bah en fait j'essaye de le tuer, mais il l'a pas joué tour 2. Donc, est-ce que je fable Fable, tous les jours. Si la Shore Up, t'es dans l'espace. Ouais. Je vais essayer de si tu, up tu fais l'avion, euh, ça casse les couilles. Et du coup, il va faire ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure. Donc, on va voir pour Tunim Senpai comment celui se réussit. Ouais, il est pas très respectueux. Donc, tu vas pouvoir au moins gérer un des deux. Ouais. Alors là, enfin, si ou je... alors, il n'est pas respectueux, pardon. C'est qu'il a pas de Shore Up, hein, Ouais. Oui, peut-être qu'il a juste pas de quoi protéger. Euh, je pense que là, si je vais défausser deux cartes, essayer de chercher une... Un, une vrasse. Une vrasse, oui. Tu et... peux défausser déluge, c'est pas du tout dans le thème. Ah, ouais, bah ouais. attends, on va... ça par contre, tu vas... Ouais. Il ah, je crois dû... que euh... ça, hein. Comme les concombres. C'est une... 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 plutôt une erreur. Tu peux défausser aussi montagne et déluge ici. Et on garde détruire le mal. Peut-être que détruire le mal, c'était pas bien aussi je sais pas ce qu'il peut jouer, disons que c'est une sécurité. Oh, bah je peux refable et garrotter ouais. et je garde celle-là. Ouais, 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 ouais. Et puis on va voir pourquoi euh, Fable, de toute façon, quand on en enchaîne plusieurs, tu gagnes, whatever ce que joue mec en fait. Sur le principe des cartes fortes qui te permettent d'aller trouver leurs multiples copies, ouais. bah, ça rend la carte forcément ultra impressionnante. Crac, 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 deck encore. On croc. fait un cours sur Fable, on sait que c'est puissant, mais. Il avait des Fables, donc on a bien fait de garder Détruire le mal. On va en manger une. Je croque. Je t'invite à détruire le mal in tout garrotté hein, si ça t'embête pas. Mmh, oui. Et tu défausses rien, hein, je crois. Ah, je garde mon brise-bank Je voulais avancer pour trouver que... des landes, mais bon. Ouais, vas-y, tu peux l'enlever. Hein. Si tu estimes que t'auras pas le temps de le faire fonctionner et qu'on va juste ah, tuer. Euh... Je préfère ça, tu vois. Tu seulement. Euh. Ouais, C'est garrotter le 2-2, détruire la... détruire la fable et tu bours. Je l'ai fait en premier, voir s'il avait un spell pour protéger. Shore-up, ça protège pas un enchantement Non, non. Ok, ok. Non, mais euh, je voulais voir ouais, si... Mais euh, je, je comprends. Ouais. Ma C'est moi, dans ma tête, je me suis dit, oula, attends, j'ai loupé un truc. Et ça concède un peu tôt. Mais bon, ah, en même temps, là, on joue, un, on joue avec des vraies cartes de standard, donc on se retrouve un peu dans la situation que nous, on était. Ah Ou ouais. euh, si, si tu commences à jouer pas mal d'interactions, tu, tu casses un peu le délire des gens qui jouent en AP. Mais bon, comme ce soir, on s'est un peu fait casser le délire. On a le droit, nous aussi, de casser le délire des gens, tu vois. J'en remets une petite, parce que je prends du oh, plaisir, mais... tu m'en voudras pas. Non, pas du tout, pas du tout, j'adore. Hein. Mais c'est euh... vrai que si tu commences à jouer juste des interactions et des fables, euh, qu'importe les couleurs que tu mets autour, tu vas déjà avoir un edge naturel sur les gens ouais. qui jouent en AP. C'est vrai que c'est bien vu ça chez nous. J'espère une future édition avec des événements du passé, une carte bataille qui contre Nicole Bolas, euh, une édition qui revisite un peu bah, grâce à tes par exemple toutes les époques. Et là tu peux foutre ça. des batailles contre contre tout quoi. Ce serait incroyable. Bah, c'est clairement probable ouais. Si tu veux pas te piquer, il faut commencer par euh... col du crépuscule col... pour pouvoir avoir ah, l'option de garrotter le tour d'après. Euh, ça non c'est pareil. Là c'est pareil du coup. Oh, dragon. Lui, il, est, il oh. est sur quelque chose de. D'argon. De sympathique. Oh, du coup. Bank, hein. Je prise banque. Je peux lui faire croire. Quelque chose que j'ai pas. C'est l'heure de la jambe de bois. Ouais, si tu veux, Steve, On se fait la jambe de bois après. Ah, ouais. Juste après, ça part en jambe de bois. Oh, parfait. là, c'est garrotter plus draw. J'adore. Ok, ouf. je garrote. Je garrote, je picote. Euh, je piocherai pendant son tour. Un chouïa moins de lande, c'est pas c'est possible ouais là s'il peut me jouer un, un truc un peu qui tâche, comme ça j'ai dépopulate, c'est cool je pourrais faire quintrieux sur peut-être bord de vide oh la saucisse ouais, la merguez je de feu tribal dragon quoi merguez de bah, feu soit, hein. merci beaucoup michael winja pour le sub merci salut à toi waouh le nombre de landes c'est une folie ouais, je vais le faire piocher hein non ah ouais ah, si je ne bah, pas là. en fait... Euh... Non mais attends le tour d'après pour brasser, il y aura fable. Attends d'après, j'aurais plus qu'un Torius. Non, on accepte, on prend 4 et... Ouais, on ouais, choper ouais. ça. Okay. Ouais je pense. Du coup je peux le lander comme tu ça. Peux, ah, tu peux attends. piocher, piocher d'abord. Ouais, ouais tu peux piocher. Ah ça a pas gardé de lande blanc. c'est super intelligent de la part du jeu. Tu vas jouer Code de Croix de Mer et... Euh... Ouais non, tu peux lui faire croire une interaction avec ouais, le Crépuscule. Tu ouais. peux piocher des Ouais, t'as pioché 4 landes d'affilée donc... Enfin, ma main de départ c'était euh, Garoté, Brisbane, Quintorius je crois. Et Depopulate et 3 landes, non Ouais. Bah oui j'ai plus bah fait ouais, que des landes. Ça. Alors non je pense pas que la nouvelle Vrasse soit mieux que Depopulate dans ce deck là parce qu'on a déjà des Drop 5 avec Quintorius oh. et... Ouais là tu vois t'as une super Vrasse. On a déjà des Drop 5 avec Quintorius et Zurgo et donc du coup on veut la Vrasse en drop 4 surtout avec l'agressivité du format. Ah mais il a du bleu. Mec the oh, dans putain. son deck dragon. Non c'est incroyable. Gros. <laughs> On se prend <laughs> dragon euh... dragon contrôle. Dragon troll. C'est marrant quand même. Est Le fait, fait qu'il ait mec 10 pire dans son dans son deck c'est quand même marrant je trouve. Bah c'est bien joué euh... Maioi Games. Ah ouais, bien joué bien joué. Je m'attendais pas du tout à prendre un contre. Hein. C'est fou. Euh, tu peux trouver une note des dépopulate ou perdre la partie maintenant. Nice! Tiens, tu tu suis le tu es trop fort. Oh, je rigole. Tu le crois quand même qu'il avait mec 10 de pierre dans son deck euh, 4 couleurs dragon Son deck euh, ragdos dragon aggro, il avait quand même le splash bleu pour mec 10 de pierre. Bon, ah, C'est bien vu, ça. il Alors, il avait pas qu'un splash bleu, hein, il avait des landes blancs aussi. Ah, il avait des il landes blancs 4C... Ah, ah ouais, il avait 4C... 4C... 4C dragon, le type. Ben, ça a marché, écoute. Hein. Plus fort que nous. Ouais. Euh... Bravo, bravo. Alors je t'écoute. Alors tu préfères Temur Jambes de Bois ou Hors of Direction J'ai déjà mis 4 euh, ben Il y en a que 3. Dommage. Loupé. Putain, j'en mets 5. Allez, c'est parti. Un Shigeki. 4 oh, Slogurk. Slogurk c'est que... Quand je vois ça, j'ai envie de jouer en, en DC avec. 3 trois Titania. 3 trois vrai. 3 vrais Nenset. 7 Combien 3 aussi. 3 aussi, parfait. 3 vrais Nenset. Euh, Brise Royaume ou vrais Nenset Non, vrais Nenset. Ok. Brise Royaume, il en faut aussi Non. 4 Fables du Brise Miroir. 4 Explorations. Explorations en commun C'est Explorations en commun, ouais, c'est ça. 2 Mecs d'Isepire. 2 Fissurations. Euh, merde. Faire disparaître. Faire disparaître, pardon, excuse-moi. Euh... Fissuration. Fissuration. Quatre éclairs obli oblitérants, pardon. Merde. Alors ça, je décline de... toute responsabilité sur ce deck là. Euh, ça a été fait ce matin avec le chat. Euh, si c'est de la merde, vous en prenez aussi à vous. Hein. Invasion de, de votre faute. Ouais, un peu, un peu. Moi vraiment vous m'avez entraîné dans des frontières que je ne maîtrise pas euh, aux portes du Junk. Combien d'invasions? Donc euh, deux invasions de Kaldane. Et bon. c'est parti pour la mana base, vous allez bien vous marrer, vous allez voir. Deux ah. beaux éjoues, deux otawara. J'ai l'impression que le deck n'était pas fini. Deux beaux éjoux. Deux Otawara. otawara. Quatre plans que des courtiers. Quatre surplombs des rifters. On en est là, oui oui. 4-4 U. Ouais ouais et deux théâtres de maestro. Oh putain. Thé Théâtre, ah ouais, avec les accents à la con. Deux. Et normalement, t'as 60 cartes dans le deck. Euh, les basiques, c'est quoi euh, Les basiques, c'est euh, 4 îles, 4 montagnes, 3 forêts. Je décline toute responsabilité euh, si, vous, si vous craftez ces cartes-là. Déjà, vous avez jusqu'à mardi soir pour réfléchir. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Police de la mana base. Alors, faux, porte, la mana base est bonne. C'est juste qu'on joue des landes de merde. Mais les couleurs sont là. Il n'y a pas de problème. C'est quoi Faut cette mana base Réfléchir. Bah, C'est une mana base qui fonctionne avec notre deck. On veut avoir des landes au cimetière, donc, euh, donc on est obligé. Réfléchissez bien. Non, en vrai, la mana base est okay. très bien. Hein. Le problème, c'est pas la mana base, c'est le plan de jeu. Ça, c'est c'est pas facile. Mais, euh, mais la mana base est, est très bonne hein, pour ce qu'on veut faire. Attention. Ouais, c'est criminel de ne pas mettre Lord Wingress dans ce deck. Mais ça demandait de faire des concessions de coloré que j'avais pas envie de calculer ce matin. Et je me suis dit, si cette version-là du deck est intéressante, on rajoutera Lord Wingress plus tard dans de l'optimisation. Je peux kip. C'est gardé. Ça va chercher... Ah, ça va, ça va chercher, pas chercher malheureusement. de vert. Non, ça va pas chercher de verre mais je pense que ça va. Ouais. Chercher quoi, du coup Un autre rouge du rouge. Oh, du rouge. Oh, il y a une petite musique. Oui, le jeu. Ouh il voulait pas. De quoi Il voulait ah, pas il le voulait pas jeu. Pas je cliquais je sur le land, il se passait rien. Euh, si tu peux jouer passe. ah oui, tu peux jouer cette île, ouais. ouais. Shingai qui passe C'est pas un tennisman, lui Oh, bien vu. Ah ouais Allez, Ça dégage. Oh, long, ça oh putain, contre. ça dégage. C'est Mardu euh, Mentor, ok. Pourquoi pas, après tout Allez hop, Slow gurk. Non. Tension ouais. PL. Non, non, je fais à euh, autre chose. Slow Gurk. Je trouve qu'il manque d'un petit ETB Slow Gurk, genre euh, Meul 3, tu sais. C'est vrai. Bon, ce serait peut-être un peu. Après, ça, lui ferait mettre... ça lui ferait mettre des marqueurs instantanément. Et ouais, ce serait ah pas oui, c'est à, à chaque fois. Parce que si c'était à chaque fois qu'au moins une carte de terrain, ça mettait qu'un marqueur. Il aurait été de 2 Bah ouais. Oh bah, dis pas, bah ouais, comme ça. C'est vachement bien ce qu'il nous a fait, le petit slogur là. Bah, en fait, c'est le lui, tu vois, ça n'a pas cherché du vert, c'est pas fou quoi. Ah ouais, ok. Parce que Mais bon, si c'était l'autre. Euh il a fait son petit job hein. oh, il fait coup. son taf fait son taf euh, rouge encore c'est quasi un ETB passe ouais passe hein. oh, on va jouer bon, ça bon, à après prochain. tu feras à Borbo Grimos et puis et franchement je pense qu'il va faire l'avion avec ton Borbo Grimos l'opo change rien Borbo il n'y a doit. pas de bête c'est dommage franchement aux F, hein, tu vas piocher ta carte c'est même pas le Piette Oh, ça ah, c'est hein. un cyclope. C'est une carte de grind, en fait. Ouais. Ah, quand tu détapes avec, c'est dur à gérer. Un peu impossible, même. Euh, on va enlever cette montagne, je crois. Que... Tu peux simul... les mettre face ou pas Non, c'est une créature sinon Bah, alors rien. Hein. Ah, je peux confirmer zéro ou refuser, c'est pas pareil. Ça dépend mmh. si vous êtes quelqu'un de positif ou négatif. Urabras j'aurais bien le aimé pose... le voir, euh, autre que quand safranolive le joue et on le tue. Le positif euh, confirme zéro. Mais Urabras c'est toujours pareil, il a des stats de créatures agressives mais il coûte 4 mana et on a déjà le Raptor ou Raiju qui fait mieux. Donc, euh... Ouais mais il peut se retourner faire des trucs, tu vois. Ouais mais justement, ces effets-là, c'est pas des effets de standard quoi, c'est trop compliqué. Ah ce spell j'aime beaucoup. Ouais, on voit Shigeki, notre machin. Euh... qui ça. Ouais. Et on peut pas. Bah là, tu peux pas. Il va d'abord falloir passer par la planque des courtiers, mais, mais tu pourras un moment quoi. Planquons, Planquons les courtiers. Hop là. Ah, non légendaire. Non, un peu de la merde. T'arrives au meilleur moment, Enéris. T'inquiète donc pas. Ah, tu peux tu peux pas le récupérer c'est non légendaire C'est non légendaire ouais donc je peux pas prendre Slogurk ni ça Donc va falloir tâcher ça du deck je crois Ouais ah, je pense que Shigeki c'est pas bien dans le deck alors Mais à cool pas Garde-les tes planques dégoûtiers maintenant ah. Ça fait quoi Parce que ça, fonc... bah, ça fonctionne avec tes Slogurk Ah oui putain C'est pas grave euh... ouais. bah, Du coup je joue ça hein. Oui oui bah bon oui Effectivement Je le renvoie je révèle les cartes pour... Ouh, ça me fera ramper hein ou ouais, ouais. Oh, putain, hein, un gros comment Chandra je tue ça avec Éclair Orbiteuran ça vrai, on affronte Patrick Swayze. Je savais pas qu'il avait un compte à Mais il Bah ils lui ont dit. Eh, hey, ça vous dit pas une petite euh, game là ah, oh, il a pris le pire play, je suis super content. Let's go. Ouais, bah après, si tu trouves pas vrai n tu trouves pas Titania, si tu trouves pas. Euh, tu trouves que des Landes. Ou le reste. Euh, oui, ça, ça, ouais. ça va très très mal se passer. Ouais. Et oui. Oh, et en réponse. Et euh, si c'est C'est tué, hein. Hop. Genre, il joue Festivité du Couchant Mendek, quoi. Oh yes. Super. Petit surplomb de Drifter pour Trigger. Marker. Peter Marker. Hop. C'est trois marqueurs pour le reprendre en main, quand même. Ah oui, oui. C'est pas, pas non plus broken, hein, c'est vrai, hein, mais. J'ai l'impression ils se sont dit venez, on la fait pas ouf. Mais comme ça, euh, Comme ça, est... on est tranquille. Eh hey, mais du coup on mais joue pas. ça. Ça peut être border cassé si tu fais n'importe avec ça. Genre oh, ils putain. Les... Pourquoi ils jouent ça quoi Et ils n'ont pioche que des landes en Gros ça fait combien de tours que n'as pas pioché landes... un land Et en plus, tous ah, mes landes enlèvent que... un land. Hein. Pourquoi ils jouent bombardement Attends mais... Pourquoi il joue Festivité du Couchant et, 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 euh, et Bombardement dans le même deck Je comprends pas là. J'ai mal quelque part. Fais voir son cimetière, c'est quoi son deck Clique sur ce cimetière là. Pourquoi il y a des mentors Non oh, putain. Ouais, voilà, je suis fatigué. Ah, et du coup il a mis 5 atouts. Donc ça fait rien. Ouais, ouais bah, gros, ça mais fera... on est où là Ça ferait gagner 3 hein. Ah, fais gaffe parce qu'il faut que tu aies 4 landes au cimetière pour que Titania elle fonctionne. 1, hein. 2. Deux... Ah, ouais. tiens, j'en mets un. Ouais. <coughs> oh, bah, il y avait encore une, là. Let's go. Oh là là Que c'est de la merde ce qui se passe Ah bah, toi, je t'attends au tournant. C'est fou Juste parce là... que. Qu'est-ce qu'il est, qu est que nu à deck... chier ce so match <laughs> C'est ce que j'allais dire. Notre Il deck n'est pas brillant. À chier. Hein. Mais alors vraiment, l'oppo, ça n'a aucun sens, ce qu'il fait. Les cartes qu'il a dans son deck n'ont aucun sens. Mais quoi Sacrifier un land pour en avoir quatre au cimetière. Val, je sens ma veine <laughs> dans l'œil gauche qui palpite. Ça ne va pas, il y a une tension en moi là. Oh putain. Ah bah il est là, ah, lui. oui. Putain. Let's go Mais attends, mets d'abord une planque au cimetière. Pourquoi Ah non, mais on s'en fout. Non, on s'en fout. On, on s'en fout, Val. Voilà. Ah, Allez. Des super cartes. Plus, plus, je vais plus. en mettre deux. De la protéger, ah, ouais. mais en deux. Pourquoi tu défausses les lands qui font du mana Ah merde putain, je me suis dit euh, trop smart, je vais jouer ça, je vais les reprendre, mais non, c'est pas dans le cimetière. <laughs> c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Ce qu'il se passe, c'est magnifique. Je sais pas, moi je suis quand même border crise là. On est quand même pas bien de ouf quoi. Oh, je peux le remettre et après je mélange ma bibliothèque avec ça. Non, t'as plus de landes à trouver. Mais j'ai le droit de chercher. Ah oui c'est vrai. Tu je peux... remélange Borborigmos comme ça on les deck. Gros je comprends oh, pas ce que fait l'opo, ça m'énerve. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer oh oh non. non non tu peux. Non non non, tu vas le remettre sur le dessus de ton père. Oui je sais mais je crie quand même vol. Ah oui non mais c'est pas... pas grave. Attends, vas-y. Parce que du coup tu vas le repiocher en défaut santé de landes de merde. C'est extrêmement combo là, on a... on a vraiment le meilleur deck. Il a juste mis les cartes qu'il met bien dans un deck. Non. Quand même pas. J'ai l'impression que tu as une terre nocturne. Ah, mais là, c'est. Alors là, tu défausses les deux. Ah, euh, c'est de merde. merde. J'ai cru Merci. que je pas pioché. J'ai dire, mais il est où Borbo Grimos. Ah, oh, putain tu défausses juste ça ouais. et en vrai je pense qu'en late game c'est imbattable Borbo Grimos hein. je pas Attends. on n'emploie pas non des mais mots mais... qui nous oui, dépassent mais... <laughs> lui, lui il a un bombardement effectivement c'est complexe mais euh, admettons qu'il n'est pas bombardement genre dans, une... dans un duel de ressources mid range mm -hmm. bah, genre il te tue jamais ton, ton Borbo Grimos en Pareil, réponse encore une carte que. Ouais, vas-y, encore une carte que L'Oppo adore, on sait pas pourquoi, mais. J'ai pris des risques, en vrai, s'il cassait un truc. Euh... J'aurais dû le faire à mon tour, ça. Il peut le rejouer, cela dit, hein, son, son bousin. Ouais, mais euh, il récupère pas les trucs exilés. Je crois. Gros, c'est trop. Là, ce que je vois, PL, c'est trop. Le deck de mon Oppo c'est trop. C'est Borbo Grimos qu'on doit laisser partir, je crois. Oh la fable, putain. Vous avez vu ma fable Elle est belle. Elle hein. belle hein oh fusion, ya. Yeah oh, let's go. Oh On va, on va le on va le terrasser le type hein c'est dommage qu'ils soient obligés de se sacrifier parce qu'on perd un peu de statistiques ouais. mais <laughs> un peu de la merde voilà non ça va ça va et oh Oh respect te plaît non parce que C'est euh, si si de qu'on euh... a gagné là oh là, là 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 alors bah bourre-le hein ça... ça fait quoi d'autre ah tu peux animer des terrains Oui ah, montagne bah Te prive pas Je peux le refaire Oui on oui, le pour toujours. Oui anime, anime les montagnes. Elles sont plus, plus vaillantes au combat. On va quand même tuer sa Jaya si ça t'embête pas. Ya yeah. Et garde ce petit land en main. Oui. Non parce que si le deck fait de la merde... Je rappellerai que c'est le deck du chat. Si on gagne cette partie, je rappellerai bien que c'est mon deck. Mais c'est ton deck, voilà. Euh, c'est le tien. Il y a une certaine paternité dans l'idée, ouais. Moi, je me dédouane peu importe ce qui se passe. Je ne suis que l'outil. Que <laughs> je ne suis <laughs> que la main qui guide le destin. <laughs> Mec, t'es pas un peu intrigué par ce qu'on est en train de faire Il est vraiment exceptionnel notre pot. Genre il est vraiment genre phénoménal, je rigole pas. <laughs> je sais. Mais. <laughs> comment gagnes-tu Swayze <laughs> Parce que là tu tues tout ce qu'on joue. Et gros, il joue juste que des pâtés. <laughs> Regarde son putain de cimetière gros. On va perdre la meule hein, celui-ci. Ah ouais, ça prend une carte au hasard, ouais, bien sûr. Il, il a vraiment littéralement tué notre Titania sur un coup de chat. Oui, oui, vous pouvez, vous pouvez le dire. Et il y a des mentors dans son deck. Je suis gros, je suis au fond. Oh, il a une chute du héros. Putain. Ah bien joué, bien joué, Swaze. Je suis, je... je me fais battre par le meilleur anti-bête de 2015. Je Je ne, peux, je ne peux pas, j'essaye d'être. Euh... Je, je ne sais pas. Je, je suis plus là, gros. Je... Oh, let's go, la petite fable oh, oh. Il nous pète le cul avec bombardement de merde. Parce qu'il a trouvé de quoi ne pas mourir spécifiquement, ça a trouvé une parce carte que au hasard, on est d'accord. Il y a une règle tacite la... c'est que quand on est en stream d'AP, on ne casse pas les permanents. On casse un peu les non, bêtes mais... et c'est tout. Donc forcément, Belle. un enchant à 6, on ne le gère pas, on perd. Mais il était censé mourir s'il trouvait pas spécifiquement euh, Burn Down the House. Oui. On s'en foutait, on avait battu son enchantement de merde. Je sais. Je sais. J'attends sa vidéo pour voir ses réactions. Pourquoi il, il fait du contenu, Swise il... Je vais aller voir aussi. Là. Ah ouais, je pense qu'ils font quasi tous du contenu là. Je vais lui mettre un pouce rouge. Je vais m'abonner pour mieux me désabonner plus tard. Oh, putain. Par, par, je peux plus là. Vraiment, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Euh... Je pense qu'on peut en gagner une autre. Est-ce qu'il perd la ah, meule Attends, il a 11 cartes. Non, 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 mais il t'en voudra pas de partir. Et on peut pas gagner la meule, tu crois Je pense. Pas. On a une vrasse ou un truc qui y ressemble Non. Il peut nous mettre deux. Il ne le fait pas. On est vraiment sur du grand Mendes, hein. Je préfère.. Il va recaster un spell. C'est craqué, bombardement, quand même. Non. Bah, non, mais t'as vu ce qu'il fait mais ça coûte 6 mana et ça fait rien quand ça arrive en jeu. Donc c'est craqué quand, euh, quand tu janks avec, ouais. Ouais. Puis Plus huit 8 cartes. Moi je dis on le fait, hein. Bah, Là il faut non, pas voir ce pas, faux Fog. Euh, tu peux pas survivre, gros. Tu peux pas survivre. Puis il a trop de cartes en main, quoi. Ah bah ce Saugurk ouais. so est-il la solution à nos problèmes Il nous a bien janké sur la tête. GG à toi, Swaze. Ah, j'ai trop le seum, putain. Il a pas fait marcher mon, mon deck témur jambe de bois. Est-ce qu'il mérite au moins une deuxième game, ce petit témur Dis pas non, plus. Allons-y. Merci. Merci. Après, je vais aller chercher un petit peu d'eau parce que je crois que mon corps a besoin de quelque chose. Je sais pas s'il a plus besoin de l'eau ou de la pause pour aller chercher de l'eau. <laughs> C'est dur, hein. Ce qui est très marrant, c'est que Lopo, il savait pas ce qu'on faisait non plus. <laughs> ce, bah en même temps, on a fait que, que des landes que... et on a joué deux bêtes. Et lui, il a fait que des landes, il a joué un enchanté, il a joué 600 spells. <coughs> oh, c'est pas mal ça. Moi, ouais, c'est cool. Toi, t'es de mauvaise foi, nous best. Ah, euh, c'est euh, méchant, nous hein. bien. Jessicay c'était plutôt bien, mais si tu veux, la prochaine fois, on joue Boros, Boros Mentor pendant le stream d'AP. Encore mieux, on joue Monoraid avec Phoenix, hein, comme certains. On se régale. Ouais, ouais. Nous, on essaye. D'autres essayent moins. Bah ben, oui. Apprécié. Euh, il faut du rouge. Non, du bleu. Marie, il faut du bleu aurai. pour commencer, ouais. Maestro, Donc, ça fonctionne. Ouais. Il ou montagne, allez. Il y a une petite musique, euh, truc des sois ça fait genre. Oh, ça c'est Mec, euh, t'es au théâtre Normal. Ouais, c'est vrai. Ça jouera que d'autres sacrifices en face. Oh, fatch Alors, attention, euh, le deck qu'on joue, euh, on est censé faire des choses plus débiles que l'oppo, on n'est pas très interactif, donc s'il va très vite, ça va être dur. Hein. mais nous baisse, il n'y a aucun résultat. Tu vas prendre en compte des résultats alors qu'on teste que des nouveaux des nouveaux decks. Mais là, ce qu'on se prend... Mais est-ce que le format est devenu terriblement aggro Ah, mais je sais ce qu'il fait, lui. C'est ce que je t'avais envoyé. Ouais, il veut, il veut convoquer... Euh... Il veut juste nous convoquer dans son bureau. Il veut, il veut, il veut convoquer des grosses pelles. Des grosses pelles gros bien gras. Euh, ouais, tu peux juste forer je... et faire exploration fin de tour, je pense. Je vais explorer là, je crois. Plutôt titané. Ouais, mais il faut, pay... il faut que tu rajoutes le land si tu veux kicker. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Ouais. C'est un, un éphémère. Ouais, c'est ça. Non, mais je, je savais pas ce que tu voulais jouer. En fait, dans tous les cas, tu pouvais, euh, pouvais l'en déforer ça te laissait les deux options et, et tu voyais après quoi. Mmh. Alors, à quel point il peut convoquer des trucs énormes Moi, je retiendrai surtout mon horaire de bataille, car je vais tester à la sortie. Euh, Alors, attends, je ne recommande le terre. pas, hein. ça va te coûter ouais, cher en ouais. wildcard, pour un deck qui sera peut-être pas si bien que ça. Peut-être que c'est bien, hein, mais... Non, c'est je... sûr que ça sera pas. Je pense que c'est pas ouf. Ouais, ouais, F fais ça que si tu as beaucoup de wildcard sur le terre. Oui. oui, si tu peux tout crafter, bon bah, fais-toi plaisir. C'est mais... clairement, clairement un deck, un deck junk. Non, on a un deck Winnie White dans lequel on joue à Nord, mais on l'a pas sorti pour l'instant. Ah, si t'as 5 trillions de wildcard, tu, tu peux t'amuser, c'est clair. Eh ben alors... Belle, hein Euh... Ouais, ouais. Enfin, ouais, nous, on interagit pas, donc forcément, on va se faire défoncer par ces plans de jeu, là, ouais c'est clair. Euh, ouais oh, je veux rien l'un ni l'autre oh, tu veux rien chercher une petite montagne ouais montagne et perdre hein. tranquillement moi ouais, je vois pas comment on va ce qui fait enfin genre euh, notre deck est pas fait pour ça on a un deck mid enfin plutôt rempiche. Tu vas juste tuer son, son béchelin là, et puis, et puis derrière on va se prendre la foudre. Hein. Ouais. Or oh, là, s'il convoque un bordel, on est bien. Il peut convoquer l'enchantement qui euh, double tous les dégâts, triple les dégâts, pardon. Mm. Et il peut convoquer le gros démon, mais ça lui demande quand même du mana noir. Après trois démolitions jubilatoires aussi. Euh... Genre, on n'a pas du tout un bord large, et euh, en 3 cartes sur 11, on prend 9 bêtes. Donc. Euh... Ouais ouais, c'est pas, pas facile quoi. Ouais voilà, c'est ça. Bah ouais. Après il a la sortie de il a la sortie de sa vie donc euh, tu peux en bloquer un, hein. Ouais ouais. Euh, lequel C'est une droite je crois. Allez hop, passons à la prochaine ou à un autre deck. Hop. faut affronter un deck super midrange pour, euh, pour ce, deck, euh, ce deck ramp. Mais je pense que c'est pas très bien dans tous les cas. Deck. Non, je pense que MOM a des bonnes cartes. en hein, bestemps pour un euh, ouais, au format. Le seul truc, c'est qu'en fait, on prend. Bah, ça fait un peu genre complotisme. Mais on prend vraiment des matchups par rapport à nos decks qui sont vraiment très difficiles. quoi. Genre là, euh, on fait une bête par tour pour essayer du tour 3. Et tour 2, il y avait 4 bêtes en face. Donc euh, juste le deck, euh, on, peut, on peut rien faire, c'est genre un matchup euh, ingagnable. Et comme il n'y a pas de side, bah, on peut pas faire euh, rentrer des bras ou quoi, c'est juste... Euh, juste en, en blues, fait. Quoi. En, en stream d'AP, on joue que des decks qui sont très proactifs avec des synergies déterminées. Du coup, comme on n'a pas de quoi sider et de quoi euh, euh, s'adapter à ce que fait l'Oppo, mmh. il y a la théorie du match-up qui, euh, qui joue très très fort en BO1. Et si dans euh, le deck proactif qu'on attaque contre un deck proactif qui naturellement nous bat, T'as pas euh, comme dans un BO3 euh, des win rates à 40-60, tu te retrouves avec des trucs à 80-20 quoi. Ouais. Pension win White euh... Non, je pensais hors je pensais ah. of direction moi. Euh, ok, ça te va. Alors, 4 coeurs rampants. Et donc forcément, voilà, les match ups se ressentent beaucoup plus et les win rates sont beaucoup plus euh, euh, larges, ça entre guillemets, large. euh, quand t'es en BO1, surtout quand tu fais des trucs proactifs non, non interactifs. 4 euh, Skrel. 3 hélas euh, il corps. Les... Ah si, il est saint aussi Ouais, ouais. Et de Screlve. 4 et 4 Screlve. Ok. 3 hélas il corps. C'est hélas plus loin. Ouais. Merde. C'est pas le bon. 4, 4 bouchères 4, greffées. 3. Bouchères... Fait... 3 geeks. Oh, ça, je connais, c'est les mecs qui aiment bien les jeux vidéo, ça. Les geeks. 4 c'est eux-mêmes nous en sommes nous, sommes, oh, nous en suis, sommes tous. je suis juste un geeks 4 senseurs phyrexian oh, le mec il sense quoi censeur euh, comme ça censeur non c-e-n-s-e-u-r ah. ça fait quoi ça 4 choses oh, ah oui c'est le, le truc qui est le sure. truc apocalypse un nouvel aussi ou pas 3 de quoi La non, nouvelle non. aussi Dommage. Non, non, on est un deck ah, vraiment gros, trop haut de curve. Non, non, non. Oh, c est, c est de ah, C'est la script d'appel. Ah, non, non. Ah D'accord. Ah, bam. Ensuite. Attention. Trois exterminés, trois droits à la gorge. Exterminés. Non, non, je te vois là. Je sais que tu vas la rajouter en soum-soum. 3, -soum. ok. Trois droits à la gorge. Et une... c'est une gueule de vrai deck. Après, est-ce que ouais, c'est que Soldat C'est un peu ce que je disais. Euh... Non. Non, PL arrête c'est trop cher c'est une carte de midrange pas une carte d'agro là on a un deck agro d'accord allez mec franchement si on avait beaucoup gagné ce soir on aurait le droit de s'amuser mais mais juste une en vrai mais c'est nul dans notre deck ça sert à rien mais et... oui as un deck agro un deck agro batterure merde ça ça va un pas suite. être son ça ça va pas être son son jour quatre euh, cavernes de Koilos, quatre sanctuaires fracassés, quatre la drupe la drupe. la drupe. Deux aigles en joie, attaque et après bon, quatre, un plaines T -t -ma. quatre plaines. 4 plaines. C'est ça, 5 marées. Et on est bon. Je l'appelle euh, pas mal ton boarf. Si vous avez la l'arrêt, vous êtes très fort. En tout cas, c'est une bonne gueule. T'as une bonne curve. T'as un, un, bon, euh, un bon split de tour 1 et de tour 2. Les bonnes interactions du format. La meilleure carte du format en drop 4 qui est Sholdred. Et à côté de ça, t'as un espèce de deck tribal. Euh. Je mets des trucs même random. Pas la, voilà. Même pas la nouvelle Elche Nord. Mais je suis persuadé que la nouvelle L'Eschnord, elle est moins bien que Sholdred. Je suis désolé. Hein. Moi, je fabrique tout. Je vous laisse euh, profiter de cette belle image de deck. Et je vais chercher de l'eau. À toutes. Ouais, pas toute. C'est ça le problème de la nouvelle Ashland, c'est que dans cette stratégie-là, autant dans Winnie White, on va la jouer parce qu'on n'a pas Sholdred, mais autant là, elle prendra jamais la place de Sholdred. Donc elle rentrera dans Winnie White si jamais vous voulez tester, mais elle, elle rentrera pas dans Ors of Direction je pense pas. En vrai, tu peux mettre 3 Sholdred et une Elish. Bah... Oui, si on estime qu'il y a peut-être une potentialité de débat, mais en vrai. Si t'as pas mal de bêtes, c'est mieux que Sholdred. Je crois pas. Bah, J'ai du, du mal à le croire, en tout cas. Vu <coughs> qu'il y a pas mal de légendaires, la place, c'est pas à envisager. C'est-à-dire de ne pas avoir 4 Sholdred, mais en vrai, euh, quand t'as une Sholdred qui est bloquée en main, parce que t'as une Sholdred sur le board, c'est que t'es en train de gagner la partie, non Shouldred sur côté. J'aimerais bien, mais c'est pas trop le cas. Ouais, mais si vous voulez, vous savez quoi On va demander appel on va, on va split, on va enlever une shouldred pour mettre une Sland, ça me va. <coughs> Je pense que tu vas être surpris, nous Noubest. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de cartes de MOM qui ont encore un vrai potentiel. Et pourtant, j'étais le premier à pas être tellement hypé lors des, des spoilers et des reveals. Et, et plus j'ai avancé un peu vers les cartes, et plus tu sens qu'il y a des cartes qui demandent à être craquées. Euh, le genre de choses qu'on a essayé ce soir, mais qui demande d'avoir un Bo3, un fine tuning, un fine tuning pardon, une decklist bien plus euh, bien plus carrée à côté. Mais euh, je ne pas euh, je serais pas étonné par exemple que March of Machine ait plus d'impact que tout ces qui je le rappelle euh, a pas réanimé d'Atraxa pendant quelques semaines, ce qui a euh, globalement un peu disparu et euh, et apporté Célestia toxiques a pas eu un impact de zinzin non plus, tu vois. J'avoue, faut place des héros dans ce deck. Pourquoi tu veux place des héros pour Skrel Velas, Geeks et Sholdred Ouais, ça se fait. On pourrait peut-être avoir deux plazas à la place d'une du, plaine et d'un de, et marais. Defector, ça a bien. Ah, euh, Skrel, tu veux dire Ouais. Ok. Et je suis là. 10%, du carte du set, 10 euh, des cartes du set, il n'y a aucune extension de standard qui est. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'extensions de standard qui jouent 30 cartes de, so de leur set en, en, en format construit, sauf quand c'est des sets rotatifs. Donc là, ouais. tu en, en demandes beaucoup. Tu peux split, euh, s'il te plaît, et mettre une Norn à la place d'une Sholdred pour le chat. Et on va aussi mettre deux Plaza à la place d'une Plaine et d'un du Marais. Hop, une Norn à la place d'une Sholdred et Plaza. Ouais, deux plazas à la place d'une plaine et d'un marais. C'est écrit comment plaza euh, Comme ça, normalement. C'est place, ah, place, place, des... place des héros. Place des héros, je crois. Euh, non, je ne sais pas comment ça je s'écrit. Sais... Je sais no joke. Euh... Vous le savez, le chat ou pas Esplanade. Esplanade, voilà, c'est ça. De à la place de quoi D'une plaine et d'un marais. J'ai Et pour la shield Red, c'est à la place de quoi euh, de rien, malheureusement. J'ai tenté, j'ai tenté le chat. Pas mal ton boarf. Personne n'y arrive du coup Moi je l'ai pas. C'est ultra obscur. Hein. Ah ouais Genre, il euh, y a quelqu'un qui peut l'avoir sur ce chat de 500 personnes Mais j'ai dit genre, des euh... trucs euh, cryptiques que les gens ont eu, donc vous euh, pouvez. Ah ouais, mais si c'est cryptique personnel, non, c'est une ref. Non de, non, un, vous un pouvez. Un... Euh, c'est pop culture, c'est okay. hyper connu. Enfin, l'œuvre du qui tiré, c'est hyper connu. Mais euh, ce truc-là, c'est bien ça. La drupe. Je fais scrève tour. Le drupe toi, cœur en rampant. Ouais. Tu... Alors attends, est-ce que ça te permet de tout caster Ouais, c'est bon. Du coup, drupe. tu peux scrève tourin. Hein, ouais. euh, scrève. Un drupe. Sur, Sur Google, ça sort fort, Boyard. C'est dans Fort Boyard C'est pas dans Fort Boyard, non Bah dis-nous, hein. je pense que là c'est trop cryptique. C'est euh, dans... Euh... Alors ça vient peut-être d'autres choses aussi, mais euh, moi je l'ai lu dans euh... One Piece. Attends, je peux ouais, j'ai lu, lu One Piece aussi, donc... Euh, là, ça me parle pas. Euh... Oh, je, je cogne. Je crois, je crois pas que tu hein Tu veux protéger ton, ton lord, non Je suis aggro là. Ouais, je ouais, pff... ouais, crois pas. Je me suis emballé. Ça va, ça va, va. t'as pas été puni. Mmh... T'as ouais, juste avec la bouchère. T'as est double cœur en pan. Dans One Piece, c'est à quel moment, ça euh, un moment, euh, il veut il veut sauter du bateau euh, Sanji, je crois. Ou euh... Ah non, c'est Zoro. Et, euh, et il trébuche, parce qu'il y a un truc qui le fait trébucher euh, spécial. Il faut rester droit à la gorge up, je pense. Ah, tu crois Ouais. Ouais bah comme ça tu pètes tu pètes son tour, tu invalides son tour et derrière tu bois. Ok, bon comme il jouait corps en pan, je me suis dit que je pouvais le faire à mon tour. Bon du coup Zoro il tombe et il fait boarf, c'est l'onomatopée. Quand il se pète la gueule et Sanji lui dit pas mal ton boarf. Voilà. Putain je l'ai pas du tout. Ah c'est une vanne genre dans un tome, dans, dans, tome 32 genre. Ouais, ouais mais comme j'ai joué jusqu'à Marineford. Euh... Oh tu peux jouer exterminé d'ailleurs. Ah oh, je... oh, merde putain. Mec, je suis sur One Piece. Là, je la, la, fais n'importe quoi. Plus, t es, t es plus. Non, non, mais j'étais concentré sur ma ref. Sur la oui, c'est en français, ouais. Ah, si vous regardez l'anime en japonais, il euh, n'y a pas du tout ça. Si vous lisez le manga en français, il y a ça. Il est, il est dans le manga, ouais. Après, peut-être qu'ils l'ont pas animé aussi et que c'est juste dans le dans le manga. Aussi, ouais. Ah, putain, on peut plus la tuer maintenant. Eh merde, je fais du cac. Ah, je. Oh, merde. Ok, bon ça va. Euh... Là, faut que tu donnes un blocable pour continuer à pêcher des dégâts. Ouais. Euh, blanc, oui. Là. Blanc. Hop. Ok. Ouais, ouais, on va payer avec Paye l'air. Zou. Et là, je gagne. Ah non, Dracange, vous ne me comptez pas ça comme... Euh... Comme une lèche qui fonctionne. Mais pourquoi ah, ils joue des lèches normes okay. avec des. Avec des comment ça s'appelle Avec des, des mentors, je comprends pas là. J'ai l'impression qu'on met mentor un peu à toutes les sauces là. Ouais. Bon on va payer, hein, pas de galère. Ouais non, je suis euh... Je n'étais pas concentré, désolé, j'ai fait de la merde là. Bon après celle-là on la passé pas non plus. Bah problème encore une fois. Hein. Ouais. Parce que Elesh à 4 une insane sur board horizontal. Je trouve que vous la surcotez beaucoup, mais. Mais on verra. Moi, hein. ouais, je trouve que c'est vraiment pas mal, euh, Elesh mais que ça dépend de, des games, quoi. C'est un haut de curve de deck aggro, j'ai du mal à l'avoir ailleurs. Ok. Comment je fais, là Ouais, tu perds. Hein. Tu... Juste, tu peux pas passer à la prochaine. Si je fais ça, c'est pas mal. Je peux druper ça maintenant. Eh oui, mais il a si... Euh... Attends, il a pourquoi si bizarre, il y en a 6 bah Parce qu'il a doublé son effet avec les Créer deux jetons. C'est un ETB. C'est à quoi le X Comment ça lui Tu crées pas X jetons Mais il a créé, il a, il a payé 3 et s'est doublé avec euh, L. Mais Mais pourquoi il a écrit créer 2 jetons Pourquoi il en a 6 du coup Attends, je comprends pas. Il, il, il a, a écrit créer 2 jetons. Ah non, mais c'est euh, un problème de, de traduction, c'est X. Ah, ah oui, c'est ça Ok, ouais. Bah on, on, ouais, ouais, on l'a joué le tour d'avant. C'est pour ça que je, le je comprenais pas ce qui se passait, je me disais, mais... Euh... Ah oui, non putain, et gros, que tu gros, tu m'as fait un, un brain fart, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui lui arrive Eh oui, bah ben non, c'est parce qu'il y a écrit 2 et tu me dis, bah ouais, 2 fois 2, ça fait 6. Et j'étais, mais qu'est-ce qui se passe Non, non, je parlais pas de 2. Non, ça, c'est ah, une ouais. erreur de trad euh, sur la version euh, sur la version FR. Bon, on y va, là. Hein. Allez. Oui, tu peux partir. Mmh. Et je me disais, mais attends, il l'a casté il euh, y a quelques games avant, là, qu'est-ce qui. Qu non, qu non, qui non, non, je, je suis, crois, euh... je crois je suis que tout tu comprenais à fait pas là. Que les schnornes euh, avaient doublé le truc. Allez, on est parti. Je suis tout à fait là. En fait, c'est même pas une erreur de trade, c'est une erreur de... Parce que, c'est pas on a mal traduit, c'est que genre ça n'a rien à voir. Ah Au non, lieu de mettre une... X, ils ont écrit deux fois. Ouais, ouais, c'est une erreur, la, la carte est mal, euh, est mal imprimée. Euh... Bon, c'est très bien ça. Bon, ouais, c'est exactement ce que veut faire le deck. Et t'es pas perdu, c'est game si Ah oh, si si. Oh, si, si. Si, si il y avait euh... les talons de pour l'adversaire, on pouvait rien faire. C'était bien perdu. Oui, c'était très très bien perdu. Alors la drupe en anglais, pans. en anglais, elle est bien, elle est bien. Ouais, uh, Romagic, Il n'y a qu'en français qu'il y a, qu qui a l'erreur de traduction. Ah ouais. Ah, comme souvent, c'est euh, au moment de la trad où il y a les erreurs qui se glissent. Ok, est bon ce que down. Euh, zo. Ouais, Et, Et petit marqueur. Vrai, est-ce que ceux 2-3 il était si problématique mais On passait pas. On lui laissait faire de la value. Non, mais on pouvait développer peut-être Essence euh, Bon Je sais pas si c'était bien, mais. Euh... Bon, Quoique là, t'es fonctionnel aussi. Tu ouais. peux voir ton maintenant. Comment tu peux te tromper entre X et 2 bah, Après, ça arrive une fois tous les 107 ans. Donc ça, ça leur arrive de se tromper. Hein, pas si oui, un... c'est pas grave. Euh, t'as Iganjo, t'as le droit de bourrer. Hein. Ah J'ai pas de légendaire, donc mais si euh... je fais ça, je peux pas Iganjo. En vrai, il va pas la, la buffer en, en éphémère, là, je peux jouer ça et attaquer. Non Ouais, tu peux, ouais. ouais. Je vois pas comment il a buffé en éphémère non plus. Ah bah ben non, mais ça donne menace ah si. quand ça arrive en jeu. C'est bon. Ça donne menace à tout ton board Firection oh, 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 ouais. C'est vachement fort, hein. Mmh. Ça, c'est vachement fort quand C'est que en ETB. Ouais, mais c'est juste le fait que ça fasse ça, c'est un peu Arbin dans Soldat, quoi. Salut, c'est moi, monsieur Arbin. <laughs> On dirait Sam oh. qui a dit monsieur Frodon. C'est dans... Ok, Morty. Alors, Alors, attends, ça, ça n'y va pas. Euh... Ça a la menace ou pas Parce que là, tu pourrais euh, engager... Et tu pouvais en... engager Screlve post-combat pour en faire passer un. Hein. Ah, mais je peux toujours, là. Je fais passer lequel en fait, je me suis dit, je vais peut-être attaquer avec tout là. Comment tu peux toujours Ah oui, avant les blocs, post-combat. Euh, euh, non, pré-combat, euh, pré euh, pré pardon, excuse-moi. fait ça... passer seulement le cœur en pan, ouais. Euh, même celui-là, en fait. Lui, il peut bloquer pour faire un repop. Ok. Non, moi, je peux faire ça. Voilà, et, et là, tu... Euh... Tu donnes trop Vert. Merde. Il joue pas les hein, je veux garder pour tuer. Bon ouais non, t'as raison, Au final, ça, on peut payer de PV. PA. Ok. Ouais. Pas grand chose en face, en plus on a tué deux bêtes, c'était un peu dur. Ouais ouais, c'est pas passé grand chose. Mais c'est un peu ça, euh, sur les streams d'AP, tu te rends compte que si tu joues des interactions, euh, les, les gens sont pas parés à ça en fait. Les, les, ah, quand que... tu testes les nouvelles cartes, tu te pars pas face aux interactions. Hmm. Et du coup, tu même pas besoin d'avoir un bon deck, tu peux juste jouer un deck interactif et... Et, et ça te donne un peu des free wins. Je sais pas si on pourrait avoir une espèce de gentleman agreement de ne pas interagir. Mais du coup, ça limiterait certains types de decks. Tu ne pourrais pas tester les nouveaux staples dans les decks mid-range. Bah après, euh, en fait, si tu donnes des non. règles, il y a des gens qui peuvent justement jouer avec ces règles et faire des decks qui battent tout, entre guillemets, mais bon. Ouais. Parce que, bah, en fait, j'ai l'impression... Bon, je, je, peut-être que je me trompe, hein, mais... Que certains, euh, certaines personnes font des decks un peu pour gagner plus que pour euh, tester en stream d'AP et je trouve ça un ouais, peu dommage. Quoi, alors je parle pas de faire des decks pour perdre, hein, mais juste euh, comme tout le monde quasiment joue des créatures, ouais, fais, si on joue UI Control, perdre, euh, si on fait que UI Control avec des vras, on va gagner quasi toutes nos games, puisqu'en fait on ouais, va ouais. vras tout le temps les bords des oppos, ils jouent quasi que des créatures, ouais, et, bien sûr. mais justement, et voilà. je, je trouvais qu'il y, 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 y avait pas que, ouais. énormément de ça en stream d'AP, mais. Encore heureux, mais c'est bah, vrai que à, 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 ce, à cette édition, je trouve que c'est un peu particulier. Je garde ou pas Moi, je crois que tu peux la garder. Ouais, faut trouver des landes, trois landes noires. Ouais. Vous avez déjà joué les batailles Ouais, bah notamment la euh, meilleure bataille qui est euh, notre ami euh, l'invasion de de la nouvelle ouais. Galaxia et euh, très très cool. Ouais, cool. on a joué pas mal de contre des gens qui ont joué aussi. Bah pour l'instant le feeling c'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire euh, quand la phase A ça, est ouais. bien c'est bien mais en vrai la phase 1 est pas très bien quoi Genre les retourner c'est compliqué. Ouais. compliqué Alors tu peux décider de tuer ta, ton cœur rampant pour euh, trigger geeks dès le tour d'après Je crois que je vais faire ça hein. Ça me paraît pas déconnant J'ai bien envie de piocher là avec ce bon guy j'ai bien envie que tu pioches aussi avec ce bon Geeks. C'est oui, oui. Ah, pas mal ça, hein, franchement. Oh, c'est pas ouais, mal ouais. si ça. Ah, la, la, la curve Geeks dans Sholdred a fait plaisir. Phase d'attaque. Et franchement, il a une gueule de vrai de deck en fait, ce deck ce direction. Bah ouais, ouais, c'est low curve, les bonnes couleurs pour avoir des interactions. Euh, un Lord qui de te permet d'avoir euh, mm. une capa d'évasion avec la menace quand il arrive en jeu. Un ouais. peu de value. Je trouve que c'est peut-être un peu moins gros que Soldat, mais euh, t'as un plan de jeu aussi toxique. T'as plus d'interaction euh, aussi. T'as plus d'interaction euh... et t'as plus de ressources sur le late game. C'est pas du tout inintéressant comme paquet en tout cas. Ouais, ouais. Je te propose juste de bourrer là et on voit ce qui ouais, se passe. Déjà j'attaque. Déjà déjà. Merci de 47 pour le sub. Merci beaucoup. Ouais, puis c'est un deck tribal où t'as le droit de jouer Sholdred en plus. C'est un peu c'est mignon quoi. Ouais, qui okay, est buffé quoi. Bon, c'est pas le but de la buffer c'est juste qu'elle soit là. Mais je jouerai juste et et droit à la gorge passe. Ah quoi screille. que non, attends, lui il va nous faire. Euh... En vrai, je peux jouer ça et créel aussi. Et jouer des vras, tu penses Si je joue des bras, on fait que... juste ça et passe. J'imagine que ouais. Allez. Pour continuer à mettre la préférence. Enfin, pour l'instant ce qu'il nous a montré c'est ossification et invitation au mariage c'est clairement des jeux qui peuvent jouer genre adieu ou des populates quoi. Oui. Clairement, clairement. Il peut jouer impératrice, ouais c'est vrai. Hop. il faut que tu le. faut que tu le valides de passer Pardon. aux attaquants. Je lisais un SMS, excusez-moi. Ok, alors ça, je pense que c'est plus un haut de curve de, de, de jeu agressif qu'un. qu'un de deck midrange, mais. Euh, Est-ce que tu veux droit pas. à la gorge de 2-2 ouais. Maybe, hein. Je le veux. Franchement, on l'ignore, la Hellspat, ou c'est dangereux de l'ignorer Il faut peut-être aller taper dedans quand même, hein. Bah le moins 6 c'est pas incroyable mais euh, en fait si on l'ignore elle va faire des chum blockers euh, ouais ouais faut que ailles taper dedans de, de life donc euh... et du coup j'imagine qu'il a pas de brass au vu de la structure de son deck s'il joue des elspeth avec des tokens euh, ça a pas de sens de jouer des brasses maintenant euh... enfin, a... du fait qu'il a elspeth il a forcément un plan de jeu qui est plus proactif que euh, mono blanc contrôle oh bon, ça me il va ça ça débloque mon Geeks. J'ai envie de se là aussi. pour pouvoir être imbloquable. Se et Geeks, je pense que tu rejoues tout. Je crois que je joue ça et Geeks, ton prochain, pour le. Ouais, okay. ça attaque pareil et il tourne pas autour. Ils moins autour. Okay, ok. Là, en fait, il pourra ne jouer qu'un seul spell. Ça a et en, en plus, plus fort de... Un de lancer qu'un seul spell par tour aussi. Ouais. Mais what C'est vraiment mais fort, en vrai, ça. attends, mais c'est vraiment pété ça. Quoi oh ouais, ton oppo il joue qu'un spell après un spell non firection. Il y a quand même des firections qui se baladent dans les decks, même pas celui-là, tu vois. Donc, euh... c'est pas Mais ça, euh... fait pas tout le temps son effet, disons. Là, il a perdu, hein. tous ses bloqueurs ils sont arrivés tapés. Euh... Euh... Tu fais passer, tu fais passer sur le dread et tata et euh... t'es pas loin d'être bon, quoi. Pas, pas loin d'avoir ce qu'il faut, non? J'avais l'étal si on avait mis trois marqueurs poison. Shouldred. En tout cas, là tu donnes pro blanc. non à ta 4, 5, 6, 7. on le tue pas. Ah, on donc, le tue donc tu peux aller gérer le spet Ouais, Tu peux, tu ça peux ça, gérer le spet avec sholred dans ce cas-là. Et t'auras la. Auras... Ah non, putain, tu peux pas drupe parce qu'il a pas les trois marqueurs. Non. Non, mais juste sholred alors. Je tue L'spet, hein. Ouais. Ah, putain, mais ça fait chier de fou parce que maintenant il a pas Rangon qui tourne. Euh, ouais, après, parangon, il a rien au cimetière. Ouais. Oh oui, non, bien sûr. Mais bon, il, a, il a un gros 5-6 fly. Euh... C'est vigilance là Non, ça vigile pas. Tu tues avec Sheldred Si j'attaque Hall on lui mettait 5, il était à 2. On tuait pas avec Sheldred On n'avait pas l'étal, ouais. Non, on n'avait pas l'étal. Ah, Life c'est bien ça Il perd 2 PV à la pioche. Ouais, mais du coup, il reste à 2 en perdant en perdant 2 PV à la pioche. Euh, c'est un problème là, ce qu'il nous propose le type hein par contre tu peux lander et faire geeks non Oui mais il faut que j'ai fausse. Ah oui, d'accord. Bon, tu peux quand même lander cela. Moi, ouais, je vais lander je pense. Je vais problèmes chez Old Red. Ouais et bourré. Ou problème à... à ça. Je vais piocher, Pourquoi je mettrai le troisième, comme ça ça débloque la drupe et le lifeling sur mes bêtes. Ok. Ah ben non mais elle sera... Elle aura toxique. Hein, ah oui, ça, ça marche sûr. aussi avec Shouldred bien sûr. Euh, Scroll, ça lui donne aussi la capacité de... Blanc. De faire ça. On prend 4. On, un on trouver une interaction maintenant. On gagne PEV. Toujours pas. Euh, bah, je vais le lander juste pour pouvoir activer Geek, son prochain. C'est ça. Le problème, c'est que Séraphin, ça lui permet de faire la course et il l'a fait bien la course là. Ouais. Après, nous, on fait drain de vie euh, 4. Avec Screll et, et Sunscribb maintenant Ah Mirgade 5, ouais. Temps de vie 4, plus 7 de points de vie. On va prendre, hein, pas de galère. Ouais. Si tu peux payer avec ah, des PV oui. le Screlv. Euh... Zydra. Ah oh, putain. Ouais, voilà, perdu, Ouais. On a perdu! Yes. Enfin, on a perdu. Tu peux trouver interaction, vous repartez un peu de zéro. Interaction, il a toujours euh, vagabonde, quoi. Ouais. Putain, c'est un peu moche, quoi. C est, c est... Les mecs, ils jouent des jeux agressifs basse créature avec des. Non, tu, tu, tu vagabondes, là, de toute façon. Ouais, ouais. Ouais, mais je pensais qu'il allait garder un truc d'étape, en fait, mais non. Ok, bah vas-y, écoute, on va continuer à jouer dans ce cas-là. Ok. Je mets un Lord Ouais, mais du coup, il joue des jeux créatures avec des vras. Putain, je m'attends jamais à ça, moi, ça me paraît tellement bizarre. Ouais, après, euh, Vagabond, ouais, c'est. C'est la vras, on va dire, euh, qui n'en est pas forcément une, donc. Ça lui prend pas ouais, un slot pour une vras, quoi. Non, mais c'est parce que t'as envie de jouer dans ton deck haut de curve créature, dans tous les gars Ouais. Et attends, il joue quoi on... Ah, il joue quoi C'est mono je juste avec l Spet. Ouais. Bah là, on a perdu. C'est bizarre de compte. jouer Elspet et, et, et Vagabonde dans le même deck, c'est ça qui m'étonne. Ouais. Ok, dommage, on était pas loin, on faisait des trucs vraiment pas mal jusqu'à ce que. Ouais, là, on lui a mis bien l'impression, mais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, quoi. Vras et euh, Drain de vie 5 partout ouais, aussi. No, no, notre deck prend Vras, mais l'avantage de ce deck là, c'est que si jamais on veut le tuner pour du compétitif en BO3, on aura des mmh. contraintes. L'avantage, ouais, ouais. c'est qu'on a quand même 6 slots qui sont des flex spots où on a mis nous 3 euh, exterminés et 3 euh, Go Force the Throat. Mmh. Je veux dire, tu peux avoir, euh, tu peux avoir des duresses et tout, donc ça, ça a une gueule de vrai vrai deck en vrai. Le hein. tour d'avant, il aurait dû payer avec les PV et il aurait pu d'activer qui X après avoir pioché. Euh, ouais, mais je l'aurais activé qu'à 1, non Bon on aurait on pu le trouver une dinguerie, mais... on l'aurait activé ouais ça aurait pu nous sauver c'est vrai, on n'a pas pensé. Bon très bien. Ouais. Ça me fait bugger toujours les, les landes là en mode est-ce que je peux caster mes trucs euh... On gagne on a toujours ça, le dos. On peut... on peut rajouter du bleu pour avoir des contresorts dans ce deck là. Mmh. C'est peut-être pas le plan cela dit hein. Ouais, ça peut-être être un pas, peu chaud. Pas persuadé que ça soit très pertinent, mais... Et la silicone. Le fait que le heal soit en italique et c'est tout, ça me... Oh Bonsoir. C'est quoi ça Ah putain c'est euh, Mira. Je l'avais pas reconnu. Je peux bah, boucher bourré, les... mais je crois que c'est bien de tuer ça. Non vas-y bah, pète-lui la gueule. Pète-lui oh, la gueule Pète la gueule. Regarde comme elle est bien tu pétée cette gueule. Tu lui pètes au ah. nez Allez tabzi. Tabzi tab au fond. Direction Guy. On joue mirror, on joue mirror. Tant mieux, tant mieux. Droit à la guy. Droit à la guy. In to rampant. Est-ce que t'as une carte que tu veux spécifiquement protéger ou tu valorises mmh, bro, le point de dégâts avec Scrabble là Je crois que le point de dégâts, même le point de poison, est bien là. Ouais ouais. Il est déjà à 4. D'accord. Bah, genre. Hélas, c'est pas forcément une carte que tu veux protéger. Alors que la bouchère, pour le coup, on voudra la protéger, elle. Ouais, ah ouais. Le tour d'après. On joue à Mirror Match. Lui, c'est vrai que court retirer, c'est pas déconnant non plus. Hein. Ah, lui, il joue la version QB Je trouve pas ça très bien, les versions incubées. Mmh. Qu'est-ce qui est stylé, euh... cet Inquisiteur, par contre Ouais, il une a vraie, une vraie bonne gueule. Oh, vrai dégaine Bah, écoute, bouchère, hein, let's go. Oui. Il peut payer 2 pour avoir un 2-2, c'est ça okay. Euh Ouais. <laughs> J'ai pas envie. Il pouvait double bloquer, mais bon. Ah, parce que t'as deux types de versions hors of Phyrexian euh, t'as les hors -of incubation et ce hors -of là qui a pas besoin du coup d'utiliser du mana. Je trouve qu'incubation ça ressemble un peu à une mécanique de limiter quelque part. Bah en fait, et, faut, je trouve qu'il faut, nous, faut des, on en a pas besoin quoi. Des cartes d'incubation puissantes euh, ouais. ou alors tu ouais. sens limité C'est ça. Juste euh, un drop 2 qui fait ça. À mon avis, c'est un peu faible, mais ok. La ah, merde. Ah si la drop, ça casse. Ouh, j'ai peur. Ah, pas, on a pas de drop 1. Hein, euh... oh, elle se garde, mais elle est, elle, est, elle est discutable cette main. Ouais. Je pense que tu vas essayer un tour 2 et, et ça peut gagner la partie tout seul. Oh, ouais. Je un en premier. Ça bon. fait pas grand-chose à la En fait, elle est firexion euh, mmh. et elle fait des, des effets sympas la C'est pour ça qu'on la joue. Oui c'est ça, hein, clairement. est ce qu'un quelqu'un demandé dans le chat. Hop. J'appuie. Je, je, J'appuie ta réponse. Avec Glissa, ça peut le faire. Ouais voilà, mais ça, c'est une carte puissante d'incubation, Glissa. Bah mais ah. du coup, c'est une stratégie qui est plus, plus mid-range. Ah, je sais ce qu'il joue, lui, je connais bien. Allez, on cache pas des petits terrains. Non. Oh, tu peux bazarder ton... Oui, tu peux bazarder n'importe lequel, tu bon, peux, bazarder peux bazarder les deux bien. en fait. J'en mets un et ou je mets hein. double. Je préférerais hélas, mais. Là, on ah, peut tu peux avoir préfères prendre le plan de jeu toxique. Hein. Ouais. Vas-y, vas-y, ok. Vu que t'as la drupe, t'as un plan de jeu toxique qui se tient. Tu vois, si je fais ça et que là, il me fait juste une bête, hop, je la tue, je bourre. Ouais. Drupe active, drupe online. Ça fait quoi ça? Oh, au cyclage de plaine, il va chercher une plaine. Ouais, mais c'est oh. quoi l'effet le, euh, préalable ah, de la carte? 3-4 pour 6. Quand il y a un jeu, il crée. Oh, c'est cher. Hein. Ouais, c'est pas très bien. Bon, lui, il veut jouer Norn Mais j'ai l'impression qu'on joue contre des decks d'extension d'avant. Ah, bah là, lui, oui, clairement, il joue, euh, joue euh, MonoWide Control. Mais là, t'es bien. Hein ouais, ça, on a de trouvé de land, on est cool. On est cool on est cool. T'as ton droit à la gorge, ta petite shouldred, euh, tout va bien se passer. J'ai accessoirement droit 2. Tout va bien se passer. Vas-y poste ta euh, à shoulder. Aid, pardon, pardon, On va te montrer qui c'est la reine ici. Parce que pour moi la vraie reine c'est showred. La vraie reine c'est droit à la gorge. Aussi. Ouais. Bon, les brisements, par contre on les droit à la gorge pas. Mec, on les montre Ouais, après on s'en fout euh, non, de ces bris. Non, c'est mieux Brise hein. Mais euh, c'est mieux, pardon, Sholdred contre Brise pardon, excuse-moi. Ouais. Je, euh, je suis perdu, je commence à fatiguer. Mais euh, disons que d'avoir des Brise contre nous qui avons un deck euh, plutôt agressif, c'est pas, pas excellent pour lui. Et c'est qu'un Bah, il marche bien ce deck, il bourre bien. Ouais, il marche bien. On fait un truc vraiment très basique, hein. mettre des créatures attaquées, mais. Ouais, mais toutes les le... créatures sont puissantes et on joue des interactions, donc mm. ça change pas mal. Et malheureusement, on n'a pas réaffronté. C'est fou quand on a des decks qui sont prêts à ça, on n'affronte pas les decks monoraid ou les decks boros mentor. Ouais, je trouve qu'il y a. Et dès qu'on un... janquait un peu, on tombait dessus, c'était un peu relou. Il y a un délire euh... assez satisfaisant avec le, le toxique en fait. C'est pas le plan du deck, mais tu l'as, tu vois, tu l'as quand même. Bah, en fait, ça permet à ta drupe de rentrer beaucoup de dégâts. Donc en fait, tu veux pas mm. toxique pour tuer toxique. Tu veux toxique pour que la drupe soit un land fumé. Ouais. Et ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Parce qu'en vrai, on a juste 4 rampants. Skrelf qui peut donner toxique, mais c'est un peu chaud. Et les tokens des Saint Mais ça. Donc c'est juste, genre, on, on grappille un petit peu, quoi. Ça, c'est vraiment bien comme deck. Très, cool, très, ouais. très agréablement surpris de, de cette liste-là. Euh, un dernier petit deck je veux tester un dernier truc. C'était un Alors, truc un peu rapido. Qu'est-ce que j'ai je, je vous dis ça. Je vous dis ça, je vous dis ça. On peut finir en, en détectivant Boros Mentor si jamais on veut le tester. Ouais, on avait quoi d'autre sinon Sinon, on a Azorus Flash, mais je t'avoue que c'est hors de question au vu de, ah ouais, de la vélocité du format. Il euh, y a Azorus Midrange, mais c'est pas extrêmement nouveau. C'est un, un mono blanc qui joue la nouvelle. Euh, la nouvelle euh... Bataille, évidemment. Ouais. Il euh, y a oh, là, Winnie White. Ah, Winnie White, ouais. tiens, pour bourrer. Je suis curieux de voir ce que Winnie ça White. fait la, la bête convoque là en plus. Allez, bah c'est parti. Alors, 4 adeptes optimistes. Hop. 4 recruteuses militaires. Hop. 4 scrèves. 4 adversaires intrépides. Alors il y a plusieurs euh, versions que j'ai vu passer. Moi j'ai fait ma version qui joue beaucoup sur la prise de board, on veut des bords larges, large. Donc je joue aussi 4 et 5 de Skrelv même si c'est pas forcément une excellente carte de Winnie White hein, évidemment. 4 Talia Gardienne 3 Abzan la, la Abzan elle-même. Ouais, elle, elle j'aimerais bien voir un deck qui la fasse fonctionner correctement. Ouais. 4 Qatar Bruto. Mais dire, je crois. Ah, il y a Qatar après le thé Deux L le chat. Yes. C'est pour vous, c'est cadeau. Alors, autant elle n'a pas encore méga brillé, les Schnorn, mais j'ai vu que ça pouvait Quatre créer chevaliers. des situations dégueulasses. Quoi. Quatre chevalières errantes. Bah, je pense qu'en haute curve de deck agro, elle est à sa place. Hein. Ça, pour le coup, je suis persuadé mmh. que c'est une bonne carte dans ce spot-là. Et au niveau des Landes, normalement, il y en a un trop. Ouais, c'est ça. Tu veux deux Eiganjo et 21 Plaine. J'avoue que j'ai pas pensé à. Je crois qu'on veut aussi des landes d'agression. De... Euh, comment ils s'appellent Les fonderies là, tu sais ouais, on peut mettre de fondrières, ouais. Ouais, deux fondrières. Non. J'ai pas pensé quand j'ai buildé le deck. s'appelle euh... Fond... Ce matin. Durza. Ouais, c'est Fond... Urza, mais je sais pas comment ça s'appelle. Fonderie, pas fondrière. Mishra. Ouais, Fonderie de Mishra Fonderie d'Urza Je sais plus. Voilà, c'est ça. Ah putain, j'ai oublié le E. J'ai mis Fonderie place de plaine ok. Ok, toi. Tout... Bah, let's go. Bah, let's go. Hein. le retour. Bah Quinturus, je vous, je vous le ferai sur mes streams, sur mes streams perso euh, pour le coup. Hein. Le ok. Guide, bon. Ouais, en fait quintaurus c'est l'avantage, c'est qu'on peut juste le foot dans un avec euh, You Wait to ça... Just sky Control et il va marcher, il va faire des trucs quoi. P pour tester Quintorius euh, autour de lui, tu peux pas euh, mettre en avant beaucoup de nouvelles synergies quoi. Il faut surtout des interactions, ouais. ce que le format fait déjà très bien. Mais je trouve que oh croquis euh... bon, le dragon on n'a pas pu le... trop le jouer, mais la saga euh, blanc bleu elle fait vraiment ce qu'on ce qu'on attend d'elle quoi. Ouais je pense qu'elle est bien. Bon ouais, écoute Scrap dans Talia dans Chevalière, ça fera ça fera ce qu'on veut. Qu'on veut faire. Hein. Oh! Je crois que tu commences quand même par Screlf pour protéger ouais. ta Talia. Bah, genre, ça peut te faire ça gagner selon ce, fait, euh, selon ce que fait Lopo En fait, ça oblige à gérer Screlf plutôt que Talia. Ah, on connaît ça. Je pense qu'il joue Boros Mentor. Sans trop de surprise. Ouais. Et Talia, c'est pas mal contre lui, hein, je si joue Boros Mentor. C'est le deck que tout le monde teste, mais je sais pas si c'est si bien. Enfin, en AP, ça nous a bien pété la gueule, mais. Je sais pas si, euh, si c'est suffisamment aggro par rapport à un monorail classique, tu vois, qui a gagné le phoenix par exemple. Je suis d'accord, je suis pas certain que ça soit aussi. Euh... En fait, il faut se rendre compte que dans le format, les gens ils jouent 4 cut down main deck et 3 go for the throat. Oh, donc euh... donc euh, ouais. Alors ça, typiquement, l'adversaire fait ça en réponse, vous faites cut down, bon bah poubelle. Bah ouais, non mais c'est clairement. Ça peut ne pas suffire pour le format. On mais peut chevalier. Je, euh... bon, je pense que tu vas headline là. On peut adepte chevalier aussi. Adeline, hein, quand même. Juste Adeline Allez. Adeline t'attaque avec Talia, t'es fier, hein T'es fier comme un coq en pâte, là. Fier comme Artaban. Oh le ce bon vieux Artaban. comme un bartaba. C'est le frère de D'Artagnan ça non Ah ouais Ouais, D'Artagnan, Artaban. Idée. Porto, Saramis Athos, les cinq mousquetaires. T'as pas lu Dumas Non. <laughs> bah ça tombe bien, je mens. Mais ça a... quand t'as dit la suite, j'ai dit non, c'est pas bon. Non, pas possible. Le cinquième mousquetaire, c'est Albert PL. Oh, mec, avec son, son tromblon à spaghetti, <laughs> là, le GOAT. <laughs> le meilleur. <laughs> le, le boss. Non, c'est pas des spaghettis, c'est des bolognaises. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est <laughs> spaghettis bolognaises. Des, des bolognaises. Ça n'a aucun sens. Ils ont fait un dessin animé en mode d'Artagnan. Enfin, ah oui, ça n'a vraiment aucun sens. Je sais que le dessin animé, c'est pas censé avoir un sens, mais genre le truc se tient vraiment. En mode, on peut raconter des trucs de l'histoire à l'époque inventés, mais d'un coup, il a une arme qui <laughs> n'a aucun sens, quoi. Ouais, j'avoue, c'est fou. C'est vraiment juste le, le délire, quoi. Oh, oh c'est délire. Adepte chevalière, let's go. Ouais. Alors, il va me demander vas... normalement. Regarde, je suis Normalement, au il jeu. va te demander. Et tu engages que Talia, la 1-1 et Talia. Voilà. Parce que tu veux pas engager Adeline et tu veux pouvoir garder skrell pour protéger. Ouais. Oh, bah lui, il est bien, lui. Bon, les What Jusqu'à 2 Ah Pfff. oui, non, c'est vraiment pété. Hein. Et là, tu bourras Attends. avec Adeline. Ah non, c'est trop fort, Chevalier. Ah, je crois que c'était une valeur totale. Mais non, non, non. Ah oui. Ah oui ah, mais oui! Ah non, il a l'air vraiment bien. Hein. Il a oh, l'air vraiment adim. bien ce paquet. Ouais. C'est fou quand on prend un deck qui existe déjà, on lui met juste des nouvelles bonnes cartes. Euh, il se passe des trucs. Hein. Alors qu'on a pioché trois taliers et qu'on fait une des. Mais... Alors, alors, un deck existe déjà, oui, mais je peux te dire que ce matin. Mais c'est pas très pour bon. Trouver... Non, non, c'est pas ça. Ah. Ce matin, pour trouver sur internet un deck mono blanc agressif, eh ben, je t'invite à chercher parce que ouais, je pas trouvé. J'aurais fouillé genre euh, au début du standard cette année quoi. J'ai été Ah oui, non non, moi j'ai été dans MTG top 8 sur les deux mmh. derniers mois en standard. Il y a pas. Il y a, il y a, il y a pas de deck Winnie white. Ah ouais ouais, je remonter plus découler. loin ouais. dis putain, il y a pas de deck Winnie white. Et en même temps, quand tu peux splasher bleu pour avoir des soldats et, et péter la gueule et piocher des cartes. Bah oui, oui, bien sûr. Et avoir des comptes. Mais bon là, ben tu vois, t'as une vraie raison de jouer de jouer Winnie white, je trouve. Mmh. Ouais. Bah ouais, parce que le pack soldat, t'as pas trop de place. Non, et puis elle, c'est pas, pas un soldat de toute façon, elle. Si je dis pas de bêtises. Euh... Non, elle est chevalier, non. il me semble. Bah bah c'est mort alors. C'est pas pour elle. <laughs> MTG Ilbili. Oh, 2-0 contre Croquis. Oh, c'est bien ça. Mec, euh, ça nous fait vraiment des, des belles mains. Hein. Karl Kopinski ça fait des belles mains. Ça fait pas des mains de vilain en tout cas. Oh. Oula, c'est quoi ça Fais défausser une carte. Tu peux te défausser d'un land ici. Ok. Ouais. Ah. Bah ouais, et petit ça et hein. Ouais. Ok, lou. Tranquillou Bilou. On fait face à un cote bien énervé. Ah oui, putain, j'avais pas vu. Ouais, sur le coup, je me suis dit oula, il y a trois marées. Cote, il est pas là de suite. Ah bah lui, il est prêt. Oh, je suis déçu. Je suis déçu qu'il soit prêt. Tu vois. Est-ce que je suis ou est-ce qu'on s'en fout Non, mais t'aurais dû jouer à Fonderie de Mishra, je pense. Ah, j'aurais dû jouer. Mais à à prochain tour je pourrais pas attaquer avec de toute façon. Euh c'est pas des. Dé... Ouais non c'est tôt. c'est tôt c'est que ça lui redonne un de TB quoi, c'est ça qui me fait un peu chier. Ouais ah ouais, bah c'est pour protéger Qatar avec Skrill après, mais. Oui tu peux, tu peux faire ça, c'est vrai. Oh MTG le Billy il veut pas s'amuser en AP. Hein. Il veut enlever les cartes dans les mains de les adversaires. Je, bon bah, du coup, on aurait pas, pu euh, attaquer avec ça, euh, ce tour-ci. Je comprends pas ce que fait Lopo, mais <laughs> pourquoi pas Enfin, quel est son but Je comprends qu'il te défausse des cartes, mais où, où ça va tout ça Où ça mène euh, Il joue Shieldred de la nouvelle, pour, euh, pour réanimer. Non. Ok, on va défausser hein, Pas de galère. Pas de galère. Pas de galère. Et je crois que tu animes, tu animes fonderie et tu mmh. bois avec ta 1-2. Ouais ouais. trailing Alain Bellemain et Marine Bondreau ah bah c'est le couple ultime hein c'est le couple qui fait gagner ce corel. Bam 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 oh, je mets tout hein, comme ça je remballe sur Vras ouais bah ça va il joue tribal défaut s'il joue pas tribal Vras non plus oh petit, euh, petit commandement de Geeks qui doit traîner hein gros si t'appelle la carte il en a un il va le piocher il va se dire putain euh, j'ai bien fait de la mettre je crois que t'as rien à protéger, tu peux boire extra hein. Ah tu crois Je pense, ouais. Oui, c'est vrai que j'avais une deuxième recruteuse. J'aurais pu... Est-ce que ça changeait la cloque Il était à 13. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Crois si pas on que le ça laisse à un, perdu. oui. Ouais. Oh, nice. Oh, En vrai, c'est pas si mal, selon. Ouais. Bonjour. Oh, bah, Bonjour, hein, avec plaisir. Bien joué. Après, euh, MTJ et Billy, franchement, tu cherches. Tu joues que des spells à deux qui font des ah Et au ouais. bout d'un moment, si tu pas le board... Ouais. Ah, ça marche pas, quoi. Après, 8 ondes. Ouais. Euh, ouais, ouais, il te cherche. mal, c'est vrai. Et bon, jouer tribal défausse contre, contre Mono White, c'est bah, c'est pas très bien, quoi. Il est mal tombé. Ça ne marche on pas. Était pas. On n'était pas le bon adversaire pour lui. Bam, 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 bam. Ok. Bon, c'est là qu'on te pense, en fait. On en fait une petite dernière parce qu'après il fait fin quand même. Oui, il fait fin. Là, ça creuse. Je tiens à préciser pour le chat tous ceux qui m'attendraient demain matin lors de la Matival, il n'y aura pas de Matival demain matin. Voilà. Oh euh, on a un rendez-vous euh, que l'on doit absolument honorer. Euh, donc il n'y aura pas de Matival. J'essaierai de streamer samedi matin. Probablement pas du Magic parce que du coup on n'aura plus accès à March of Machine. faudra attendre. Euh, mm. euh, faudra attendre euh, la sortie sur, sur Arena la semaine prochaine. Mardi. Et voilà, je pourrais soif. pas. Je pourrais pas continuer malheureusement à. À tester les, les decks comme habituellement. Yes, moi mon prochain stream lundi du coup je sais pas ce que je vais vous faire. Euh, Peut-être on va on va juste papoter, on verra. Parce que vu que l'extension sortira le lendemain soir, on verra. Je crois que j'ai j'ai des jetons. Ah non mais mes jetons de pas casser, je vais m'en servir pour l'extension. cette fois-ci, cette fois-ci on fera du limité. Ah y'a du cube Ah bah voilà ce qu'on va faire. Après fais gaffe, c'est le cube du Retamer. Ouais mais on va faire un petit cube quoi. On va se régaler. Okay. Magic noob. le cube du Retamer. Euh, déjà je suis pas fan, mais alors quand j'ai regardé la gueule du truc euh, sur le stream de JE, j'ai fait ok. Pas pour moi. Ah, je ouais je vais 4. Oh, nouveau terrain, on l'avait pas encore vu. Insane Alors que... Tout le monde adore et tout le monde joue un milliard de parties quand c'est le cube euh, traditionnel. Et je sais pas pourquoi ils continuent à mettre le cube du Retamer. Ça me fout en l'air, quoi. Ouais, je pense qu'il doit avoir des stats différentes. Euh... Même le cube chromatique en vrai, c'est rigolo deux fois. Mais en fait, le ouais, cube chromatique deux cubes chromatiques et après t'as plus envie de jouer, quoi. Encore Retamer, je comprends plus le. Je suis d'accord. Moi, pour moi, dans l'ordre, c'est cube traditionnel où vraiment tout le monde trouve que c'est un banger. Tu vois, mais en plus, à chaque fois, il le renouvelle. Donc, tu as quand même une expérience qui diffère entre les différents cubes traditionnels. Ouais. Ouais et ouais. après, dans la hiérarchie, c'est cube du rétameur et cube chromatique. Cube chromatique, euh, je touche plus avec un bâton, tu vois. Cube du rétameur, je regarde un petit peu les synergies qui sont poussées. Les cubes traditionnels, bah, on, on adore. C'est juste incroyable. Il a quoi le cube du rétameur C'est un cube qui euh, pousse euh, euh, seulement à la synergie. Euh, et pas euh, pas jouer des bonnes cartes ou pas l'interaction. Le but c'est d'essayer de janker. Je suis avec Eganjo hein, parce que ça bah, ça peut gérer à autre chose. Tu fais bien, tu fais bien. Donc euh, c'est amusant un hein, cube mère, mais moi vous savez que c'est pas trop mon... Pas, pas trop mon truc. Ah bah tu piqueras un token, c'est vachement mieux ouais. C'est pas mal ça. Tu sais que je l'aime bien ce deck mono blanc aussi, hein. Il a une bonne Vraie bonne vibe. Oh magic nous, oh, allez une petite der là. Mais on les Et... foudroie à tour 4. C'est chaud, c'est chaud. Juste on peut. T'sais, je te rappelle que pendant une heure, euh, les gens dans le chat nous ont dit oh vous faites que perdre vous êtes nuls. Mais justement on Donc, gagne. Euh... Ouais ben bah oui mais on a beaucoup gagné c'est bon. On a foudroyé les gens. On s'arrête là, là. Ouais on s'arrête là. Ouais, je pense euh, moi je commence vraiment à avoir faim. Je suis désolé le chat. Euh... Let's go. Mais je euh... Je me liquéfie. Ouais, non, mais euh, j'avoue que la fin, euh, la fin se fait bien sentir. J'ai si jamais on fait une petite conclusion sur, euh, sur tous les decks qu'on a joués là. Ouais, alors attends. Hop. Alors dans l'ordre, on avait. Euh, les Marker, c'est probablement trop gentil. Ah, 5C, pardon. 5C, 5C ça m'a l'air pas si mal. Pas si mal, mais euh, l'impression que j'en avais, c'était genre. Euh... Ça fait un truc différent euh, d'autres decks du méta, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Euh... Ça, ça attaque pas en fait le format sous un nouvel angle, entre guillemets. Ouais, vois, en fait, ça veut essayer de un proposer peu des choses plus, plus craquées et janky que Esper Legend, mais ouais. c'est moins interactif, donc forcément, ça s'adaptera moins bien au format. Mais on a vu quand même que Katilda, dans Inga, tu, tu, tu fais des trucs un peu bébêtes, quoi. Ouais, tu peux faire des trucs, ouais. Mais disons on avait à ce moment-là, il y a eu peu d'interactions en face. Euh, Peut-être aussi que ça nous a permis de. tu vois. Alors je suis désolé, euh... je vais répondre à C-Moi qui dit du coup bref, LH 100% de Winright. Je te ferai remarquer que toutes les fois on a eu LH Nord en main, on ne l'a pas joué. Euh, on a pas cassé, ouais. Donc, euh, je sais pas si ça prêche tellement en sa faveur. Celestia Marker. Euh, Celestia Marker. Euh... D'ailleurs, regardez, quand je mets la souris, il y a juste le petit génie qui passe euh, son ouais. museau. Celestia cool. euh, Marker. Je pense que, que c'est en dessous de of et de Mono Blanc ouais. pour la même volonté. C'est genre un excellent deck de draft ouais voilà c'est ça c'est l'archétype mais... mais par contre toutes les synergies qu'il y avait entre plein de cartes j'ai l'impression oui, que c'était un deck truc... de standard d'un autre format en fait c'est pensé Donc, pour euh... fonctionner et, et ça a l'air trop gentil attends j'ai un doute là mais il est entièrement rotation proof quasiment à part euh, courage à la ferme mais bon ça c'est un spell qui peut se remplacer peut-être ouais, que typiquement deck, euh... ouais non mais je dirais peut-être qu'il y aura une autre itération tu vois de courage et à la ferme oui voilà ok euh, en vrai, ça c'est peut-être à la rotation. Un deck qui tabasse genre, à la genre pile en, en septembre. À quoi que soldat existe toujours en septembre, mais bon. Ouais. Bon, on verra. On en tout cas, c'est rotation aussi... proof, donc c'est ça peut être fort. Toxic aussi qui rotationne. C'est euh... un bon indice en général quand un deck est, est complet euh, de cette année, ça veut dire qu'il est peut-être prévu pour l'année suivante, tu vois. Ouais. ouais. Ça. j'étais euh, de la merde. Mange pas de pain. Ben non, je crois que c'est juste nous qui avons euh, juste full mal tagué, full déchaté, mais je crois pas que ça soit nul. Hein. Ouais, je trouve que Jeskai c'est pas les bonnes couleurs. Je pense que Boros c'est bien mieux, tu vois, pour le mentor. Ou Justizet. C'est plus... plus agressif, mais mm. genre Iconoclast, c'est pas une demi-carte dans la strat, quoi. Ouais, mais en fait, je si, crois on avait... que... si, on avait... si on avait tagué les decks de fin de partie avec ce deck-là, mm. je suis sûr qu'on aurait mis des claques énormes. Ouais peut-être. Genre on a affronté que Red avec ça. J'ai pas, en fait, à part si t'as mort je trouve que c'était pas trop agro non plus quoi. Merci beaucoup Mirouf pour le sub et Dan Carter 62 Merci beaucoup. Non non, mais c'est moins agro que Boros Mentor par exemple. C'est ah justement ouais. une version plus euh, mid range, un peu mm. un peu value. Mais genre de... les, les cinq derniers adversaires qu'on affronte, tu les tags avec ça, tu, tu les dépopes. De mon point de vue, c'est quand même c'est quand même pas fou quoi. Mais bon. Enfin, je trouve ça dur. On a affronté que monorad avec ce deck. Ouais, mais même ce que ça proposait euh, contre anti contre Edith Sholdred, c'est hyper dur. Bon, contre Edith Sholdred. Euh... Bah s'il ouais, dit ouais. non, jetons, et du coup tu, enfin, tu peux perdre que Vivlance. sinon, créa... tu perds tes créature, quand même. Hein je sais pas, moi je, je l'enterre pas du tout. Je je, je reste très euh, très ouvert sur ce deck là. Je pense que en fait, Iset. Izette... J'en ai pas assez vu. Euh, Iset avec le... activer les flammes et peut-être ah ben voilà la nouvelle carte Lancier, c'est bien. Boros manteau de monastère euh, prouesse un peu c'est bien aussi Jeskai je je crois que entre la mana base et tout on se on se prend un peu les pieds je ne vois pas trop d'autres versions en fait du deck euh, j'ai mis une réserve euh, j'ai mis une réserve sur ce Jeskai je trouve qu'on l'a pas vu dans les bonnes conditions mais après je suis d'accord mais euh, mais bon j'entends j'entends en fait il faudra voir vu que euh, le deck peut stumble tout seul tu vois genre c'est ce qui nous est arrivé si en plus t'as des match matchups qui t'écrasent euh, qui sont en plus déjà présents dans la méta euh, c'est un peu dur, c'est ça mon, mon argument bah ouais enfin Monored c'est pas le deck le plus présent non plus du format non mais c'est là tu vois genre même euh, Grixis Interaction hein. c'est dur, il hein. y, y a que ouais, trois spells hein, mais... qui, qui te sauvent tes bêtes si, si t'affrontes Monored et que t'as un side en jouant du blanc tu vas t'en sortir, tu vas jouer des festivités et il va se ouais. passer des trucs quoi la mana base elle est pas très bonne aussi euh... je, je, crois, je crois pas que l'argument ça soit que Monored existe dans le format non, j'ai pas dit monored, j'ai dit des decks. Parce que pour moi, Grixis, c'est pas très bon non plus. Mais bon. Ouais, je, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai du mal à penser que ça soit vraiment horrible comme paquet. C'est une bonne tête, moi je trouve. Moi j'aime bien hein, Mentor et Activer les flammes, mais. Ouais, je pense que c'est. En tête. fait, c'est deux decks mélangés, hein, à mon avis. Il y a plus une version UZ et une version Boros. Par contre, l'ancien à sortilège, exceptionnel. Hein. piétinement Pro ce qui se transforme en grosse bête qui part deux. Ouais. je, je continuerai à tester la, la version euh, Jeskai de mon côté et on verra, mmh. on verra à terme yes euh, ensuite ça bon ça c'est un bon deck avec des nouvelles cartes ça a évidemment ouais, bien marché euh... mais on a vu qu'Invasion c'était très bien ouais. qu'un on n'a pas place, vu euh... assez on peut pas trop juger il y a quand même un, un truc qui est un peu sympa c'est qu'à la base Jeskai c'est un peu une, comment dire, une nouveauté de cette fin de format mais qui est quand même très exceptionnelle qui n'a pas réussi à s'imposer, euh, si ça offre l'alternative à Jeskai de devenir une nouvelle tricolorité midrange, mm. pour le coup, c'est assez nouveau. Oui. Euh, c'est pas le cas en standard actuellement. Donc, si jamais Quintorius, Zurgo et Invasion de la Nouvelle Phyrexia imposent cette, cette tricolorité-là comme une norme, bah en fait, c'est un nouveau deck. Mm. Parce que c'était pas vraiment une vraie option, Jeskai. Oui, oui. Plutôt euh, un deck de circonstances. Donc euh, ça plutôt, plutôt curieux, je continuerai oui. à creuser aussi euh, ce truc-là. Alors sans euh, chier sur Quintorius parce qu'on l'a pas vu, enfin on l'a vu vite fait, mais genre il a, il a pas fait grand-chose. Euh, en vrai le deck je l'imagine comme ça, tu vois. Genre je, je oh, Taille, bah, je, je, je comprends. Veux. Invasion of Phyrexia c'est super. Euh, Quintorus, dans je le deck, enfin euh, je peux jouer, on peut jouer des trucs plus chers qui euh, pour le même prix pardon, qui font meilleur je pense, mais. Bah je vois pas de drop 5 qui soit forcément en bien fait, mieux que Quintorius. Tu, tu rentabilises des anti-bets de ton oppo quoi. En tout cas la une. Peut-être c'est une carte de side. Mais ça, ça prend pas anti bets Ça, bah ça fait plein de tokens. Ça fait des tokens, ça fait des tokens. Du coup, Quintorius, c'est juste ça arrive, ça meurt pour moi. Dans cette version. Ouais, bah, c'est pas grave, hein. T'as as, as dit, le... t'as le... échangé des ressources en mid-range et si ça meurt pas... Euh... Ouais, enfin, tu as joué un drop 5, il a joué que 2 manas pour le tuer, donc... Euh... Ouais, mais c'est le, le même argument que t'auras sur les autres drop 5 que tu peux vouloir jouer dans le format, tu vois. Bah justement, celui-là, par exemple, qu'on joue dans le deck, il prend pas anti-bet C'est ouais, sacrifié est pour ou ça rien C'est pour ça qu'il est aussi dans le paquet, mais je veux dire, la différence entre les 4 manas de Sheldred et les 5 manas de Quintorius, sur le fait que tu pris anti-bet derrière, c'est à peu près le même argument, quoi. Sauf que lui, en fait, il... dit. Oui, mais genre, le fait qu'il et... tourne, c'est beaucoup moins fort que Sheldred, je pense. Ah bah, je suis pas d'accord. Mais bon, le but c'était pas de re rentrer dans le débat, c'est juste mon avis. C'est que. Non, mais c'est super intéressant de bien, rentrer toi. dans le débat, tu rigoles. C'est un des débats les plus intéressants. Et il, anime, il anime tout le monde. Personne ne sait si c'est bien ou pas. Mais genre, si ça, ça tourne, tu fais un 3-2 par tour qui peut se transformer en n'importe quelle carte de ton deck que tu rejoues. Ouais. Pour moi, c'est plus fort que Chalred. Si ça bah... tourne. Ouais. Ouais, mais en fait, il faut un, un peu plus de, de setup, tu vois. Bah dans ce deck-là, pas tellement. Je dire, faire ton 3-2 tous les tours. Est-ce que les autres Quintorius euh, trigger avec les cartes exilées par les suite d'avant Non, je crois pas. Parce que dans ce cas-là, c'est meilleur. Ai... J'en ai aucune idée, mais ça m'étonnerait pas du tout. Je vais essayer une carte exilée par Quintorius. Ouais, je pense que ça fonctionne. Bien ah, sûr. mais souvent, quand il y a écrit le nom de la carte, en fait, ce, qui, ce que ça désigne, c'est cette carte-là. C'est pas un Quintorius. Donc, euh... ah, je, je, je pense que le Quintorius feed le, le suivant. Par exemple, Ashiok à l'époque, quand ça exilé les trucs et que tu les jouais avec Ashiok, si on te le tuait et que tu rejoins un Ashiok, tu ne pouvais pas jouer les cartes des, des Ashiok d'avant. Le nom de la carte fait référence à elle-même. Ouais, donc okay. c'est ça. Donc ça ne marche pas. Ah, parce que là, dans ce cas-là, effectivement, c'était meilleur. Hein. Ça veut dire que dès qu'il y en a un qui passe un tour, tu rejoues des trucs. Mais en fait, je pense que dès qu'il y en a un qui passe un tour, la carte, elle se justifie compétitivement, déjà. Ouais, peut-être. En fait, j'ai l'impression que 5 pour le standard, c'est un peu. C'est compliqué. Mais ça, peut-être. Ça peut être. On peut acter que 5, ça sera trop, trop cher. Mais mm. je, pense que, je pense que la carte est, est, est plutôt intéressante. Ça, pareil, on continuera de tester pour ouais. voir. Pour mais voir ça, je truc. trouve que c'est le meilleur deck qu'on a testé ce soir. Euh, en termes de, de, de midrange. Ah, je, je, je dirais Orzov, of, moi. Ah oui, d'accord, en termes de midrange. Parce que je euh... si dirais Orzov le meilleur deck de ce soir. Ça, ça ça, franchement, ça, ça on, est, demande... on est sorti comme de la merde. C'est difficile de juger, mais. Non, mais ça demande un, un meilleur dégrossissage. Que... Ouais, il manque une capa euh, statique. Bon, bon, c'est faible je trouve. J'ai la, sens la sensation que c'est fort, mais c'est difficile de mettre le deck autour. Franchement, tu, tu, rajoutes juste le piétinement. Je me dirais, ok, euh, c'est vrai que la, la bête est bien, elle se protège, elle fait de la value, et ça, ça cogne. Là, c'est, c'est un blocable. Enfin, c'est un peu, un peu frêle, quoi. Par contre, invasion de Kaldheim Alors, nous, on l'a pas joué, mais on a joué contre. J'ai trouvé ça vachement bien. Ouais. Je, pense que ça peut je, faire je, je reste sur Bobo Grimos: euh, 6-5 pour 5 qui te fait draw et peut péter une carte en face. Ça me paraît, ça me paraît aberrant de stats, quoi. Genre, ils l'ont mis en mythique en plus, quoi. Et, et, et en fait, cette carte-là, quand tu la lis la première fois, tu ne peux pas trouver ça bien. Et j'ai l'impression qu'ils ont une volonté, ils ont un plan pour cette carte. Je sais ouais. pas lequel. En plus, un, tu la mets en troisième position, tu vois, c'est pas de deuxième. Gros, ils ont un plan pour ça. Je, je pense je, je que, que pas, quand euh... ils ont design la carte, ils l'ont fait plus fort que ça, et ils l'ont nerfé dans les tests. Et peut-être qu'ils l'ont trop nerf. Ouais. et je peux me tromper, hein. ouais. ça encore une fois c'est le genre de carte si je me trompe je suis très content c'est bon. super dur à évaluer voilà. et du coup je me méfie de ces cartes là que, que j'ai l'impression de ne pas comprendre au premier abord ouais. ah, c'est sûr que chez Holdred bon. c'était plus facile à évaluer hein, quand c'était révélé ouais, exactement. en tout cas ça pas, pas très bon deck ça cas, excellent bien. Excellent. à voir si en termes de ce que ça propose notamment avec le side parce que du coup on a accès à du noir, c'est meilleur qu'un soldat parce que si oui. c'est pas meilleur que soldat on va jouer soldat Franchement pas... le fait que t'aies 4 Sholdred dans ton deck et 4 censeurs phyrexion, c'est un vrai argument que Soldan n'a pas. Ouais, pour moi, c'est encore plus censeur. C'est Senseur vraiment, c'est. ça lock la game quoi pour le pot. Après, les 4 Sholdred en haut de curve, c'est l'argument des Spare Legends. Donc euh, t'es content de le reprendre ici aussi. Oui, hein. t'es content de l'avoir, mais en fait, euh, par rapport à d'autres decks qui jouent Sholdred, toi tu as Ascenseur Firection en fait. Qui peut faire mm. des dingueries. Donc, ouais, non, ça euh... c'est vachement fort. Enfin, c'est une itération d'un deck qui mais... sera au moins tier 2, tiers 3. Comme je disais, euh, le problème c'est qu'il y a des gens qui jouent Firexu en face, notamment Shield Raid, et du coup quand tu fais ça tour 3, en face tu te prends Shieldred qui arrive d'étape. Donc euh... oh Ouais, mais je veux dire, si t'aurais pas fait ça, dans tous les cas, il aurait fait aussi Shouldered qui arrive d'étape, donc c'est pas très grave. Ouais, oh ouais, mais genre euh, ça répond pas à une des meilleures cartes du format, quoi. Ça répond au reste. Mais ouais, le deck euh, intéressant, en tout cas. Et ça, bah euh, étonnamment surpris. Aussi, ouais. Euh, ça, bon, de avoir. Euh, je pense que Elchland, ça n'a même pas sa place là-dedans. malheureusement. Euh, par contre, tu en mets 2 dans le side en miroir, là, là, là tu discutes. Ouais, okay. ouais. euh, Chevalier errante, -er euh, super. Et tout le reste du deck, on connais déjà. Je crois que je rajouterai un, un 24e land et je mettrai juste la, la 4 Adeline et, et je, on irait comme ça, à rouler bolide. Il y a la place de 2 Elchland. Ouais. Après, c'est vrai que ça t'apporte une espèce de rich Elchland. Et en plus, on a les 5, ouais, ouais. donc on peut la retourner et faire des, des bêtises. Hein. Non, je pense qu'en vrai, ouais, c'est en un ou deux exemplaires, c'est vraiment pas déconné. Hein. Peut-être, peut-être. C'est peut 3-5 vigies, me... quoi. Que je me fourvoie. Ok, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 decks quand même, hein, lors de la P. Hein. C'est pas mal. Pas ouais, c'est pas ça mal. Va, ça va. Euh, et qu'est-ce qu'on a pensé des autres decks euh, qu'on a affrontés bah, Beaucoup de decks rouges, en vrai. Donc pas très intéressant. Euh, Monored, c'est pas mal. Boros Mentor, c'est pas mal. Ouais. Il y avait un autre deck qu'on a trouvé qui était cool. Euh, c'est Mardu euh... avec l'enchantement là? Non, pas, pas mmh. bombardement. Ah euh, par contre, Mardu réanimateur avec le, avec le gros rituel là, à 7 qui lui a fait Coronos dans les ah ouais, c'est dans... Ça, ouais. ça c'était pas mal aussi. Ouais. Euh, ouais, ouais, parce qu'on a, qu on a voilà, le temps de ramper, vu. du coup si tu affrontes pas un match -up bleu, ce spell il est écrasant. Si tu affrontes un match -up bleu. Euh il bah, faudra, il faudra juste discard, passer par voilà il faudra passer par euh, ta ouais. partie midrange mais c'est pas mal il y a hein, un autre hein. truc un autre... standard qui font gagner la game on en a déjà vu ouais il y a un autre truc qu'on a vu qui est un deck qui était fonctionnel et qui était cool je me souviens plus ce que c'est mais bon voilà whatever on hmm. on en... On, en... on le reverra si c'était si ouais. ça de toute façon ah sentinelle d'or solaire c'est vrai que ça rentrera dans le mono blanc très fort je pense c'est quoi Sentinelle d'or solaire C'est la 3-2 pour 2. Et quand elle arrive en jeu ou qu qu'elle attaque, elle exite du cimetière. Et ça peut ouais, avoir la protection. Mais... Quelle, quelle, quelle place tu, tu prends ici euh, Je pense que tu peux que aies une Talia et, et deux adversaires. Adversaire, ça fonctionne notamment parce que tu joues, euh, tu joues beaucoup de drop 1 et tu joues, euh, et tu joues Essence de Je crois que. En tout, tout cas, c'est comme la ça place. que j'ai la... a... pensé la liste. Si les decks cimetière ça t'enterre. Euh... Bah, tu le side, les joues en les sentinelles, je pense. Oui, on les joue en side, peut-être. Ouais. Ouais. Mais euh, ouais il est faux, je pense. C'est trop bien, c'est une bête d'agro qui fait de la disruption. Yep. Big Red Bataille, bah, ça, on vous l'a dit tout à l'heure, mais on trouvait ça. Là, ça a marché, mais euh, en définitive, c'est pas assez fort. C'est pas ça. Quoi, vrai, quand il plein. joue une bataille qui retourne une autre bataille tout de suite. Euh, C'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu impressionné. Je me suis dit, ah ouais, euh, ouais mais pas besoin de passer si par le bord. J'imagine, mais... il, de... il prend le temps de jouer sa bataille, qui a un effet plancher qui est un peu médiocre. Ensuite, mmh. il prend le temps de jouer son anti-bet sur sa propre bataille pour la retourner. Et toi, pendant ce temps, si tu ouais. joues euh, ne serait-ce que hors-off, tu le défonces. Ouais, je enfin, pense genre, que... ça, euh, je pense qu'il y a pas de débat. C'est dé... marrant. quoi. Bah, en fait, non, parce qu'il y a une bataille rouge qui, qui fait euh, 3 dégâts à tout. Donc en fait, ouais. euh, justement, ce qui est bien pensé, c'est que il va garder le contrôle du board sur le contre les deck aggro. mais quand tu joues contre midrange bah, je crois que là ouais. tu, tu fais rien quoi. Non non, mais c'est pas, c'est pas, un, comment dire, c'est pas un deck au sens compétitif comme on le comme, comme on l'imagine, c'est un deck marrant. Bah ouais ouais. Euh, ok, bah écoutez, fin de ce stream, c'était régalant. Rediff Regal, demain pour cool. ceux qui ont loupé ou tout de suite sur Twitch pour ceux qui le veulent, mais voilà, sinon ce sera demain sur la chaîne principale, euh, pas sur la chaîne TV mais n'hésitez pas à aller vous abonner aussi à la chaîne TV, il y a plein de nouvelles vidéos qui sortent dessus, donc si vous voulez encore plus de contenu bah, n'hésitez pas, je mets un petit lien hop, comme ça, dropé. merci beaucoup Elshkan pour le 36ème mois de sub, 3 ans oh, incroyable, cocorico merci tout. beaucoup, bah, je veux les anniversaires de sub pas de stream demain pour Val, donc on se retrouvera en stream, euh, pour ma part lundi et Val peut-être ce week-end samedi matin, ouais, samedi matin, excellent et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie ciao tout ciao, le monde, tout le monde.